On est en ligne? Allez. Bonjour à tous, 98 épisodes, man. J'ai jamais eu 98 de rien. Pour vrai. En tout cas, c'est sûr, j'ai jamais eu 98 pour ça à l'école. Ça, c'est certain. Sinon, je serais pas ici. Hey, what's up à Éric Lafond, Monsieur Coco, Marie-Pierre, salut à toi. Dukessa Pandadou, malade, je pense que je l'ai bien dit en plus. Compte tenu que je suis pas capable de dire le mot queso, comme du bon, c'est quand même pas pire. Evelyne Trefoy qui est avec nous autres, Éric Lafond qui est avec nous autres. Dommage qui est avec nous autres, word up, dommage. Monsieur Coco, notre boulanger pâtissier favori de la France qui est avec nous autres. Puis sur Twitch, mon Dieu, vous êtes un esti gang. Giovanni Apollo qui est avec nous, mais l'est-il vraiment? Là est la question. Ramzoulios qui est avec nous autres, Chrono Chic qui est avec nous autres, Mighty Max. Will Smith, le gars avec le meilleur nom sur Internet, me semble que ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase culte. Word up à Will Smith. Merci à Will qui a fait la modération souvent dans le chat là, pour nous autres depuis toujours. Et les choses se passent à fond, Robert. Déjà un sub, ben on a monsieur, ma foi, Recoco, je crois, quelque chose du genre. Fricobo. Fricobo qui vient de s'abonner avec Twitch Prime. Gros merci à Fricobo. D'ailleurs aussi, Lun4RxWolf. Qui nous host, ainsi que Will Smith. Gros merci pour les hosts, les choses se passent à fond sur Twitch aujourd'hui. Là aussi, les gens de Facebook, on vous encourage toujours hein, de vous inscrire, vous abonner à notre page Twitch, pour vrai, pour pas manquer une seconde de l'action, parce que des fois, on fait des lives juste sur Twitch, des fois, on fait des lives sur Facebook. On sait jamais ce qu'on fait ici, c'est l'anarchie culinaire. C'est un nouveau sub, qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouveau sub? On met ma face sur le frigo, man! C'est comme le moment préféré de la journée. Et puis, tant qu'à être sur le frigo, hein, je mentionnerai également qu'on a déjà reçu deux dons significatifs d'une grosse bière de la part de M. Sébastien Roy, fidèle à son habitude, ainsi que les top chronos. Ouais, je te jure en partant chaud, parce que je te relance, Alexis, avec Madame Melod Master, qui nous host en ce moment sur Twitch. Et voilà, puis les gens de YouTube, vous pouvez toujours copier-coller le URL dans le haut de l'écran en faisant pomme C, puis après ça, vous allez coller ça sur votre page respective Facebook en faisant pomme V. Puis moi, j'ai un Mac, fait que c'est pour ça que je sais ça, vous avez un PC. Comment ils font s'ils ont un PC pour copier-coller? C'est-tu le même principe, Alexis? C'est CTRL. CTRL. CTRL C. Voilà. Et après, CTRL V. Exactement, Robert. Excellent, merci beaucoup d'éclaircir ça pour nous, notre technicien Alexis Bro. Ouais. Toujours à l'affût hein, de vos questions du web. Connaît tous les trucs, absolument. George Poggiolini qui est avec nous autres. Mick Bois qui est avec nous autres aussi. Frenchy Foodie en direct du sud de la France. Nous, il fait beaucoup plus beau que chez nous. C'est certain. Et Nono Berfa qui est avec nous autres aussi. Alright, on a un esti de beau show avec vous autres aujourd'hui. Vraiment, je vais vous parler de ma dépression saisonnière. Et cette année, la dépression saisonnière me frappe de plein fouet parce que nous sommes. On est quelle date aujourd'hui? On est le 8 avril et il neige en ce moment à Montréal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans le reste du Québec, mais il neige à Montréal. C'est terrible. Et en plus, qu'il neige au printemps. Le Canadien de Montréal a joué son dernier match hier soir à la télévision pour la saison 2017-2018. Ça veut dire que c'est le printemps et il n'y a pas de séries éliminatoires. Il fait pas beau dehors. Ça veut dire qu'il n'y a rien à écouter à TV. Ça veut dire que la vie en ce moment, pour un sportif de salon, c'est de la merde. C'est ce qu'on croit. Par contre, je te garde en suspens aujourd'hui, Alexis. Mais nos invités d'aujourd'hui amèneront un rayon de soleil. Et sont des sportifs de salon. Et déjà, j'ai un bras avec des frissons, Alexis, et deux bras avec des frissons. Take that, René Aumirois. T'es pas capable de faire ça avec tes bras, hein? Puis t'as des plus longs poils de bras que moi. On a Evelyne Auger et son copain, François Bouliane, qui sont avec nous autres dévisants à l'instant. Yes. Bonjour, bienvenue. Salut. What up, Frank? Ça va? Oui. François et moi, on se connaît. En fait, on s'est rencontrés au podcast, le COVID Sort. Ouais, de notre ami Pierre-Bruno Rivard. Oui, que bien des gens connaissent aussi, parce qu'il est passé à quelques reprises à l'émission, en plus. On salue Pierre-Bruno. Et Evelyne, c'est ta première visite? Oui, première visite. Bonjour. Oui, lafraicheleblog.com. Oui. Oui, exactement. Yeah, qui est ton blog végétarien ou végétalien? En fait, c'est un blog de cuisine sans viande. Okay. Donc, il y a des recettes végé, il y a des recettes végétaliennes, puis il y a des recettes aussi de poissons et de fruits de mer. Fait que c'est vraiment pour bon genre de végétalien. Les gens à aller dans le côté sans viande sans nécessairement se casser la tête avec du 100% vegan puis avoir plein
plein d'options. Fait qu'un genre de flexitarisme moderne. Genre. Pescatarian. Pescatarian. Tu manges ça du poulet? Non, pas du tout. Même pas de poulet? Ouais, non, ça fait 4 ans. Wow, est-ce que toi, tu suis-tu ou... Ouais, mais moi, je tu sais, déjà de se faire cuisiner pour à la maison, c'est... J'emboîte le pas, moi. Si elle me disait, on mange que du chou-fleur, puis ça serait elle qui cuisinerait le chou-fleur tous les jours, ça serait du chou-fleur pour Frank. Je suis pas sûr que ça serait... Non, mais t'es lean en plus. T'es Merci, je porte du noir, c'est ça, je suis caché sous le noir en velours. Mais t'es seulement que le deuxième invité, je pense qu'il me dépasse de ben quelques pouces. Ben ouais, je me passe un peu parce que... J'ai mis mes souliers plateforme en plus. Ah oui! Là, je me penche un peu parce qu'avec Evelyn dans le milieu, on dirait de l'intimidation. On s'est mis tout le monde à côté. Non, mais t'es lean pour vrai, littéralement. Mais t'es très gentil. Tu manges bien. C'est... Merci beaucoup. Ben, on essaie. Mais je mange très bien. Ma blonde fait super bien à manger. Puis je suis choyé d'avoir ça à la maison. Puis moi, j'essaie les recettes parce qu'elle fait des tests pour ses blogs, évidemment. Puis c'est ça, c'est moi le goûteur. Puis généralement, c'est magnifique. J'ai appris quoi avec? T'es une sushi girl. Oui, je suis mise sushi pour Geneviève Evrel, ça fait 3 ans et demi. Ah ouais, c'est malade. On salue Geneviève Evrel. Qui était au show il y a genre 2 semaines de ça. C'était-tu 2 semaines? 3 semaines. 3 semaines, je pense. Ouais. Ça passe vite quand on s'amuse. Ah, absolument. C'est ça l'affaire. Pendant ce temps-là, il y a Marie-Pierre qui s'est ajouté dans le chat. Poutinos et Make Magic aussi qui est avec nous autres. Steph XX qui est là aussi. Et Cindy Cinnamon. Qui est vraiment, mon Dieu, depuis le passage de Monsieur Pelletier, elle est avec nous à chaque semaine, littéralement. Yes, hey, je vais vous expliquer un peu. À droite, c'est tout le monde dans Twitch qu'on voit le chat. Ici, dans le centre, c'est YouTube. On a les caméras, il y a la podcam. Oui. C'est juste pour réveiller Alexis un peu. Il y a la bobcam, ma planche à moi. Et il y a la présentation cam. Ça laguait un peu. Là. C'est correct. Il y a 14 secondes de délai, je crois. All right. Et la première recette du jour. Oui, la première recette du jour. Mais là, tu parlais de sport puis de sportif de salon. Ouais. Ce soir, là, il y a un main event. Yes. Vas-y, mon amour. C'est WrestleMania. C'est WrestleMania. C'est WrestleMania 30. 4. Oh, tout le monde va m'haïr si je l'ai pas comme faut. Ah, ouais, 30, tellement. 34, 35, 30. 30. Non, c'est 34, je crois. Okay. Oh. Et ouais, c'est ça, c'est... moi, je suis un fan de lutte dans la vie, je suis... T'es-tu fan depuis longtemps? Ouais, vraiment. OK, j'ai commencé... Quel âge, toi? J'ai 35. OK, moi, j'ai 41. Fait que, mettons, 6 ans... parce que moi, j'ai commencé, genre, c'était Ken Patera et Big John Studd, les champions par équipe de la WWE. Ça, c'est old school, parce juste avant Nikolai Volkov et The Iron Sheik. The Iron Sheik. Qui est le meilleur compte Twitter à suivre, pour vrai, parce que The Iron Sheik s'est rendu un adepte de la cocaïne à Boucan, ouais. Ah ouais, il fume la cocaïne. Il fume la cocaïne et après il se lâche. Pour les gens à la maison. Oui, puis après il se lâche lousse. Il se lâche lousse sur Twitter. Puis non, il sent toutes ses meilleures expressions de lui. C'est formidable. Mon Dieu, je retournais sur Twitter. Non, ça vaut la peine juste. Mais toi aussi, t'es embarqué dans cette espèce de. Ben oui, on écoute ça à la maison, des amis, puis je suis rendue fan. Je me considère nouvellement fan de lutte. Moi, j'ai écoutez, jusqu'en 2005, j'ai décroché à John Cena. Je l'aime pas, John Cena. Tu l'aimes je pas? Je l'aime vraiment. Trop, Tout le monde il est trop américain. Trop boy scout, genre. Oui, ouais. Il y a la petite casquette, le look armé. Mais là, tout le monde l'haït, là, présentement. Mais oui, tout le monde. Mais c'est amour-haine, tu sais, John Cena. C'est génial. Génial. Parce qu'à chaque fois qu'il embarque sur le ring, là, le monde crie Cena suck. Puis il y a les demoiselles et les enfants qui font comme on a le gear, on t'aime. Encore, il vend du gear, mais c'est un bon lutteur. C'est un gars qui fait très bien son travail. Très c'est, bien épilé, très bien. Très bien épilé. Et c'est un des rares. Le côté féminin de la chose, c'est rare que moi, je remarque tous les petits accessoires et les choses de même. C'est ça qui fait des fois leur charme. Tout ce que je sais de ce soir, c'est le grand retour de Kurt Angle. Oui. Kurt Angle est là depuis un bout. Il est GM. En fait, le General Manager, puis il se bat avec Ronda Rousey qui a fait un saut à la WWE. Oui, mais ils font tout ça. Je veux dire, l'autre aussi, là, le débile de MMA, il va faire ça. Ouais, Brock Lesnar, mais il s'en va, là, paraîtrait-il. Les rumeurs. Mais il a commencé dans la lutte. Parce qu'il est champion. Il est allé dans le MMA, puis il revient dans la lutte. Puis au travail de tout ça, il essaie de jouer au football comme une fois par 4 ans, qui est sa vraie passion. Ouais. Puis il est passé. Il va peut-être jouer pour la XFL, paraîtrait-il, qui la ramène.
La lutte de... Le football des lutteurs. J'ai quasiment des frissons pour une deuxième fois dans l'émission. OK, pour ceux qui savent pas, là, on est parti. Moi, je sais pas, c'est quoi, là? Ouais, vraiment... On vient de perdre, genre, les gens du sud de la France. Non, mais, OK. Là, on parle de... Là, on combine comme tous les passions de l'homme... le white trash d'Amérique, pour vrai. Wow! OK, la XFL, c'est une ligue de football que Vince McMahon a parti au début des années 2000. Le propriétaire de la WWE. C'était du extrême je dis pour les gens à la maison. C'était du football extrême. Ouais. Et genre? Ah, des cheerleaders à moitié nus. Des lutteurs qui jouent au football. Il essayait de donner des personnages aux joueurs de football. Il y a un documentaire incroyable là-dessus de 30 for 30 sur la ligue de football de la XFL. D'ailleurs, on voit, il y a comme un des joueurs qui avait compris. C'était comme The Rock de la XFL qui avait vraiment des slogans. Puis le monde arrivait avec des pancartes. Puis il avait même fait changer son nom légalement pour avoir un nom différent. Non, oui. Yeah. Puis c'est à peu près le seul qui a vendu de la merch. De la merch de XFL. Ils l'ont arrêté parce que ça marchait pas partout. Est-ce que ça pogne? Parce que je sais que t'es un collectionneur de plein d'affaires inutiles, ouais. Un peu comme moi. Puis je vais demander, est-ce que ça pogne la merch de la XFL? Y a-t-il une valeur? J'ai aucune idée. J'ai zéro suivi ça. Puis ils l'ont arrêté parce que justement, ça marchait pas, mais ils ont eu la brillante idée de ramener ça. Tu sais pourquoi ça n'a pas marché, hein? Et c'est une histoire vraie. Après, Alexis et les gens, surtout à maison, vont venir comme à cuisine. Mais ce qui est arrivé à la XFL, c'est que la première année, pendant le... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, on parle de lutte en cuisinant VG, c'est assez niché. Comme Zulios, très mon calme. Mais pendant la finale de la XFL, comme le Super Bowl de la XFL, il y a eu, imagine Vince McMahon, comment c'est un débile, ouais. De tout contrôler. La génératrice a sauté, puis toutes les caméras, tout a arrêté de fonctionner en plein match. Puis ça a pris 60 minutes rétablir le tout. Et au bout de 60 minutes, la foule avait complètement abandonné. Parce qu'il y avait comme ça, il y avait comme un 10-15 millions de personnes qui l'écoutaient. Pour vrai? La finale de la XFL. Point, et tout le monde a décroché d'une shot. La première semaine de la XFL, il y avait des meilleurs codes d'écoute que la NFL n'a jamais eu. Ça a chuté vite. Puis après, oui, ça a chuté vite parce que la qualité du jeu était. Ouais, c'est ça. C'est pas du bon football. Mathilde, qu'est-ce qu'on manque dans le chat pendant toute cette belle conversation? Mais, tu sais comment c'est? J'aimerais ça qu'on salue un spectateur qui s'appelle Yannick Noël, qui nous regarde pour la toute première fois en live. Malade. Et qui nous félicite et dit « C'est de loin la meilleure émission interactive au monde! » Mon Dieu! On salue, merci. On lui souhaite... On peut plus dire qu'on est la seule, hein, parce qu'il y a Mike de course à cette heure. Non, on n'est pas la seule. Puis on est allé chez Mike de course ce lundi. Mike de course, suivez sa chaîne si vous êtes sur Twitter. Twitch. Allez vous abonner à sa chaîne, super bon show de cuisine d'ailleurs. Puis on était là ce lundi, puis il nous a cuisiné du bœuf Wagyu de comme 18 sortes différentes. Julie, t'as régalé. Non, Julie, vraiment l'estomac toute la nuit, je veux dire. J'ai pris comme 4 Zantac avant de me coucher. C'était grave. Puis aujourd'hui, j'en prendrai pas maintenant. Bon, all right, parce qu'on tombe dans la cuisine. Aujourd'hui, le coq au vin. Parce que c'est ma spécialité. Bien, check-moi, je vais me mettre dans le centre. Je te link ma planche, parce que c'est la première recette. C'est ta recette. Oui, c'est ma recette. Recette qui vient de ton blog. Recette qui vient de mon blog. C'est une poutine VG. J'avais envie de faire une poutine parce que j'aime ça. Puis je voulais arrêter de me sentir coupable de manger de la poutine. Fait que là, elle est comme un peu tournée à saveur santé. Jamais santé vraiment. Parce que c'est plein de fromage puis d'affaires, mais. Ça va être bon. Ça va être délicieux. C'est pas frit. Non, c'est pas frit. Les patates douces, on les fait au four. Fait que voilà. C'est délicieux. Frank, oui, il a mangé. Frank, très impressionné par tout ça. Ah, moi, je suis fasciné. Mais je suis pas un grand cook dans la vie, tu sais. Fait que déjà d'emblée, des gens qui ont une affinité avec ça, j'admire ça parce que j'aime manger, évidemment. Qui n'aime pas manger? Moi, j'aime pas bien ça me nourrir. Non, tout le monde aime manger. Puis, mais qu'est-ce que c'est quand t'es sur la route? Ah, j'essaie de faire attention, mais moi j'ai une diète de sandwich vraiment solide. Moi j'étais un gars de sandwich dans la vie, j'adore les sandwichs. On est fait pour s'entendre, ouais. Lutte, les bonhommes pop. D'où Jésus. On vous a pas encore parlé de notre collection on de bonhommes pas parlé pop. Des bonhommes pop. On garde ça pour la deuxième heure. Oh. Après la pause. Oui. Mais ouais, moi je suis un gars de sandwich, c'est magnifique, c'est tellement passe-partout, puis il y a des millions de possibilités, tu peux faire des sandwichs à tout. Fait que moi j'adore ça, je mange des sandwichs constamment. Ouais, il y a même des restants, des fois de très bonnes choses, il va se faire 3 sandwichs. Ouais. Au lieu de les manger, c'est une passion. Ah, OK.
Je fais des sandwichs à tout. T'es comme un sandwich artiste. Je suis un sandwich artist. Regardez mon blog là-dessus, soit dit en passant. Patate douce. All right, patate douce pour faire une poutine. Ça nous prend en premier parce que ça va être notre base de frites. Oui. Voilà. As-tu un économe ou quelque chose de genre où tu râpes ça, toi? Tout ce qu'il faut, moi. On a rien. On a deux types d'économes. On a l'économe classique et on a l'économe en forme de rasoir gilette. Oh Jésus, ça, c'est classique, mon gars. Là. C'est old school. Vous allez voir ma technique. Participez-vous. Comment ça se passe? Là, on peut faire... on donne une patate à Frank. Donne une patate à Frank. Si j'avais eu 10 cents à chaque fois que j'entends ça. Donne une patate à Frank. Est-ce que je me mets sur la planche caméra 3 ou... ça change rien, je pense. Ça change rien. Non. Alors, vous pouvez voir mes pelures ici. Là, j'ai bien compris, Evelyne, ouais. Que toi, tu ne... C'est tu mes ne... pelures. Est-ce que je dis Evelyne? Est-ce que j'ai sept? Ah, oui, c'est présent en deux mots. J'aime bien Evelyne. Des fois, ouais. Les gens disent Evelyne, mais j'ai pas d'accent. C'est okay. E-V-E, trait d'union, L-Y-N-E. Fait que c'est Evelyne. Oui, des fois, les gens prennent une pause, mais tu sais, c'est comme Marie-Ève. On peut le dire d'une traite. Ça se fait bien. Merci. Il n'y a pas vraiment de faute dans un nom. De toute façon. De la façon. Non, mais tu sais, moi j'ai un nom en trois lettres, dès que ça dépasse, bon. Ça devient tout con. Tu peux le dire à l'envers, ouais, ouais. Ça fait pareil. Hey, il faudrait que je m'appelle Bob Laval, ça serait Bob. Je me demandais ça, c'est-tu vraiment Robert? C'est un définitif pour oui, Robert? Oui, oui, oui. Ouais. En fait, c'est Robert James. Robert James? Oh, on est des Anglais pauvres chez nous, c'est comme une façon mais de se penser. C'est pas pauvre, ça sonne genre détective privé. Hey, Evelyne, tu ne bois pas de bière, je crois. Non, je ne bois pas de bière. Même pas de la rousse. Hey, je bois rien. Mais tu sais, j'aimerais ça aimer ça, là. Tu peux m'en donner une. C'est un scotch. Un bon Saint-Anneau. Mais ça va pour moi. Je suis. T'es merci. Sûr, mais oui. OK. Merci. Juste je suis à pire pour râper des patates. Je sais pas si les gens sont conscients à la maison, mais j'ai vraiment une technique. Mais ça va super bien. Honteuse. Puis Frank avec. Là, moi, je suis rendu ici juste parce qu'Alexis, je l'ai montré à la rousse. J'aime bien encourager les microbrasseries. Fait que puis on a un dep au coin de la rue qui ont toutes les belles bières les microbrasseries. C'est la Rousse la Schwab qui est une bière bio qui est pas nécessairement plus chère qu'une bière pas bio. Je pense que c'est 6$ pour ce 500 ml de houblon de grande qualité pour vrai. Moi je suis un fan des bières rousses. Et ça c'est une crise de bonne rousse. L'étiquette était écœurante en plus. Oui oui mais hein, absolument. Font des super beaux produits. C'est où la Schwab, pis c'est juste pour être c'est certain. Ouais. Je pense tout le temps que c'est Joliette, pis c'est pas là. On dirait que ça sonne comme. On n'a pas vu ça à Farnham, là. Saint-Félicien. Saint-Félicien. Il y a un zoo là-bas. Exactement. Et voilà, c'était ma référence. Tu tombes à gauche au zoo, pis t'arrives à la brasserie la Schwab. Okay. J'ai fini de plier ma patate, vous Robert James. Oui, on a un petit bol ici pour notre compost. J'ai Mathilde, qu'est-ce qui se passe dans le chat pendant qu'on composte? Ben, le chat est en feu. Là. On a Metal Kev qui dit, c'est drôle, j'allais au cégep avec François. C'est vrai? Oui, puis Metal Kev, qui est un de nos grands habitués le Chef Live, il dit qu'à l'époque, on t'appelait Bouli. Oui, c'est vrai. C'est mon surnom de Bécomo, en fait. Arrête donc, tu viens de Bécomo. Je viens de Bécomo. Ben voyons, je suis allé il y a deux semaines. C'est-tu vrai? Ouais. T'es allé cuisiner là-bas? Je fais un super bénéfice pour la Maison des jeunes, la Relève. Ah, très cool. Bravo pour ça. C'était la quatrième édition qu'on faisait ça. Pour ça a bien été? Ça va super bien. Cool. Mais tu t'es approché sûrement par des organismes de charité. Tout à fait, tout à fait. Puis il faut y choisir. Hein, dans ouais. Puis j'étais allé à Bécomo, pas par accident, j'étais pour un salon du livre, il y a genre 7-8 ans de ça. Puis j'ai rencontré la fille de la Maison des jeunes, puis c'était vraiment touchant son histoire, puis les jeunes étaient touchants. Fait que j'ai dit, OK, comment je fais de donner un coup de main, moi, ça? Ouais. Puis on a commencé les soupers Bob le Chef une fois par année, puis c'est vraiment cool. Ça là, on a ramassé 15 000 piastres. Ah, bravo, très cool. Et ils ont pensé que l'argent, ils ont réussi à ouvrir un skatepark. J'avais fait un spectacle il y a quelques années de ça. Ça fait plusieurs années de ça pour le skatepark aussi. Ben, le monde, ils doivent triper quand on retourne à Bécamo, tu sais, comme la fierté de la. Ben, je sais pas. Je sais pas comment. Toi et la famille Mulroney, je veux dire. on peut pas se promener derrière. Puis, une astronaute aussi. Une astronaute. Il y a une astronaute aussi. Qui vient de Bécamo, hein. J'avais ça dans un cadre, là, genre les célébrités dans mon école secondaire. Tu sais, c'est qui? Je me souviens pas de son nom. On est désolé. Il y avait Brian Mulroney. Ben là, il est pas mal juste. C'est quoi son nom? C'est Sylvie Payette. C'est pas mal la seule astronaute femme. Ouais, I guess. Mais c'est pas elle. Mais elle semble qu'elle est comme autre, tu sais. En tout cas. T'as pas Dave aussi? Dave Morissette. Ouais. Des Morissette, ben voyons ça, c'était méchant! On l'encourage!
Il a au moins benché 11 games avec le Canadien de Montréal, oui, ce gars. Absolument. Puis il écrit un livre, c'est stéréo. C'est vrai? Ben, c'est, sans niaiser, en toute honnêteté, j'ai eu la chance de travailler avec Dave Morissette. C'est le gars le plus sympathique. Ah, mais je le connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de taquinerie. C'est vraiment un trait. Il est capable d'en prendre et de rire de lui. Ben oui. D'ailleurs, moi, j'ai une bonne histoire sur Dave Morissette. J'avais fait son show à TVA Sport. Puis il y avait, tu sais, c'est comme un tough Dave Morissette quand même. Ouais. C'est un planté. Mais c'était un goon, non? Dans les Canadiens. Oui, carrément. Puis il y avait un gars des Alouettes, mais comme un demi-défensif. Là, comme un esti de colosse. Puis. Il était comme plaque-moi, pis là, le gars des Alouettes est comme. Ben là, non, tu sais, pis c'est comme tous des hommes en complet, qui est comme, tu sais, compétition de qui pisse le plus loin, tu sais. Ouais, ouais. Fait que le gars des Alouettes, un moment donné, il était allé, il était, ok, man, comme, prépare-toi, je vais te plaquer, pis tout. Il l'a gelé solide, là, comme. Il l'a pas manqué. Dave, il s'est ramassé sur le cul. C'était très drôle, là. Pas pareil quand t'as pas de patin. Non, vraiment. Mais je pense qu'en même un patin, ça ne l'aurait pas bien aidé. Mais ici, pendant ce temps-là, on te laisse tout faire. Ben, je fais des frites, regarde. Là, c'est pas grave, là. Ben, moi, j'ai coupé une coupe. C'est de la... Allez-y, hein, moi, je vais. Moi, je vais brasser une casserole dans le fond pour donner l'impression que je fais quelque chose. Je vais faire le bruit avec ma bouche. Hey, ça, c'est. Ça sent bon ici. On y croit. Ça doit être super reposant chez vous, pour vrai. Ah, mais pour vrai, cet homme-là est d'une tranquillité incroyable. C'est assez smooth, hein? Ouais, vraiment. J'aime ça parce que là, j'ai du fun, il y a des amis. Ouais, il boit de la bière. Hey, tu me clenches solide, hein? Moi, je suis là. Puis ben là, j'ai coupé comme deux morceaux de patate. Là. J'ai pas fait grand-chose jusqu'à là. J'ai ouvert une bière. Parce que c'est angoissant cuisiner avec du monde qui te regarde. J'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. Mais non, voyons donc. Hey, au contraire, même, là, on est extrêmement bien partis aujourd'hui. Mais je peux-tu être chef comme. Je peux-tu être juge, genre comme un MasterChef Australie? Oui. Vas-y. Puis. Ouais, je sais pas, t'as un peu comment ils font ça déjà. So, what you cooking, Evelyn? Today, faut que tu parles, je peux pas parler en français. Non, toi tu parles en anglais, puis moi je fais le sous-titrage. Parce que c'est tout le temps mal dubbé, ces émissions-là. Oui, mais nous on est vraiment fans de MasterChef Australie. MasterChef Australie, par contre. Pas MasterChef États-Unis. Non. Eux sont méchants. Il y a une c'est quoi la subtilité entre les deux? C'est... Ben, c'est la qualité des plats qu'ils font. Okay. Puis la aussi cuisine, leur attitude. Ouais. Oui. En Australie, c'est smooth, tout le monde se fait des câlins, ils sont tellement gentils. Ils font de la bonne bouffe gastronomique. Ça n'a pas de bon sens. Puis aux États-Unis, MasterChef Australie, qui est un concours culinaire, ils font du poulet sur des gaufres. Puis Gordon Ramsay, ils s'envoient chier, puis ils sont comme, c'est pas comme ça qu'on fait du poulet, c'est une gaufre. Fait que là, ça part, ça se c'est bien ordinaire. C'est MasterChef Australie. Une fois que nos patates sont en frites, oui. On en a des longues, on en a des petites, c'est parfait. C'est... On peut mettre ça dans un bol avec de l'huile, d'olive, sel, poivre. Yeah, on a, tiens, attends, je vais sortir un gros bol ici. Je vais te le passer à toi. Yes! Hey, tu veux-tu les mettre à l'intérieur? Oh, Seigneur! Okay. Ça participe fort! Est-ce que je peux gérer ça? C'est ça la question. Ça, c'est une qualité. Ouais. Yes. Comme ça, je les mets dans le plat, c'est comme ça? Parfait. C'est vrai qu'elles sont douces, ces patates-là. Oh, hey! Un jeu de mots de patates. On est-tu comme en manque d'huile d'olive? Oh. Mais ça peut être de l'huile végétale, de l'huile de canola. Ah, Mathilde, elle va sûrement dire dans deux secondes, non, il en manque pas de l'huile d'olive, elle est juste là. Oui, il en manque. OK, malade. On va y aller avec l'huile de canola dans ce cas-ci. C'est assez ça, j'en ai mis à peu près, moi, je dirais, un quart de tasse, ouais, je dirais. Pour les faire frire... Doré. Doré. Dans le four. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai lu la recette avant que tu viennes. Ouais. Alexis, t'es impressionné là, hein? Très, très impressionné. Ça, c'est formidable. Je pense que je veux du papier parchemin, mais tu lis dans mes pensées. Ouais, tu veux du papier parchemin. Là, on est rendu à cette étape-là de la recette. C'est le poivre, c'est le poivre. Je t'ai mis, attends, là, on a tout ça ici, là. Ouais. Je suis tellement d'ingénieur. Ben oui, mais. Dis ben oui. Poivre. Merci. Yes. On va mettre comme ça. Comment tu t'es lancé dans le blog culinaire? En fait, j'ai arrêté de manger de la viande il y a 4 ans. Okay. Ça m'a demandé de développer mes skills en cuisine. Ouais. Parce qu'en ce moment-là, je vivais encore avec mes parents. Puis eux mangeaient encore de la viande. Fait qu'ils m'ont dit, arrange-toi. Fait que... Mais c'est vrai que comme...
tu sais, nos enfants vont être chanceux parce que nous, quand nos enfants vont arriver avec des affaires comme « Yeah, je fume du pot, je suis végétarien, on va bien cool. » Ouais. C'est... Mais nos parents, nous autres, c'est un choc, tu sais, comme ça. Ouais. Moi, quand je dis à ma mère, elle comprend pas que je suis végétarien un mois par année. Tu sais, c'est... Ben là, Robert, tu mangeras pas de viande, comment tu vas faire? Pendant ah ouais. Mois, ouais, c'est... Ouais, mais c'est ça, au début, ça a été quand même une surprise, mais mon père cuisine beaucoup, ma mère aussi. Fait qu'il était bien ouvert à essayer avec moi. T'sais, sauf que c'est moi qui devais mettre en marche mes affaires. Fait que j'ai commencé à faire à manger, j'ai vraiment trippé. Puis là, je faisais de plus en plus de recettes. Puis à l'heure des réseaux sociaux, ben tu sais, on met tout sur Instagram. Fait que je postais mes plats. Puis là, tout le monde me demandait mes recettes. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas en faire un vlog et les partager avec les gens, et c'est ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, ben, en plus de travailler pour Geneviève chez Sushi à la maison, ça m'a donné envie de faire à manger. Parce que j'ai un bac en enseignement primaire, mais okay. J'enseigne pas partout. Je comprends, moi aussi, j'ai tissuré tous les enfants. C'est pas pour ça, moi. C'est comme ça qu'on va conclure le live d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Bonjour les amis à la maison. J'en ai un, si j'en avais 30, je verrais fou aussi. C'est... Mais d'ailleurs, un super beau blog. J'ai passé beaucoup de temps dessus depuis que je sais que tu t'en viens à l'émission. Et d'ailleurs, on suit tous les gens là, qui sont avec nous autres dans le live. Je sais que vous avez des comptes Instagram. C'est La Fraîche, le Insta. Ben oui. Exactement. Il n'était pas disponible, La Fraîche. Fait que j'ai mais si tu écris juste La Fraîche, ça doit être dans les sélections. Oui, ben dans les sélections, avec ma petite face. Mais oui, La Fraîche, le Insta. Si c'est quelqu'un qui n'est pas de la cuisine, ben c'est pas... C'est juste La Fraîche. Cette fille-là, elle a 12 abonnés, puis elle n'a pas de photo, fait que c'est pas moi. Oh, t'as-tu senti l'amertume de mes sociaux? Mais là, j'aimerais ça, moi, l'avoir, ce petit nom-là court. Alors, on lance un appel à tous. Il y a quelqu'un qui a Bob le Chef en Gmail. Okay? C'est-tu vrai? Je suis obligé de mettre mon année de fête, fait que tout le monde sait ma vraie âge, je sais. Moi, je dois t'avouer que je suis rendu que j'ai un crush sur le nom Robert James. Fait que, c'est terminé maintenant. Ça devrait être ça, ton Instagram ou ton email ou à peu près. Mais en tout, on va mettre juste tout. Le même, c'est parfait, parce qu'on n'a pas besoin d'en faire une énorme, à moins qu'on fasse deux batchs. On fait deux plaques, on veut pas jeter ça, c'est pas tant. Si à la fin de l'émission ici, on crisse toutes les poubelles. Non, on composte. On revalorise nos déchets. Mais c'est vrai que moi, je. T'sais, moi, là, j'ai souvent, en tant que chef gars un peu cave, ouais. J'ai tant ri de tout. Pas ri de ça, mais comme, ah, ouais, du compost, tu sais, comme big deal, mais je le fais vraiment chez nous. Puis depuis que je composte puis je recycle, on jette à peine un demi-sac de pommes par semaine. Cet homme était. Il comprenait pas l'avantage non. Du compost. Non, non, attends. C'est pas que je comprenais okay. Pas. Ok, c'est on est deux gars qui trippent sa lutte ici et des collections de figurines. c'est pas que je comprenais pas l'avantage du compost. Non, c'est juste que chez nous, c'est pas nécessairement la situation idéale pour composter. Mais maintenant, après l'avoir fait. Là, on va se séparer live. C'est non. Ça qui va arriver. Ça va être terminé. Vous allez voir ça. Vous l'avez entendu ici en premier. Non, mais c'est juste que. Ouais, c'est fuck ça. Pas qu'il espérait notre premier bébé Bob le Chef live. Mais. Mais non, c'est pas ça. C'est que, tu sais, c'est juste que chez nous, on n'a pas de balcon. C'est juste ça. Okay. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme. Mais c'est des aliments. Fait qu'éventuellement, ça va sentir. Mais tu sais. En tout, tu coupes au pain. Tu sais, je vais te le faire. Je vais te le faire. Hey, mon Dieu, c'est magnifique. Il y a des techniques culinaires incroyables. Alors, on coupe le parti. Chala, je vous vends une bière. J'ai coupé une patate douce et un papier parchemin. Je vais arriver à moins de 10 manipulations aujourd'hui. Je vais être content. Parle-moi de ça. OK. Fait que ça, c'est génial. Les patates. Le four, on le voulait chaud. Oui, on le voulait à 450. Parce qu'on veut les dorer. Oui, ben, comme exactement. Puis là, je suis content parce que il y a beaucoup de monde qui me demande souvent comment faire des frites au four. Oui. Puis que ça a l'air vraiment compliqué de réussir une frite au four. Mais tu sais, des fois, il arrive avec la patate douce le problème que quand tu as des petits mignons, pas une mesure, ils vont devenir un peu plus noirs, mais ça fait vraiment une texture hyper le fun. Puis, ben aussi, c'est une pomme de terre qui est plus molle. Hein. Ouais. Fait que c'est différent. Ça sera pas croustillant. C'est définitivement pas même au four de base. Ouais, je pense qu'une frite ou une patate, c'est pas la même texture. Mais faut non. Pas s'attendre à ça. Parce que c'est un légume racine. Dans ça, il commence à être à l'aise, là, ici. On a je suis à l'aise. Moi, j'ai. Le côté gastronome commence à sortir. Là, moi, ce qu'il faut savoir à propos de la patate, c'est que. Contient énormément de vitamine D. Ça fait de l'excellente vodka aussi. Hey, on a notre ami, comment s'appelle notre ami Chrono? Cécile, top Cécile. Chrono, es-tu dans le chat aujourd'hui? Oui, elle est là, Chrono chic. Cécile, on doit mettre 10 minutes et les retourner après 10 minutes. Alors Cécile, si tu veux nous chronométrer un petit 10 minutes
pour nous autres. Je me suis juré de te dire minute, comme tout bon Québécois. Et pendant ce temps, chef, on a reçu d'autres dons significatifs. Oui, deux cannes de thon. La première de la part de Stéphanie Landrève. Merci, ainsi Stéphanie. Que l'autre de Catherine Fournier. Et également une autre grosse bière, celle-là de la part de Manu. Yeah, merci, mon Dieu, merci à tous pour ces beaux dons. Et voilà, les petits pasties sont sur le frigo. C'est magnifique, merci. Les cannes de thon. Oui. Ta face, ça vaut combien? Combien? 4,99 par mois. On peut l'avoir quasiment au même prix sur l'éco-vedette, en fait. Ben oui! C'est vrai! Attends, je sors du compte. Notre ami Robert James est sur l'éco-vedette. C'est mon premier éco-vedette! Avec Hugo Girard. Oui. C'est fou, raide. C'est... Mais, gars! C'est les cuisses de variété déco. Bon oui, mais ça aurait pu être pire. Alexis et maman, j'aurais pu être dans le baby boom. Ouais! Je suis très content de ne pas me retrouver. Fait que là, tu vas faire un émission avec... avec Hugo Girard. Avec Hugo Girard. Absolument, oui. J'avais une photo que je le tenais dans mes bras, Hugo Girard. Oui. Mais il vient de ton coin, lui aussi. Il vient c'est de vrai, la Côte-Nord. Il vient de... C'est-il, non? Il vient d'Ange Gardien. Ange Gardien. Si c'est ça, c'est sa Côte-Nord, Ange Gardien. Ou je me trompe? J'en ai aucune idée. Ça, on fait un appel au public. Oui. Googlez Ange Gardien. Beurre. Oui, on a tout. Et de la farine. Je sais pas, depuis la déception de l'huile. Là, oui, on fait un roux. Comme la déception. Ça sert un ingrédient short de crisser votre canne. Ah, ça achève. Ça achève cette émission-là. Ouais, on va aller commencer à lutte tout de suite. Il y a quelqu'un qui nous demande pourquoi les patates douces, quand on fait des frites, c'est comme les instructions, ça fait pâteux. Ben là. La patate douce, c'est pas une patate, on le disait un peu, là, mais oui. C'est un légume racine, fait que c'est très difficile d'avoir un côté hyper croustillant à une frite de patate douce. Ça même en friture, dans les restaurants, les chips de patate douce, tout, c'est quelque chose qui est pas évident. Faut se mettre comme ta petit truc pour la maison, si tu veux faire des chips de patate douce, on met dans la friteuse à 350. Tu vas mettre à peu près à 300, entre 325 et 335. Ah ouais, un peu moins? Ouais, parce que sinon ils vont noircir avant qu'ils soient croustillants. Puis, ouais, je comprends. Ben voilà. Et là, tu mets le four trop haut. Mais là, d'habitude, ça se passe bien, là, à la maison. Ça, on se fait confiance, ça on va bien confiance. Se passer. Ça, tu veux mettre ça dans le tapis, parce qu'il y a comme c'est deux températures dessus, dans le tapis ou éteint. C'est génial. Yes. J'adore ça. Parfait. On est à veille d'avoir un rond à induction. Ah, oh, mais là, Seigneur! Avec vos dons, c'est oui, ça, donnez, la prochaine achat! Donnez qu'on peut se mettre ça à médium l'eau! On me dit qu'Ange Gardien, c'est en Estrie, Montérégie, donc il vient pas de là! Vraiment pas, là! Vraiment on peut-tu googler, vient de où, Hugo Girard? Oui, ben... ouais, ça serait tellement plus facile juste faire ça. Il est très gentil en plus. Pour l'avoir rencontré une ou deux fois, il est vraiment smart. Bon, il y a un petit nose que lui, il achète ses frites au Saint-Hubert ou au IGA. Il n'était pas de belle province chez vous. J'ai eu la belle province avant d'aller au Saint-Hubert. C'est vrai? Frites. Ouais. Les frites de la belle province? Mais c'est des bonnes frites. C'est des vrais graisseurs. Ah ouais. Ben, c'est pas la. Ouais, lui, peut-être qu'il veut des crunchies. Là, mettons, les IGA sont bien croquants. C'est confident, je pense que j'ai jamais mangé à la belle province. C'est quand même une bonne chose. C'est... Quoi? Ouais. Je pense que non. Mais pourquoi? Ah ouais. Pourtant, t'aimes ça les roteux, Ben ouais. C'est des bons hamburgers. On va l'amener là cette semaine, mais moi je pourrais pas. J'suis un gars d'hamburger, c'est des plaques à déjeuner. Mais ouais, clairement. Est-ce que tu manges qu'un roteux de poutine normal? Sois-tu manger ça ou? J'avais dit à mon chum de pas le dire. Ouais, frites ketchup. C'est du ketchup ou mayo? Non, je suis plus mayo. Parce qu'elle veut pas mentionner. Tu sais qu'il y a des poussins qui sont morts pour la création. Des fois, là, okay, je vais dire mon secret. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir une exclusivité. Okay. Des fois, ça arrive. Un scandale. Je sais, c'est un scandale, mais des fois, quand j'ai pas d'autres options, puis que je suis dans un endroit qui a juste ça, ben oui, je mange la poutine, la gang. Je peux pas croire que c'est vous qui suis le cover des co-vedettes. C'est vrai. Vrai. Non, mais pour ceux qui comprennent pas, c'est parce que dans le bouillon, dans la sauce de la poutine, il y a du bouillon de bœuf. Fait que... Non, un petit cover. Un petit cover. Ben oui, ça brasse. Un petit cover pour le beurre. Mais oui, mais des fois, ça m'arrive, mais sachez que la sauce à poutine Saint-Hubert qui se vend en épicerie, elle n'en a pas d'ingrédients animaux. Fait que c'est une option. Oui. Nous autres, on a une option vegan sur notre site web. Ah ouais? C'est génial. La mienne, elle va être végé, par exemple. Ben.
Oui, elle va être végé. Il y a du beurre, par contre. On aurait pu remplacer le beurre par une margarine. Mais puis, oui, on peut faire des roux avec de l'huile. Oui, avec de l'huile. Oui, absolument. J'ai jamais eu autant de misère à couper un morceau de beurre. Il est fait. Tu du beurre à température pièce? Mais non, ça va. Je suis peut-être un. Ça va. Ok, parfait. Oh là là, on y est. C'est prêt. On a enlevé du feu. Juste. Laissez-en tout de suite, ça va le refroidir. Comme ça, il ne viendra pas brun. On est en train de faire un beurre noir. Un beurre noisette, c'est ça. Beurre noir, ça existe aussi. Oui. J'ai écouté des affaires à un moment donné. On a écouté MasterChef Australie, ça nous a changé depuis ce temps-là. On est-tu prêts? Ben oui, on est prêts. On y va à l'œil, on sac la farine dedans. On va aller à l'œil, on est prêts aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'il faut que j'approche? C'est quoi le prochain ingrédient après? Le prochain ingrédient après, on va. C'est le bouillon de légumes. Oui, exactement. Okay. On va avoir aussi les oignons puis de l'ail qu'on n'a absolument pas coupé. Ok, ben ok, je t'approche un bouillon de légumes. Ouais. Puis je veux t'applaudir parce que ça, moi, je trouve c'est la meilleure alternative si tu fais pas un bouillon maison. Oui. C'est des bouillons faibles en sodium, faibles en sel. Puis souvent, il y a beaucoup trop de sel dans les bouillons. Mais combien d'oignons qu'on veut? C'est un oignon rouge. Là, c'est un très gros oignon rouge. Fait qu'on peut prendre un demi parce que sinon, ça va faire trop d'oignons. Hey, check ça. Moi, j'ai un petit oignon rouge. Est-ce que ça fait? Ça fait. Ça fait, ok. Ben, moi, je m'approche ici. Je te laisse le couper parce que clairement, ta technique est meilleure que moi. Non, mais je vais te montrer ma technique. Comment on veut l'oignon? On le veut émincé. Très, quand même bien émincé. Tu sais, moi, quand il dit de couper grossièrement, là, moi, c'est fucking grossier. Là. C'est genre, c'est pas mon travail. Surtout les oignons, moi, il reste tout le temps une grosse chunk semi-présentable. C'est ça la défense à Éric Salvaire, d'ailleurs. Il disait juste que c'était couper des oignons grossièrement. Tout sous, tout sous. Personne n'a compris, tu sais. Non, j'ache des oignons. François, tu peux m'approcher du vinaigre balsamique, s'il te plaît? Ça me tente vraiment pas. Vinaigre balsamique. Oui. Parce que. Est-ce que ceci te plaît? C'est-tu correct, c'est comme coupe? Le voici. Oui, c'est parfait. Parfait. Puis, demande ma gousse d'ail, j'allais dire mon amour, on va l'appeler de même, mon chum. Mon amour, on sort ensemble, hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, bonne femme? La gousse d'ail. Ça sent le bâton à pied. La gousse d'ail, bien sûr. Donc, j'ai dit que mes deux dernières phrases se disaient complètement pas. On va les éditer hein, au montage. Oui. La gousse d'ail qui est préalablement goussée, tu vas dire pas bon sens. Ben, regarde. Tu peux faire ça à la maison, c'est très simple. Oui, on la sort du gros bulbe. Voilà. Et elle est là. Merci. Voilà. Merci. J'ai enlevé la petite peau. C'est parfait. Il y a quelque chose d'érotique dans comment vous avez parlé de l'ail. Nous autres, c'est des sous-entendus de sexuels tout le temps. Sexuel. Tout le temps, tout le temps. Tu peux l'ajouter déjà, je t'aurais. Dans la sauce direct. Ben, je l'aurais mis plus tôt, je te pourrais. C'est correct. J'ai tout fucké ma patente. Non, il n'y a rien là. Et l'ail est où? Je peux t'hacher l'ail ici. Si on n'expliquera pas comment hacher l'ail, parce que je pense que je le fais dans à peu près tous les. Pour vrai? Oui, je le fais à toutes les semaines. Je vais faire toutes mes émissions. C'est-tu un struggle pour le monde entier? Non, je pense que maintenant, on a compris comment hacher de l'ail dans la vie. Non, Bob. Non? Je voulais t'en parler. Mon Dieu! Cette semaine, Alexis puis moi, on a fait un stream culinaire sur ma chaîne Twitch. Quoi, vous essayez de me remplacer? Qu'est-ce que je comprends pas ici, là? Hey, je m'inquiétais, faut-tu comme... Mais... Hey, tu vieillis, hein, Bob? Mais... C'est pour ça renouveler. Vous pouvez m'aider avec mon CV? En plus, j'étais là, j'étais invité. Ça. mais on a réalisé à quel point c'est pas tout le monde. Vu que tu l'as répété souvent, t'as l'impression que tous nos spectateurs sont au courant comment hacher de l'ail. Okay. Mais c'est vraiment pas le cas. Je pense qu'on répète pas assez. Mon Dieu, ok, ben, vu qu'on a haché l'ail, j'enlève un autre classique. Vas-y. Savez-vous que dans un poivron, ça contient 4 fois plus de vitamine C que dans une orange, pour vrai. Fait que prochaine fois que vous commencez le rhume, mangez un piment. Mais là, faute parce que je peux pas manger. C'est on le jamais. Comment ça, tu peux pas manger de piment? Je suis intolérante au poivron depuis 5 ans, puis ça ruine ma vie, pour vrai. T'es intolérante au poivron? Oui, j'ai vraiment. Oui. Tendu, ça? Je suis désolée.
C'est pas de mon ressort. Mais qu'est-ce qui arrive quand? C'était un de mes légumes préférés. Puis ça me donne comme si j'avais une intoxication alimentaire. Oh, des crampes, genre, ouais, c'est vraiment. Misère respirée. Pas allergie. Okay. Plus, ben, tu sais, des crampes de ventre, mal au cœur, nausées, solides, là. Puis, t'as-tu essayé comme avec pleurs, sans pleurs? Oui, on a essayé. Au début, ça fonctionnait bien. Si on le faisait cuire, on retirait la peau parce que souvent, c'est la peau qui est un peu moins digeste. Mais là, plus rien. Des fois, même les petits poivrons dans la sauce salsa, là, je ne nommerai pas la marque, mais oui, c'est tout autre. Mais oui, même là, des fois, j'ai de la misère. Fait que c'est bien plate parce que quand tu vas manger au Thaïlandais, ils ont rien que ça, des poivrons, eux autres, dans leur mets végés. Puis on aime ça, puis le Thaïlandais. Ben oui, puis ben là, c'est bien plate. Ouais. Fait que jamais de poivrons sur la fraîche, leblog.com, il n'y a pas de poivrons, la gang. À un moment donné, pas, je vous en prie. Pas de viande rouge, pas de poivrons. Je ne pourrais pas goûter. OK. OK, là, revenons à ça. Oui. Parce que là, t'as fait un roux. Mais on a sacré des oignons puis de l'ail dedans. Oui. Puis on fait comme une béchamel, mais avec du bouillon de légumes. Exactement. Puis t'as ajouté quand même une bonne petite quantité de vinaigre balsamique. On veut pimper le goût. Ouais. Faire sortir des bons arômes à notre sauce à poutine. Puis on va ajouter de la pâte de tomate aussi pour donner un bon petit kick. Alexis, je suis impressionné comment je suis la recette. Hé, hey, merci. Hein? Déjà un bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Ah, c'est 10 minutes. 10 minutes. Même pas de mitaine à four. Tu veux-tu une mitaine à four? La CSST. Claude Legault, aussi. C'est... Salut. C'est moi, Claude Legault. Fais attention aux machines. Les machines. Parfait. Là, faut que j'y tourne, c'est ça? Ben, sors la plaque, mon gars. Ah, mais tu sais, ça, check. Mets-les sur la planche aussi. C'est tout, Jésus. Technique, le genre que je ne connais pas. Tu veux-tu une mitaine de cuisine pour vrai? How? Ok, tu vas bien. Jusqu'à présent. Comme Marco Pierre-White, il disait dans Masterchef Australie, les doigts en cuisine. Les doigts en cuisine, c'est fait pour être brûlé. C'est ça qu'il dit. Oh my god, j'ai oublié. C'était ça son nom en plus. Marco Pierre-White. Il y a de la chicane. Ça sonne moins bien que Robert James, mais je dirais que. Quand même, Marco Pierre. Marco Pierre-White, ouais. On pourrait pas faire un show ensemble, ça ferait beaucoup trop de noms. Hein. Ça serait magnifique. On dit les noms des deux autres, puis on s'en va à la pause. On s'en va à la pause. Ça sent extrêmement bon. Ça sent vraiment bon. Oui. Jusqu'à date, là... Si vous pouviez avoir l'odorama, ce serait... On en parle, là. Alexis est en train d'inventer ça. Oh, il échappe des patates à terre. Il échappe une, je sais. Deux patates, deux. Le tableau n'a rien vu. Je vais aller. Mais là, tu peux y donner au pauvre chien, mais ça se peut qu'il soit malade. Non. Pourquoi il serait malade? Tu n'as pas dit ça, en fait. Non, il y a eu une hernie discale, le chien. Mais il mange pas mal de tout. Puis, étrangement... Chief, plus ça coûte cher, plus qu'il aime ça. Non, c'est, on dirait qu'il sait. T'sais, tu veux-tu m'ouvrir la porte du four? Avec plaisir, pour que je serve à quelque chose. Ah ben non, tu sers en masse. À date, j'ai épluché une patate puis j'ai ramassé deux patates par terre. Appelez-moi le préposé de la pomme de terre. Bon, ben ça, c'est délicieux. Tout ça fonctionne? Tout ça fonctionne extrêmement bien. Un petit chat de pâte de tomate. Oui. La gang! Oui! Tu veux-tu dire aux gens? My Worcestershire. Oui! Pour que la recette soit végé, habituellement, il y a des anchois, si je ne me trompe pas, dans Worcestershire. Oui. Oui. Ben, vous pouvez l'utiliser si vous êtes sans viande, mais pour les végétariens, il existe une seule que j'ai trouvée, facile à trouver ici au Québec. La bouteille est nice, en oui, plus. Oui, ça s'appelle The Wizards. Ouais, il y a un sorcier dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, je suis sous la mêlée. Bon, ça, c'est parfait, ça. Fait que dans le fond, ça, c'est une Worcestershire végé, vegan même. Puis elle se retrouve dans les marchés avril facilement. Ou si vous allez sur Internet, vous la recherchez, c'est hyper facile. Puis ben on va en acheter un petit peu pour... Et c'est végétalien. Oui. Et sans gluten. Oh! Hein? Pour ceux qui sont vraiment intolérants à tout, là. Quand... En plus, tu le dis bien, hein, soit dit en passant, Evelyne. Ben là, merci. Il y en a qui disent à Worcestershire, mais... Worcestershire. Dans le fond, c'est le nom de la ville, hein. Supposé... Je pense que les vrais Anglais, ils mettent pas le « shire » à la fin. Ils disent juste la « Worcestershire sauce ». La Worcestershire sauce? Oh my God. Ouais. Mais c'est parce que toi, t'as un nom anglo, c'est plus facile pour toi de le dire. Ah oui. Et on rappelle à tous nos auditeurs qu'il s'appelle Robert James. Robert James. Aujourd'hui, on est ici. On sait tous aussi que les anglophones courent plus vite. Pourquoi? Je sais pas. C'est génétique. C'est génétique. Yes. Hey, oui, chrono chic, combien de temps qu'on a mis patate? Un autre 10 minutes, Cécile de Top S'il Chrono. S'il te plaît, merci. Yes. Et il y a Funky Cat qui dit qu'on peut en trouver aussi chez Exo Fruits, la Worcestershire végétalienne. Yes, la Wizard. En France, on en a au supermarché
nous dit, ah, si j'ai misère à lire, Alter the Gamer. Oui, quand vous mettez des noms foncés, c'est tellement dur pour lire avec mes le yeux. Le bleu, hein, le bleu. Où je plisse mes yeux, absolument. Hey, on a Liège dans TV qui nous montre oui. 101 spectateurs. Oh shit, gros déjà, merci, mon Dieu, génial. Ça roule. La petite porte de merci à Liège dans TV, mon Dieu, c'est très sympathique. Il y a une autre avec 101, ah, c'est cool oui. Ça. Ouais, ouais, ouais. C'est cool ça Twitch, parce que moi je suis habitué de regarder des gens jouer à des jeux vidéo là-dessus, puis oui. Je savais pas qu'on fait... Tu devrais faire d'ailleurs des Twitch d'humour, ça existe. Des Twitch d'humour, ouais. Ça serait débile, man. Mais ça serait, ouais. Tu pourrais pratiquer du matériel, puis t'aurais le feedback direct. Mais c'est bizarre, parce que c'est pas vraiment le feedback direct, non, parce que ça prend du seul, monde. Dans ce ouais, c'est ça, j'ai pas le rire, tu sais. Man, ok. Fais-toi un tape de faux rire. Puis à toute fois, tu comptes un gag, tu payes sur Play, le monde, il fait taré. Ça, moi, j'écoute ça, pour vrai. Ça me semble être une idée gagnante. Quelqu'un fait ça dans la vie, moi, je t'aime. Ça me semble être super bon pour mon égo, ça doit être le genre d'affaire que je vais sortir grandi de ça. Un bon vieux rire en canne. Moi qui n'est pas du tout insécure dans la vie, je vais mettre un petit rire en canne. T'es-tu insécure dans la vie? Ouais, vraiment. Mais comment ça, faire du mot si t'es insécure? Moi, je pense que ça fait partie de la démarche. Là, c'est quand même un bout. Tout était à... Ouais, c'était vu de la vieille. C'était ouais. Mon premier gala en 2009. 2009, je me trompe pas. Yeah, 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 absolument. C'est à peu près là que je mets le début de ma carrière. Même si j'ai fait des spectacles avant, quand même. Ouais. Mais c'est là que je mets ça. Ouais, fait que ça fait une douzaine d'années, c'est ça, 2009? Ben, ça fait... Moi, je dirais une... ouais. T'as commencé avant, ça. C'est 2018, ça 2009. Les humoristes sont pas bons en maths. C'est le combat de ma vie en plus, les maths. Moi tu sais, avant de faire de l'humour... 18 moins 9, ça donne 2009. 2009, ouais, clairement. Ça fait 9 ans, mais moi je dis tout le temps 10 ans. Je dis 10 ans depuis 4 ans à peu près. Okay. Ça fait... ouais. Moi j'ai 40 ans, je connais que j'en ai 50 ans. Fait que... Moi avoir les 4-36, là, je les ai eu mes 4-36, mais ça a pris maintes et fort. Ouais. Une chance, je ne les ai pas eu. Moi, tu sais que je voulais devenir police dans la vie. C'est vrai? Ah ouais, puis je suis pas devenu police à cause, j'avais pas mes gars. Non, mais je suis comme, tu sais, le policier cool. Qui est comme, Robert James. Robert James, le policier. Ok, j'arrêterai jamais avec ça, je suis désolé. Ça arrête un moment, détective. Mais, hein, détective Robert James. Tu parles tout le temps comme dans un film noir, genre, je suis arrivé sur les lieux, la première chose que j'ai vue. Je me suis réveillé une clope. Il fume tout le temps, monsieur, on est dans une bibliothèque, je fais ce que je veux. T'as vu ma badge? Hey, Funky Cat qui est avec nous autres. Word up, Funky Cat. Qui est souvent avec nous autres aussi. Sinon, pendant ce temps-là, j'essaie de voir Mind Geek qui s'est rajouté. Il y a Ligue Noël qui est avec nous autres. Aux îles de Madeleine, les produits VG ne sont pas encore au goût du jour. On salue Yannick Noël qui est aux îles de Madeleine, d'ailleurs. On t'en chèpera une caisse. Oui. Mais c'est du poisson sur tout là-bas. Aux îles de la Madeleine, ouais, clairement, ouais. La poutine, c'est ça, c'est comme de la morue avec des pétanques dessus et du crabe, c'est vrai? Ça? C'est à ce coin-là. Bob, oui. Je viens d'apprendre via Twitch que Liège dans TV, oui. C'est, est-ce qu'on se rappelle de Granny Poppy? Absolument. C'était Granny Poppy sur mon YouTube Dieu. Au tout début de Bob le Chef Live, il était souvent là. On le salue. Ben, gros merci d'ailleurs, puis merci pour le raid, c'est très sympathique de débarquer chez nous là, avec plein de monde. Au moins, on parle de maths, Funky Cat, les 4-16. Moi, c'est sûr là, que j'ai eu les maths 4-16. 4-16, ouais. Mais tu sais, moi, j'allais à l'époque, je sais pas si c'était la même, moi, c'était encore à la CECM, ben, t'étais à Bécomo, ouais. La Commission des écoles catholiques de Montréal. Puis j'avais pas besoin des maths pour avoir mon diplôme d'études secondaires, mais j'avais besoin d'enseignement religieux de 4 ou de 5. Ouais, j'ai fait ça, moi aussi. Yeah. J'ai coulé mon enseignement religieux en 4. Fait qu'en 5, il a vraiment fallu que j'étudie pour comme. Mais moi, j'avais pas besoin de 4-36, c'est juste parce que avant de faire de l'humour, je voulais peut-être m'aligner sur quelque chose d'un peu plus. Sérieux? Ouais, en fait, j'ai totalement passé à côté de la traque parce que je me suis aligné en technique de l'électronique au cégep. OK. Puis j'ai le record, je pense, pour la pire note dans le cours, justement, de mathématiques, qui est de 3% sur le bulletin. mais on veut savoir, t'as-tu comme essayé au moins? Ah non, je rentrais là, je dormais, puis je sortais. Okay. J'aimais pas bébé. Dis-moi là, l'assaisonnement. Oh wow! Qu'est-ce qu'il faut vivre? Ok, mais non, c'est super bon ça. Puis dans le fond, aussi, c'est que au lieu d'utiliser du fromage en grains, j'utilise du fromage cheddar deux ans parce qu'on peut pas être plus fancy que ça. Oui. Fait qu'on y va avec du fromage cheddar. C'est le restaurant Le Trèfle qui font une poutine avec du cheddar. Rémi Pierre Paquin. Ouais, ils font du cheddar vieilli, ils ont aussi d'hab, c'est débile. Fait que. Okay.
ça m'a inspiré. Fait que je suis est-ce que vous, avez, vous habitez dans Hochelaga? Oui, ouais, exactement. On est tout près. On y va souvent. Nous, tout le souvent dimanche, on est là. Pas pour faire de la plug, mais on va souvent là. Leur déjeuner est magnifique. Le staff était carré. Vous faisiez des déjeuners? Ben, c'est ouais, ça, des, personne ne le sait. Fait que sachez-le pas. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de line-up. Il n'y a pas personne. On est bien. C'est tellement le meilleur brunch en ville. Ça n'a ouais. pas de sens. Ah, ils font une poutine déjeuner, soit dit en passant, oui. qui est, ma foi. Ah, folle. Leurs œufs bénédictines copieux. Sont débiles. Riche. Okay. Ouais. Délicieuse. Avec mais la hollandaise et toute la quête. Ouais, ouais, ouais. Ah, my. Faudrait faire ça, une poutine à déjeuner à l'émission. Oui. Nous, on est fans de déjeuner dans la vie. On a, j'ai quasiment failli proposer mais ça, oui, moi aussi, j'ai des trucs de déjeuner. Non, mais moi, j'aime mieux déjeuner que souper au restaurant. Les brunchs. Ouais, ouais. J'aime ça cuisiner chez nous, mais cuisiner le matin, ça me fait chier. Tu sais, quand ouais, tu te réveilles. Moi, là... Ah, ouais. Moi, je mange toujours la même chose, mais moi, je. T'es un gars de sandwich, comme je disais, hein, fait oui. que... Tu vois le sandwich à déjeuner? Semblable. Là, j'ai eu ma passe rap un moment donné, je me faisais oui, des rap déjeuners. Je pensais que tu pas chanter. J'ai eu ma passe rap. Yo, 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 j'aime le déjeuner à tous les matins. Deux œufs hey, bacon, j'aime manger. Hé, en plus, j'ai Mom's Spaghetti, on est dedans. Oui, absolument, oui. Oui, on est dedans. Ça, on va utiliser aussi dans la poutine de la saucisse Gusta. Dans le fond, c'est une saucisse vegan faite à Montréal. Faite à Montréal, ça, oui. Yes, c'est une compagnie d'ici. Ils vraiment... font pas du fromage aussi. Oui, ils font du fromage à gratiner. Ils font aussi des espèces de petits pains de Satan, genre des meatloaf, mais ouais. de viande. Je ferais moins sur le fromage. Ben, ah ouais? Non, mais je t'en ai, John. Ben dis. Oui, c'est correct. On en fait un tout à l'heure, ça va être bien ordinaire. Qui est d'ailleurs la Gusta montréalaise. Oui, celle-là, c'est la saveur montréalaise des saucisses Gusta. Sont vraiment, fait que c'est des saucisses vegan. On va faire un verre, Robert Jones. Vas-y, je sais que souvent les gens vont se procurer la Eve qui est facilement trouvable en épicerie, ouais. mais de plus en plus, Gusta dans les métros, ils sont là, dans toutes les épiceries santé. Eve, si je ne me trompe pas, c'est Eve, mais ça ne vient pas du Québec. Si je pense que non. Ça vient de la Colombie-Britannique, ouais. si je ne me trompe c'est pas. C'est canadien, en tout cas. Mais... Ça doit être un Québécois qui est allé vivre là-bas dans le temps que tu peux avoir du BS facilement. Sinon, c'est un anglo qui trouvait que Eve, c'était bien exotique. Comme Éric Lafont qui dit Evelyne travaille beaucoup, Bob et François parlent trop. Oui! Oui! Pourquoi ben pas? Ben là, couper de la saucisse, les gars, ça va être j'ai ça. Oui, j'ai brassé la sauce. Merci. Check. Est-ce qu'on la baisse un peu? Non, ce que je vais faire, je vais juste lâcher une touche d'eau. Vas-y. Juste parce que elle a comme réduit pas mal. On veut pas que ça colle non plus. Génial. Fait que ça va stopper la cuisson. Et voilà. Hein? Fait que voyez, j'ai sauvé les meubles. C'est bon ça, mais ça y est. Yes. T'arrêtes pas les chest pumps. Fait que vous coupez de la saucisse. Vous coupez de la oui. saucisse. Je vais vous laisser le faire, les gars. Yes. Je vois comment vous là, on voit que c'est une saucisse qui est vraiment dans un boyau de porc. Un gros boyau de plastique. Désolée pour les zéro déchets. Mais oui. Ça peut faire un très joli collier pour les gens qui sont en avance sur leur temps. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut-tu l'enlever du boyau? Oui, il faut l'enlever. Oui. Dans le fond, on coupe et on retire du plastique. C'est juste que ça a permis de conserver. Je regarde Frank avec le couteau, il est comme je coupe où, je fais quoi? Non, 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 j'allais dire, pour les... ça c'est un couteau pour les gens à la maison. Tu vois, je sais des choses quand même. Couteau, excuse-moi. CSST, hein? On va se séparer, c'est ça qui va arriver. Parfait. Bon, je t'en donne deux. On fait chacun nos deux saucisses. Voilà. Merci. Comme dans le vieux proverbe, à chacun ses deux saucisses. À chacun ses deux saucisses. Ça, j'entends ça. Vieux proverbe. On a un autre bit de Cécile. Ah, merci beaucoup. On va checker ça, ces petites patates là au bon, fond. Ma blonde fait rien depuis tantôt. Tu peux-tu ouais, checker les patates? j'ai jamais cuisiné avec la Gusta. Oui. Fait que t'as déballe, puis ça se déballe bien. Ben oui, dans le fond, le plastique, là, je vais le laisser encore un peu, Cécile, merci. Le plastique... Oh, 4 minutes, Cécile. Le plastique, dans le fond, c'est vraiment pour garder la forme de saucisse. Vu que c'est pâte de blé, dans le fond, c'est fait avec de la farine de gluten de blé. Ouais. Puis. Mais je suis pas sûr encore. Pas sûr? Ouais. Hey. Comment t'as fait pour ouvrir le papier? Moi, j'étais encore à cette étape-là. Ah, oh, il fait sur le côté. Ouais, je check pas que Je l'ai. Même pas fait de fente dessus le dessus, moi. Regarde ça. Hop, là, je suis en train de la casser en deux. OK. Elles sont magnifiques, mais on va les laisser cuire. J'ai hâte de goûter aux saucisses. Ben, pour vrai, elles sont vraiment super bonnes. Fait hey, là, en fait, là, j'ai jeté ça. Ouais. Est-ce qu'on peut rincer ça puis le comme recycler? Ben, je pense pas, vu que c'est du plastique très mou comme ça. Là. Ben, je connais pas les règlements du recyclage. Je suis pas capable de d'habitude, je le fais avec un ciseau. Il y a le petit couteau, on peut faire je suis tellement... Je suis là à
à faire la cuisine et j'ai l'air le gars le plus incompétent. Ben, c'est correct, c'est pour ça que c'est moi qui cuisine à la maison. Ça, c'est vrai. Mais il est très bon aussi, hein, sachez. Moi, je mets le wrapper à saucisse dans le recyclage, puis on va voir ce qui arrive. Hein? Tu penses-tu? Tiens, on va les rincer, hein? Pour on va les recycler. Au pire, quelqu'un au tri va juste nous haïr. C'est ça qui se passe. Fait que toi, tu dis que t'es pas un fan de saucisse... Mais ça fait la job, oui, tu sais. Oui. Faut pas virer fou non plus en se disant. Mais tu sais, moi, je. C'est dans la catégorie saucisse à hot dog, mais avec un petit goût différent. Oui, absolument. Moi, j'ai mis les saucisses aux carottes. On a fait des saucisses aux carottes à l'émission. Il est accroché sur la porte, l'autre bord, le sac rouge. Ah! Yeah. Mais les fameux hot dogs aux carottes, on a fait ça à l'émission ici. Oui, avec Looney. Ouais, pis ça, j'ai bien aimé ça, pour vrai. Là, la carotte m'a trompé, littéralement. C'est vrai? Ma mère, par contre, préférait des saucisses Johnsonville faites aux États-Unis pendant cette émission-là, je m'en souviens. Elle aimait mieux, puis les mots exacts de ma mère, c'est « j'aime mieux le polonais, Robert ». Hé, hey, celle-là, ça a full bien été. Oh, hein, faut se faire confiance dans la vie. Moi, j'arrête pas de manger. Dans le fond, faut les couper en rondelles. Ouais. Parce qu'on va les mettre dans notre poutine. Quelle épaisseur? Ah, faut que je les coupe. Quand même pas trop grosse. On va les faire griller. Ça, c'est bon pour toi? Oui, on va les faire griller dans le poêle aussi. Fait qu'on changera notre rond. Tu peux envoyer la sauce à l'arrière. Ouais. Puis, j'ai sorti un gros poêlon. Merveilleux. Ils ont quand même... Je vais leur laisser ça. J'ai pas goûté encore. Mais ils ont quand même un look, saucisse hot dog. Ben leur goût, c'est vraiment bon. Ils en font une aussi. Ils ont une fabrique, eux autres, qui est située au marché Jean Talon. Okay. Puis ils en font une avec de la choucroute dedans. Et texture, là, ça vient vraiment ressembler. Attends, j'ai même plein de saucisses. C'est correct. La texture, ça vient vraiment ressembler à de la saucisse un peu plus fancy qu'on achète. Mettons, là, folle. Voilà, j'ai parti le rond, fait qu'on va mettre un pan gras puis faire une petite shot d'huile de canola. Je vais nous regarder nos. On va y aller comme Louis-François Marcotte. Tu pars bas, puis tu y vas en hauteur. Oh! Seigneur, avec ton ton de voix, pareil. Toi, tu serais un bon Louis-François Marcotte. Essaye-les. C'est vrai? Comment ça? Ben, ton ton de voix, il est plus bas que la mienne. C'est sexy. Ah oui? Non, effectivement. Ben attends, là, il va beaucoup trop là. Ouais, en montant. Sac les saucisses dedans. Ouais, pas du poids là, on va mettre ça en montant. C'est sexy. C'est vrai, hein? Il juste une grosse montre, là. Une grosse. On salue Louis-François. Louis-François, je l'ai invité à l'émission, il va venir un moment. C'est vrai? Yeah, je te souhaite bien. Non, mais j'ai la chance de le côtoyer beaucoup. Lui, il sait ouvrir des saucisses probablement beaucoup plus rapidement. c'est rare, d'après moi, que le monde ouvre des saucisses en plastique de même. Là, fait que c'est oui, absolument. Il y a ça. Là, l'huile est sur le feu. Oui. Ouais. On pas pouvoir rajouter, mais... Ça chauffe un peu, mais un truc, tu peux mettre une petite goutte de bière dedans, ça va pétiller un moment donné. C'est l'affaire qu'on fait en cuisine, c'est vrai? Pour se divertir quand on n'a rien à faire. Ouais. Prendre une bière que tout le monde a bu dedans, dans le pitcher de poêlon d'un client, c'est... En cuisine, c'est rare, vous n'êtes pas occupé, non? Oui, c'est rare. Il y a un petit moment, là, tu essaies de donner comme un 15 minutes avant que le rush parte, où tout le monde fume des cigarettes pour être à côté, puis... Oh, je vais prendre un bip-bip-bip. Le chrono chic. Oh wow, ok, ça c'est des belles patates. Oui, mais je pense qu'on va fermer le four et on va les laisser. On va laisser dedans? Oui. On va continuer de cuire. Ouais, ben oui, mais doucement, c'est correct, ils sont pas encore too much cuites, mais c'est parfait. Moi je trouve qu'ils sont belles en cuisse. Oui, moi aussi j'ai trouvé très belles. Ils sont à 5 minutes d'être merci, dans un four éteint. Merci, c'est chrono, c'est oui. Génial. Elle en manque jamais une. Mais je sais bien. C'est malade. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est marvelous. C'est marvelous. Hey, Olivier Labarre, c'est quoi le menu aujourd'hui? Pour ceux qui viennent de joindre à nous, vous êtes à Bubble Chef Live, la meilleure émission interactive. Mais je me sens mal de dire la meilleure. Parce mais non, c'est mais pas c'est comme dénigrer les autres. Mais on fait une poutine VG avec des saucisses Gusta, qui est une marque de saucisses végétaliennes montréalaises. On a des purs de pommes de terre aux patates douces. C'est la patate douce qui est à l'honneur, finalement, aujourd'hui. Oui, vraiment. Oui, vous deux aussi, vous êtes à l'honneur. Ah, ça, là, oui. La patate avant, vous autres après. On comprend la patate tous les hommes. C'est vrai. Qui est en saison présentement. La patate de l'eau. Les sols québécois sont prêts pour ça. Je me suis arraché un bout de pouce à l'air puis je saigne, je pense. Ouais, mais c'est pas grave, c'est en plein centre, c'est bien joli. On va être obligé d'arrêter l'émission. Oui, oui, Claude Legault, quand on en a besoin. Ah oui, les activants que... François, on t'aime beaucoup, tu es un homme calme et drôle. Nous merci beaucoup, Éric Lafort, c'est très gentil. C'est, mon Dieu, c'est des beaux mots. Ça, c'est le truc, c'est de faire beaucoup de buvards. C'est généralement ma technique. Mais avec un mot, c'est l'hiver, c'est vraiment... C'est une bonne recette, c'est en saison, hein, tu vois. Mais c'est très gentil, merci.
T'étais-tu du côté? Attends, c'est Megan? Marquette, moi. C'est un gars de Marquette. OK. L'original. Hey, t'es bon, même moi, je me suis jamais dit. Ouais, mais c'est parce que c'est une ville qui a du potentiel, mais est séparée par une autoroute. Un boulevard de 3 km. Oui, c'est ça. Tu marchais, lui, en revenant. Que tu peux pas. Tu marches. Je l'ai déjà marché. Man, c'est comme traverser le tunnel à pied, ça, là. C'était peurant pour moi. Mais j'ai déjà marché le pont, là, genre quartier, à pied. Oui, mais il y a une passerelle. Ouais. Mais il y a un chemin pédestre sur le boulevard. Ah, pour vrai? Oui, il y a une piste cyclable. OK. Mais oui, tu faisais ça la nuit en plus. Ouais, en venant des bars souvent. T'allais à quel bar? Si, parce que je connais. Moi, je vais au 700. Le 716. Le 760. Le 760. Qui est comme un bar miteux, un peu. Sinon, tu vas à Boulatèque. J'ai déjà fait un show avec mon band là-bas. Ah, ouais? Ben, c'est parce qu'il m'en a parlé. Moi, je connais rien. Je suis pas de décommande. Mais moi, j'allais à l'entrepôt puis au verre feuillage, mais c'est tout fermé. Ça, ça n'existe plus. Ça. Non, malheureusement. Il y a la microbrasserie. Le Saint-Pancras. Qui a de la bière magnifique. Je les plug à chaque fois que je peux. Mais oui. Arnaud Soli était là en show il y a 2 semaines. Ouais. C'est un endroit c'est magnifique. Tellement fun. C'est la bière était 40. Puis quand vous êtes au Saint-Pancras, vous êtes comme du bon bord de la ville. C'est ouais, ben, vous êtes mais dans le c'est vraiment beau. Mais le mes parents beau. Ont déménagé puis ils vivent. Cligne pas les yeux en charme, mais si tu vas le manquer, ok? Là, le centre-ville, oui. Oui, mais non, c'est vraiment cute. C'est le parc cool. Aussi. Le parc, ouais, le parc des pionniers. Ouais, ça, qui a un gros stage dans le milieu. Je pense qu'il l'enlève. Ah ouais? Ouais. Mon enfance s'écroule. J'ai commencé à collectionner les Funko Pop à cause de François. Yeah, Metal Pierre! Arrête donc! Hey, ben on a appris de quoi en début d'émission? Hey, parce que moi, j'y collectionne pas, mais j'en ai deux. J'ai Tupac pis Biggie Smalls. Ouais. Puis là, toi, tu m'as dit que ça valait de l'argent, mais je suis comme, ça vaut de l'argent. Ça vaut très cher, en fait. Ben, ça vaut comme une fortune, pour vrai. Ouais, c'est des pièces de collection qui ne se font plus. C'est, ceux qui savent pas c'est quoi les Funko Pop, c'est des petites figurines. Avec des grosses têtes. Ouais, avec des grosses têtes, des gros yeux, ils font de tous les films, les super-héros. C'est le bobblehead des milléniaux. Ouais, oui, c'est vrai. Oh. J'aime ça, j'adore ça. Et moi, j'ai une grosse collection de ça, puis Bob, il y en a deux. Ouais. Puis sa collection vaut plus cher que la mienne, probablement. Fait que, Ah, écoute, c'est génial. Ça sent la bonne saucisse. Oui, en ce moment, quand même. Ça a une petite odeur. Avoue qu'il y a un petit quelque chose. Elle est vraiment bonne. J'essaie de retourner. Je devrais aller avec mes doigts, mais on a mis beaucoup d'huile. Fait que ça va me cramer les bouts toutes de doigts. Oui, c'est vrai, Metal Kev, quand la microbrasserie est une ligue d'impro. Je suis Metal Kev et ils sont excellents. D'ailleurs, il y a Alex Lévesque, le gars de Dessine Bandée. Je ne sais pas si vous connaissez, qui joue dans cette ligue d'impro-là. Ah ouais? Très drôle. Gars très drôle. Et puis, checker sa page. Ouais, c'est... Il fait des petits comic strips vraiment. Oui, très oui, tellement. Mm. Est-ce que tu as commencé dans l'impro, Frank? Moi, j'ai fait de l'impro ouais, avec Homo. OK. Ouais. Ça a été un peu ma porte d'entrée. Le début, vers le funny. Mais moi, j'étais pas un grand. Tu sais, j'avais de la misère à développer un peu les histoires, les situations. Moi, j'étais un puncher. T'sais. J'étais un peu un joueur cabotin, mais c'est une caractéristique qui fonctionne quand même. Un joueur cabotin, hein? Il y a juste en impro qu'on dit ça. Cabotin. Ce terme. Pour vrai. On dit pas au hockey, ça c'est sûr. Qui vient à lutte. C'est sûr qu'à la lutte, on entend. Il y a des lutteurs qui appartiennent. Oui, mais. Ben... Fait que une fois que la saucisse est prête, ben on va pouvoir déjà. On est-tu à l'assemblage? Ben oui, on est rendu. Tabarnak, ça clenche aujourd'hui. Ça va de ça. 2h05, on a déjà une recette. Hein? C'est un record. Ouais, mais. Un record, hein? Mets ça dans ta pipe, tout le monde. Les gens qui pensent que manger végé, c'est compliqué. C'est long, c'est non, c'est combien de poutines avec tout ça? Ben, d'après moi, on va être bon pour faire 3 poutines. Mais je pense que ça va être bon, ça. Le bol est propre. Maintenant, oui. Et voilà, ça te convient-tu comme bol? C'est génial. On aime ça? Ouais. OK, parfait. C'est parfait pour le plating. C'est bon, c'est la bonne expression. Parfait. Masterchef Australie, man. J'ai des terres, moi. Oui, je pense qu'on peut même... OK, je vais l'admettre. Quoi? La saucisse sans la saucisse. Non, mais je vais l'admettre. Et je suis un hater de saucisses VG. Ben là, j'espère que je le même. Je le dis ouvertement. Ça. Fait que ça se peut. Bob, fais attention à tes doigts, je m'en viens de porter une plaque. Oui, check ça, on va mettre un petit linge sur la planche ici. Ça, c'est de la belle patate, ça. Ça, c'est beau en crisse, pour vrai. D'où Jésus. J'abuse cette expression-là. Ok, ben celle-là, au pire, je vais la mettre dans mes mains, on peut juste l'en mettre dans les doigts. Bravo, fonce! Okay. Comme fort. Ça dit quoi les patates? Ah oh, oui, moi je vais vous faire
peu de sel, tout de suite. Ben oui, vas-y. Moi, je t'en mange sel. Ah, moi aussi, moi aussi. Je suis bien d'accord avec toi, j'ai pas fait le test de goût. Oh, tu fais ça comme le. Oui. Le mime. Tu sais, d'ailleurs, Salt Bay, moi, j'ai tant dit que Louis-François Marcotte, c'était le Salt Bay de l'huile de l'huile. Ah ouais. Parce qu'il parle de Bob. Ouais, il parle de Bob. Il parle de Bob, oui, mon. C'est comme. Bon, génial. Ça, là, ça, ça, ça. Fromage, saucisse, la sauce et l'autre bord. Une petite spatule. On sent une spatule. Ça sent extrêmement bon. Merci. Good. Je laisse faire le dressage. Tu me laisses faire le dressage. J'ai ouvert une bière pendant ce temps-là. Parfait. Ça, c'est une bonne idée. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Là, la gang, ne pensez pas que. Boire un peu en après-midi comme que ça. Que je veux. Que qu'il m'offre pas de bière, c'est que j'en bois pas. Fait que sachez que j'ai été offerte. C'est ce qu'on dit. On a essayé, on a essayé. Mais. Je suis plus fan. Il n'y a pas de vin, c'est surprenant que vous n'amenez pas de vin à votre. On est vin en boîte. En boîte? D'où Jésus, de l'oiseau bleu. Mais non. Alright. Le monde boit de la bière, c'est ça que le monde. C'est bien correct, mais non, je fais. Fait que c'est le frigo. On va arrêter de me faire boire du vin parce que j'ai échappé quand vous avez du bain. C'est vrai? Dire. Surprenamment, la bière. On veut la petite bière jaune, c'est la microbrasserie de l'île d'Orléans. Puis ça aussi, moi, j'aime ça, ça. Qu'est-ce que c'est comme teinte? Blonde. Blonde. Houblonnée à froid. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, par contre. Ça, ça veut dire qu'elle apprenne, puis il l'houblonne à froid. Ah, ah merci. C'est tellement délicieux. Ouais, j'ai... Il y a Luca dans Twitch qui pourrait peut-être nous expliquer ce que ça veut dire, houblonnée à froid. Parce que c'est tellement un fan de bière qui en fabrique de la bière. Ouais. Je sais qu'il est dans le chat. J'ai vu son nom le passer tantôt. Pendant ce temps-là, est-ce que je rêve ou chronochic qu'elle nous quitte? Oh. Mon Dieu! Non, non, non! Qu'est-ce qu'on va faire? Il reste des affaires à timing aujourd'hui. On va faire une autre recette là, après ça. C'est ça l'affaire. OK. Poutineau, c'est très content là, en ce moment. Mais là, il y a un nom thématique là, oui. Pour notre repas. C'est là que tu veux pas t'appeler juste Robert James. Robert Bat, ça dépend. Ça dépend. On le veut toujours. Vous mettez de la saucisse Gusta comme vous le sentez. Là, on a fait cuire beaucoup quand même. Si vous êtes full fan, lâchez-vous bien lousse. On va s'en mettre quand même de façon raisonnable. T'es vraiment bonne, ma blonde. Je suis pas très bonne, moi. T'es super, moi, je te trouve super bonne. T'as tout cuisiné ça tout seul. Je t'aime, t'es magnifique. Mais voyons, mon doux Seigneur. Bon, tu vois, on va l'avoir, notre bébé Bob le chef. Le chef, hein, tu pensais qu'il était pour te demander en mariage? J'ai un bon Dieu! Ça s'en vient live on TV. Ouais, j'ai bu, mais pas tant que ça. Le mariage, il est le fun, c'est juste le divorce qui est poche. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 4 ans. Mon Dieu! Ouais. Vous êtes prête à toute épreuve. Ah, mais ça va bien, hein? Ça va vraiment bien, mon Dieu, la vie. Ça va tellement bien. On se voit pas beaucoup, fait que c'est pas grave. C'est faux. On travaille les deux de la maison, fait qu'on est pas mal tous ensemble. Ok, mais ça, c'est de toute beauté, tout ça. Ben, parle-moi de ça. Alexis, j'espère que le colac est prêt parce qu'on a une très belle recette de poutine. Puis on va venir sacrer notre sauce là-dessus. La sauce, je vais l'approcher ici. Les oignons verts, on n'a pas coupé les oignons verts. Back up. Ou tu le fais, François? Ah, il faut qu'il soit finement. Puis finement. Est-ce que tu sens l'attaque? Ah, c'est. Garde. Moins d'attaque. Deux? Ouais. Bon, j'ai lié, tiens. On en a d'autres par contre, mais ils sont. Non, non, on se carré, prends bien. Ils sont un peu molasses. Je te prête de mes oignons verts. Ils sont un peu molasses. Je les ai laissés au frigo toute la nuit dans le sac d'épicerie, puis ma blonde elle me dit ça prend de la lumière, ces gens-là. Ouais, ben moi, j'ai mis souvent dans un verre d'eau. Si vous faites ça chez vous, vous allez voir, ils vont mesurer 6 mètres. Ouais, ils poussent, hein. Ils poussent. Puis ils repoussent, puis ils restent. Au moins, oui, t'as des bouts sèches quand ils font ça, mais au moins, ils restent super croquants, puis ouais. Tu peux les construire pendant genre 2 semaines. Fait que là, ça, tu peux pas juste faire comme ça, là, parce que c'est. Hein, c'est trop. Il faut que tu mettes les doigts de même. Ça, c'est j'ai appris ça. Oui. Tu mets les doigts de même. Moi, j'aimais pas de même. Mais tu peux pas faire ça de même. Fait que moi, je peux y aller à la petite technique, genre du gars qui a fait son cours d'économie familiale, puis qui va tout chier ça dans 15 secondes. Non. Faut que ça soit coupé finement. C'est ce que là, c'est bien fait, là. Tu sais, non, mais justement, là, comme c'est. Pas comparé. T'as la bonne technique que tu te concentres, tu prends ton temps, puis tu mets tes doigts loin du couteau. T'sais. Mais moi, le pire, c'est que genre, à chaque année, on reçoit pour le jour de l'an chez nous et je cuisine quelque chose. Hein. Mais genre, de quoi de. À part une année, c'est mon ami Simon Delisle qui a cuisiné. Puis l'année passée. Yo, Simon Delisle, ouais. C'est un sacrament de bon cook. Vraiment? Littéralement. Moi, il m'a reçu à son podcast. Ouais, je l'ai fait aussi. Regardez ça, le podcast de. Les beaux dimanches. C'est tellement cool en plus à faire pour vrai. Ils sont tous disponibles sur YouTube pour ceux qui c'est quoi ta recette? C'est con, par exemple, j'ai même rappelé c'est quoi ma recette.
Il m'a fait mon gâteau de fête, puis je suis allé pendant ma fête, ouais. Mais ma mère, elle me fait tout le temps un Duncan Hines en boîte avec du glaçage Betty Crocker. No way. Ce qui semble cave, mais c'est important de pas inverser et de prendre un gâteau Betty Crocker avec du glaçage Duncan Hines. Tu veux vraiment que le gâteau soit du Duncan Hines et tu veux le Betty Crocker parce qu'il y a du beurre fouetté dans leur crémage, c'est donc c'est moins bon pour la santé. Du beurre fouetté? Mais beurre ça, fouetté. Ça doit être goûteux en sacrifice. C'est assez... Mais oui, ça vient de pincer chose. Droit au cœur. Oui, clairement. Clairement. Ça, c'est assez d'oignon vert ou bien là, on fait ça jusqu'à demain? Ben non, mais quoi? Alexis, prends des tests parce que la garniture s'en vient. Ça, c'est de toute beauté, tout ça. J'ai hâte ça de goûter bon. À ça. Ça sent très bon. Ça se peut qu'il y ait une petite pause là, pendant qu'on mange. Même si il n'y aura pas de pause, vous allez juste nous regarder. Manger. Mais oui, attends. Est-ce que tu vas la faire pousser ou je le composte? On va la faire pousser, oh, mais ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Sont absolument. Parfait. Je vais le mettre ici avec les autres patates parce qu'on en avait pas assez, là, de toute façon. Ben, c'est parce qu'on en fait encore. Ça, c'est à moi? Oui, moi j'ai le verre qui est comme fendu dans le haut. Pourquoi t'as pris un verre fendu? Ben, comme ça, on peut les check, tu vois. Moi j'ai une petite craque, ça. Tu mets ta sécurité. Exactement. Pour qu'on puisse différencier nos verres. Oui. Ça, c'est de l'amour, man. C'est de la bromance qui développe, là. Hey, ça, là. Quoi? Ça goûte le brassard à froid, ça. Ça, là. Oh. Éric Gendron, il dit que la poutine arrive. Mais la poutine est là. Ouais. Ça a l'air bon. Vous prenez quoi pour le fromage? J'ai pris du fromage Perron 2 ans. Parce que c'est bon quand c'est. Fromage Perron, on doit avoir l'emballage, je pense, tiens, regarde. Ouais. Et on va le mettre au-dessus de la planche numéro 1. Au-dessus de la cooking pan. Oh, je te fais vivre des affaires. Ça. Du cheddar vieille 2 ans à Perron. Là, j'ai laissé le prix dessus, fait que tu peux savoir à quoi t'attendre. Je t'allais acheter ça au marché Maisonneuve. Oui. Pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise voilà surprise. Pour toi. Merci, wow. Mon amour. Merci. Bon appétit, j'espère que tu m'as mis les saucisses. Je commence! On fait ça à chin de saucisse? Moi je veux tout, oui. Okay, je veux patates, saucisse. Boucher par fesse, chin de saucisse. Chin chin! Merci. Puis? Oh fuck, la saucisse. Pas si pire. Non, elle goûte pas le patchouli. Non. Non, c'est vrai! Qu'est-ce que ça goûte le patchouli? Ça goûte pas bon. Ça goûte la saucisse vegan. Je sais pas ce que c'est. Man, c'est la première fois que je mange une saucisse vegan que j'aime. Mm-hmm. Bravo aux amis de Gusta. Mm-hmm. Non, pour vrai, ça, c'est vraiment nice. Moi et Gusta. Ça veut-tu dire quelque oui, chose? Oui, c'est ça, en espagnol. Elle est très bonne, ça veut dire. Le test ultime. Le test ultime. Quoi? Chief le chien. Est-ce que cette saucisse te plaît? Oh, quand j'ai dit qu'il était pas habile, hein? Ah ouais? Vas-y, mon petit loup. Mais c'est ici. Ici. Allez, vas-y. Yeah! Oh! Elle passe le test! Oh, allô tout le monde! Allô! C'est Chef le chien! C'est la première fois que je te prends dans mes bras, oh. En direct! Salut, Filou! Ah, pis il y a plein de saucisses! Ouh, yeah! On est aussi une émission animal friendly. C'est très hygiénique, on le met sur le comptoir! Ben non, allez, Chief! C'est fini, on s'en va sur le tapis, yes sir. On va tous laver les mains après avoir tripoté le chien. C'est délicieux. Félicitations, la fraîche. C'est vraiment bon, ça. La recette est déjà disponible parce qu'elle est sur ton site web. Elle est sur mon blog. La fraîche, le blog. .com. Mm-hmm. Vous avez un petit onglet recherche, vous écrivez poutine, vous allez la trouver facilement. Mm-hmm. Tu publies-tu des recettes sur son site web? Tout le temps. je mets tous mes articles... sur mes techniques de coupage. Oui. Tes techniques de coupage. De coupage. Tu vois, déjà, d'emblée, ça sonne très bien. Il y a quelqu'un qui dit le chien est vieux. Ben, c'est arrogant, ça. Mais laisse pas de sa part pour petit. Ah, ben voilà, on la voyait là. Ah, ouais, chief. C'est fini jusqu'à la prochaine recette. Hey, c'est vraiment bon pour elle. Merci. C'est rare que je mange tant que ça pendant l'émission. Une poutine, ça se prend bien. Moi, j'aime le petit côté. Vu qu'il y a du vinaigre balsamique, le petit côté... Ça vient donner un côté sucré. Ouais. Tout ça, sucré qui est un plaisant. Peu sucré. Mais de la patate douce aussi, ouais. Vinaigré, ben oui. Dans le fond. Mais ça vient chercher ton petit... Mais moi, j'aime ça. Dans ta bouche, ouais. Tout le monde tripe sur le chien. Il y a Hit qui est avec nous autres du bar de Twitch. Je n'avais pas encore vu aujourd'hui. On salue Hit qui est avec nous autres. Il y a Axolot qui est avec nous qui dit que ça fait un beau bol de poutine, toute cette affaire-là. Et...
Je sais, Kat, c'était des blagues, hein, Funky Kat. Oui. Je sais que c'était pas pour être méchant. Don't cry. Sinon, le sexe en récité dit que ça a l'air délicieux. Ben, ça, c'est pas pire. C'est très bon, man. C'est pas wow. Pour dire, mais oui. C'est sûr que j'ai faim, mais t'as cave. Et Sex and the City dit qu'on a des très bons invités. Mais là, vous êtes dans mes mains. On a un très bon hôte. Oui, vraiment. On adore. C'est vrai qu'Alexis et Mathilde sont spectaculaires. C'est vrai. Intéressant. Oui. Et on a Robert James avec nous autres. En plus. Oh. T'as aimé ça, la saucisse végétarienne, hein? Le chien est encore là, il en veut. Non, seulement, hein? Oh non. Pas des bras, il mais juste. Il a pas de faire dans ses bras pendant l'émission. Il est camera shy pour lui. C'est correct. T'en mets un dernier petit bout de chief, juste parce que le monde est aime. Si vous voulez voir un animal qui n'est pas camera shy, je vous invite à aller voir l'Instagram de mon chat. On a un chat. Ben, hey, c'est vrai! Ouais. Ouais. C'est comme un Bruce Wayne. Bruce Wayne Boulian sur Instagram, allez voir. Il est magnifique. C'est Bruce Wayne Boulian. Et voilà, on a le Instagram en ce moment. Ouais. À l'écran. On a même quelqu'un qui a Alexis est complètement vendu déjà. C'est un chat très atypique, une personnalité magnifique. On a lancé sur Instagram parce que nos amis l'aiment tellement qu'ils voulaient avoir des photos de lui tout le temps. Fait que voilà pourquoi on l'offre à tout le monde maintenant. Ce chat-là, il est un peu autiste. Je veux dire par là qu'il n'aime pas les contacts physiques. Vraiment pas. Je viens d'avoir un flash. Ouais. Est-ce que Pelep est déjà allé chez vous filmer le chat? Ouais, petit gamin, il est déjà venu chez nous. En fait, il faisait un concours des trois plus laids chats de Montréal, puis on a gagné, mais t'as encore le plus laid chat. Mais il était pas laid, le monde a juste voté pour lui parce qu'il est fabuleux. Mais oui. Pauvre chat! C'est comme les Australiens, tout est dans l'attitude. Ouais, exactement. Ils sont très gentils, puis ils se prennent dans leurs bras. Mais c'est quelque chose qu'ils mettent dans la Foster's Lager. Ah oui, j'en ai pris un, je viens d'en prendre un, merci, c'est gentil. Ben, anyway, c'est correct, tu peux en prendre un autre parce que ça se composte. Ça se composte, c'est vrai. Fait qu'à chaque fois que tu utilises un Scott Towel, tu sauves la planète maintenant. C'est vrai, un Scott Towel à la fois. C'est pas beau, ça? Il y a même des photos de quand il est bébé, ça. Oui, oui. Tu scrolls vraiment jusqu'en bas, t'as fait une récompense de lui miniature. Ouais, mais il y a des drôles de comportements, ce chat-là, il est magnifique. Ouais, il aime pas bébé ça se faire prendre, il aime pas ça... Il est différent. Il aime pas l'affection, mais de loin. Il aime ça de loin. Il aime ça dans la pièce. Ouais, puis il fait des façons, tu sais. Dans le loop, mais sans plus. Mais tu sais, il s'assoit, il fait toutes sortes d'affaires, mais on peut pas le prendre. Mais il s'assoit comme quand tu dis assis, il s'assoit. Non, il fait sans qu'on le veuille. Parce que tous les chats s'assoient à un moment donné. Non, mais journée, non, mais il s'assoit comme un humain, on a vu des photos passer, genre. Ouais. Comme ça, regarde, exactement. Wow! Quand même. Ouais. Puis souvent, en plus, c'est comme. Là, je le passais en entrevue pour savoir s'il voulait rester à la maison. Il a dit. Shilal de Blackburn nous demande, est-ce un persan? Non, c'est un foldex. C'est quoi la différence? C'est un croisement entre un rat. Qui nous demande. C'est pas que je voulais pas. J'étais tellement vendu. En plus, ça ne me lève pas. Si j'avais rien dit, ça aurait passé comme dans le super. C'est le fromage pour la bière. C'est un foldex, c'est un croisement entre Scottish Fold puis un exotique. Dans le fond, c'est le persan qui est de ce côté-là. Ouais, l'exotique dans le fond. Fait que voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il ressemble. Il y a beaucoup plus d'exotique en lui que de foldex. Les foldex, ils ont les petites oreilles repliées. Ouais. Mon Dieu, vous en connaissez donc bien. C'est impressionnant. Non, mais moi, j'ai eu les chats de ma vie, mais tu sais, j'ai Les chats normaux. On l'a magasiné, là, on voulait. C'est un chat d'élevage, c'est un chat qu'on a. J'ai magasiné parce que j'avais un chat avant, j'ai eu un chat pendant 13 ans. Trouver ce qui gigi une ferme à Joliette. Non, on a trouvé une chatterie. Parce que j'avais dit à Evelyne, j'avais dit. Une chatterie, c'est vrai, maman. Ça s'appelle comme ça. Ah, ouais. J'avais dit à Evelyne. J'avais eu un chat pendant 13 ans, puis il est éventuellement décédé. Puis j'avais dit, j'ai pas envie d'avoir d'autres chats maintenant. Puis si je peux en avoir un autre, il faut qu'il me fasse rire à chaque fois que je le vois. Puis j'ai googlé des photos des de chats, races, des races, puis j'ai trouvé ça. Puis j'ai fait, ça sera ça. Il y a une chatterie à Terrebonne, ouais. La chatterie Catherine. Ça s'appelle Katrina Cat. Pis c'est tous différents chats de race? Ben non, c'est seulement des foldex ou des exotiques. J'ai encore raté, si tu veux. T'as-tu
Moi, j'aurais rien dit, là. Je suis le nez aussi, pour ceux que ça parle. Ça peut vraiment falloir que tu te laves les mains, toi. Le wow, chien, le nez. Je t'ai tué. Mon Dieu. Oh, c'était magnifique. On partage un beau moment. Tu l'adores, ça. OK, prochaine recette, cigare au chou. OK. Non, on a notre recette aujourd'hui. C'est vrai? Oui. On est-tu rendu là déjà? On est déjà. Ça passe tellement vite, puis pourtant, il nous reste genre une heure et demie de chaud. Oui, absolument. Oh. Excusez-moi, okay. J'en mange tout. Sinon, on va faire un dessert à la fin. On a de la coriandre. Je connais un très bon gelato coriandre. Et je fais juste name dropper. Je vais faire une quenelle. Puis, c'est quoi une quenelle? Oui, oui, c'est une boule que tu fais avec deux petites cuillères. Wow. En fait, t'as des bonnes connaissances culinaires. Je voulais juste les name dropper. Moi, cool. Je connais pas beaucoup de monde qui peuvent me dire qu'écoute WrestleMania. À part le truc Benjamin Tulle. Ouais. C'est vrai, les deux seuls fans de lutte. Qui est un de mes amis et d'ailleurs, Benjamin, je le salue s'il est là. Tellement le meilleur gars. Il est venu sur l'émission, puis on l'aime tout le temps quand il passe. Ouais, il fait cœur. Quelle personne formidable. Calme. Oui. Il est tellement calme. C'est fou. Hier, il luttait il était à Québec. C'est vrai? Oui, c'était... Il est bon, en plus, nous, on a lutté contre eux autres. Tu luttes? On avait fait un gala de lutte à ZooFest il y a quelques années de ça. Okay. Lutteur contre humoriste. Moi, je m'étais pas battu contre Benjamin, mais mon ami Frank Grenier et Martin Vachon se sont battus contre Benjamin et... Toi, tu te battais contre qui? Moi, je me battais contre Alextrême, qui s'appelle... Alextrême! Un dude vraiment très, très musclé et beaucoup plus en shape que moi. Et comment ça s'est terminé tout ça? C'était un gauntlet que ça s'appelle, notre match du moins, c'était un gauntlet. Mais ça c'est quand t'es attaché bras à bras? Non, c'est un seul lutteur contre plusieurs autres. Ok, donc, oui. Il fallait que lui nous batte un à tour de l'autre. La troisième corde? Juste nous battre un à tour de l'autre, puis on était plusieurs humoristes à se succéder. Moi j'ai perdu, puis Martin Mallette, je crois qu'il l'a battu avec un cheat. Là, C'était tough hein, quand tu faisais ça? Ouais, c'est terrible. Faire de la lutte, c'est. On a recommencé à la lutte. Juste les gens qui disaient tantôt. Non, c'est WrestleMania, c'est fête. C'est vrai, c'est WrestleMania, c'est la fête de la lutte. C'est tout ce qui reste comme sport décent à TV. C'est en vrai, ce ça c'est vrai. T'as jamais si bien dit. Ça se termine vers minuit ce soir. Après, on est là. D'ailleurs, j'ai checké tantôt. C'est vrai, Tiger Woods aujourd'hui qui est de retour au Masters. C'est vrai? Hier, j'étais comme en congé. Puis, confession, quand j'étais en congé, j'écoute le golf. C'est vrai? Voyons, tu dors pas? Ben non, tu fais une sieste, man. Voyons, c'est malade. Mais c'est plus quand tu te réveilles, ta sieste. Absolument, c'est pas mal la même chose qui se passe. Ils sont encore au trou numéro 11. C'est juste d'autres golfeurs qui sont au trou numéro 11. T'as rien manqué de l'action. Je sais, mais cette voix de commentateur de golf est tellement réconfortante. Mais il faudrait leur dire aux commentateurs de golf qui sont pas sur le terrain, qui ont pas besoin de chuchoter. Ils sont d'une boîte à 500 pieds du gars qui drague. Je pense que c'est le momentum parce que si le gars était un peu trop énervé pendant. Alors, on a Tiger Woods qui est là, come on, mon chien! Le gars, il est juste que. Ah, c'est bon. Oh, on voit qu'il est là, il est prêt à jouer, il est prêt à faire son. J'ai crié, ça a peut-être piqué un peu, je suis désolé pour les gens. Non, hey. En plus, j'étais un peu enrhumé, j'ai un ton de rhume. Oui, wow, t'as quasiment perdu cette semaine. Ouais, j'ai failli l'influenza. C'est. L'influenza. Tout en passant, c'est le seul qui s'est pas lavé les mains encore. Je me suis lavé les mains plusieurs fois, je les ai lavés après avoir fait les saucisses. Je les ai lavés avant de commencer à cuisiner. Puis après avoir été aux toilettes. Puis après avoir été aux toilettes, fait que je m'excuse. Je suis consciencieux. C'est tellement hygiénique. C'est vrai ça. Ok, jusqu'à là, si vous venez de vous joindre à nous, on a Evelyne qui a fait une estime belle poutine végétarienne. Oui. C'était vraiment bon en plus. D'ailleurs, la sauce qui est végétalienne. Oui, exactement. Ça, on l'a fait avec de la margarine. Oui, si vous prenez pas du beurre, vous pourrez la faire végétalienne. La vraie margarine vegan aussi. Oui. Parce que la margarine, ça contient les produits laitiers. Exact. Fait que faut pas prendre. Et la margarine qui est faite à base de pensées positives et de plantes. Surtout celle-là. Mais oui, c'est la vaisselle. La vaisselle, ouais. Exact. C'est très bon pour le cœur. Très bon pour le cœur. Mais elle est vraiment bonne cette sauce-là à poutine aussi avec, mettons, vous faites des boulettes de tofu. Là, chez Looney était venu en faire chez vous, là, mais ça fait comme des boulettes dans sauce brune. Là. C'est vraiment bon. Comme un, tu peux te faire comme un gros hot hamburger. Moi, j'aime ça, des hamburgers chauds. Ah, un genre de sauce sloppy juice. Ouais, avec la sauce brune des petits pois. Là. Non, mais c'est vrai.
Mais je pourrais me le pimper. Non, mais tu pourrais le faire avec du Yves, justement. Non? Ouais, mais cette sauce-là, là, avec une espèce de boulette de tempeh ou quelque chose, là, ça ferait un bon hot hamburger. Mais ça. Prenez des petits pois le sieur, par contre. Le sieur? C'est pas les le sieur. Pourquoi? C'est quoi le sieur? C'est une marque de petits pois. Non, tu connais pas la marque. Moi, j'achète des petits pois congelés. Effectivement. Je suis désolée. Mais si tu prends les petits points en canne, tu veux des lacières. C'est que tu l'emballage gris, non? Il est comme, il est silver, qu'on aime dire dans le monde des petits pois. Je le sais d'abord. Tu nous sors une canne de lacière. ben oui, si, le lacière, il faisait de l'huile de table aussi à l'époque. C'est vrai? On a une belle toile, nous, désolé, à la maison. Ah, ok, ouais. Mon Dieu, il est funky. Il a l'air d'un croisement, genre, le petit bonhomme Pittsburgh puis le Joker dans Batman. Vous pouvez pas le voir malheureusement, mais googlez le sieur huile de table 1964. Je t'ai pas vraiment fait le coup que j'ai jamais fait, puis parce que hier j'ai fait l'émission, on n'est pas sorti d'auberge à radio. Puis à ce temps-là, ça de la radio à Radio-Canada, t'es sur Facebook. Ouais, c'est live. Ben moi, ça me fait chier parce que quand je faisais de la radio, j'aimais ça y aller habillé comme un bûcheron, tu sais, pour m'encrisser. Ouais. Puis justement, hier, j'étais arrivé comme habillé tout croche à la radio. Mais ben là, on fait un petit Facebook live. Je suis comme bon, tu sais, ma mère va m'envoyer. Ben, ce qui est le fun à radio, quand ils font du Facebook live, c'est que Francis Redé devient caméraman dans tout ça. Ah ouais? Puis il pogne le trépied, puis il se met à filmer tout le monde. Mais j'ai jamais écouté. Puis il dit que tout est magnifique. Faut que tu l'écoutes sur Facebook, mais pas radio. Mais c'est parce qu'ils gardent pas sa page après, leur live. Pour vrai? Je suis sûre, parce que j'ai jamais été capable d'y revoir. Fait que la gang, on n'est pas sortis de l'auberge, j'aimerais ça. Je fais mon Francis Redé, Alexis. J'essaie de tourner ça. Ça va avoir une chance. Jusqu'à date, c'est là. Avec un très gros homard. Hein? Yes. Un très gros homard, en effet, sur des patates pilées. Fouille-moi pourquoi. Là, et voilà, on essaie de pas tout casser les fils. Le trépied est en suspens. C'est sur des fils. Je vais aller t'aider. Oh, les joies du live. Là, t'es sur la power. Ah, oui, c'est ça. Hein? OK, merci. J'ai aucune idée de ce qui se passe avec tout ça. Je pense qu'on va juste le déposer au sol. C'est... Ah, attends, hein? On a peut-être quelque chose de nouveau. Ça, c'est-tu la... C'est pas fait. C'est pas fait. J'aime ça, moi. Wow. Ah, et voilà! Ah, yeah! Yes, sir! On fait aussi de la technologie ici. C'est certain qu'on va parler après l'émission de celle-là. Quand on... Tu ne fais plus jamais ça, Bob! Tu touches pas! Bon, ça a bien été, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Metal Kev, merci de me garder au courant et me dire que Tiger Woods vient de faire bogey, un double bogey. Ça veut dire qu'il est rendu à plus 5, ça veut dire que son tournoi est terminé. Hey, jusqu'à date, tout ce que tu me dis là, t'as sonné comme les adultes dans Charlie Brown, genre. C'est ce que Tiger fait un gros comeback cette année, après comme 18 chirurgies dans le bas du dos. C'est vrai? Il revient. Puis il y a quand même des derniers tournois. Non, mais il faut pas oublier Tiger Woods, c'est lui qui a rendu le golf excitant. Oui. C'est pour vrai. Puis c'est vrai que dans le summum, moi là, quand il y a un sportif de même, je l'écoute. Parce qu'on va en parler dans 100 ans de Tiger Woods. Oui, oui. Tu sais, comme Tom Brady, moi j'aime pas les Patriots. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Mais oui, ben. T'es un fan de XFL, par contre. Ben, j'écoute les matchs de Tom Brady parce que je me dis. Tu veux connaître un peu. La légende! Ouais. Tu vis ce moment légendaire-là. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, puis on n'a plus à Montréal. Là, je dis, notre dernière légende, c'était Stéphane Richer. Fait que c'est notre dernier scoreur de 50 buts, pour ceux qui se le demandent. Yes! Bon! T'aimes pas John Cena, c'est une légende. J'aime pas John Cena non plus, genre. Non, après The Rock pis Steve Austin... Ça a été dur à... Ça a été dur de se passer d'eux autres, parce qu'il était très très bon. Mais tu peux regarder ses films, c'est ça qui est génial. Ils sont pas très bons, ces films. Il était beaucoup meilleur à la lutte. J'ai remarqué, Evelyne, on s'est pas tenus comme ça, de tout le monde. Hey, on m'a écouté une émission, là. On va taire le nom de l'émission. Mais c'était des participants, c'était des couples qui participaient, puis je pense que la directeur de la cam faisait toujours... Fallait qu'ils se tiennent comme ça, toutes les choses, c'était... Qui se tient comme ça dans la vie? Ben oui, mais il était comme une dizaine, tous de même. À part si c'était genre ça... On dirait qu'on est enceinte. Tu peux juste faire ça, comme fait... des noces, t'es chaud, puis tu commences à faire de la danse, là. Ça, c'est tout le temps le moment que t'es fier d'être québécois. Je suis pas bien d'avoir vécu ce moment-là. On a vécu on cam, en plus. On s'est jamais tenu de même. S'il y a quelqu'un qui est capable de trouver le nom de l'émission, vous êtes fabuleux, et je vous envoie... On fera un petit pouce en l'air. Je pourrais m'envoyer, on a plein de carottes une là-bas. Je vous envoie douce. Des carottes. Le restant de la bouteille de la Worcestershire vegan. On est en feu! Si vous voulez joindre à nous! Allô! On est avec Evelyne Auger du blog La Fraîche, le blog. On est avec son chum,
François Bouliam, qui est aussi humoriste, en plus d'être François Bouliam. Oui. Il y a ça. Ouais, il y a ça. Sur une échelle de 1 François Bouliam, là, ouais. Un bon 8. Hey, Rams Ulias, je pense qu'il veut me dire que Vincent Danfous, c'était la dernière grande légende à Montréal. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tous avoir un casque sur la tête, en tout cas. C'est vrai. Donc, yes. Alter the Gamer qui dit les amours. Ah, c'est une référence à votre pause amoureuse pendant ce temps-là. Je crois qu'on a une discussion sur la mayonnaise américaine versus la mayonnaise française. Mais pourquoi? On a parlé de mayo. Hey, ça brasse sur le chat. Non, ça brasse dans le chat. Là, calmez-vous tout le monde. Seigneur. Mais voyons, mayo, vous autres. Yes, mais c'est quoi la différence? C'est-tu, il parle de texture. On parle de texture. Mêmes ingrédients, mais la texture. La mayo achetée, c'est toujours dégueulasse. Rien ne vaut la mayo maison, nous dit. Ouais, mais faut que t'ailles un bon En France, la mayo est plus jaune. Elle se rapproche d'une vraie mayo maison que t'aurais fait toi-même. Mais elle se conserve moins longtemps. Ici, je pense que c'est ça. Je pense que nos ingrédients, oui, il y a des œufs, mais sont modifiés. Puis, elle va se conserver hyper longtemps, mais elle est dégueulasse. C'est qui nous a expliqué la différence que, mettons, Montréal, Québec, les grands centres québécois, on utilise de la Miracle... on utilise de la Hellman's, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la Miracle Whip. Oui, je l'ai vu cette semaine. Dans, je pense que c'est un peu presque parfait. C'est y a quelqu'un qui est passé au show même qui nous a dit ça. Qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on préférait la Miracle Whip. Mais qui est de la sauce à salade, right? Non, exactement. Mais c'est une guerre, ça. C'est soit que t'aimes un ou que t'aimes l'autre, mais tu peux pas aimer les deux. Tu peux pas aimer les deux. C'est impossible. Method Man, lui, il aime la Miracle Whip. Il l'a même dit d'une toute. Le rap, on y revient, on n'arrête pas de faire des... On est dans les liens, là, c'est des... ça qui se passe. Ça revient tout à mes bottom pop qui parlent de pièces, man. C'est ma dude, t'as fait ma journée. Je m'en vais à Cuba, moi, y'a pas de live la semaine prochaine. Là, on va te demander de quitter, on va finir ça. Hey, la mayo, ça finit plus. Mais si vous voulez de la mayo qui est pas pleine d'agents de conservation, à l'épicerie, dans le coin des fruits et légumes, la mayonnaise cuisine poirier faite dans la ville de Saint-Jean-de-Mata par une famille extraordinaire font des maillots. En vrai, excusez, je la plug parce que c'est absolument bon. Il n'y a pas d'agents de conservation. Elle se garde au frigo, elle se garde moins longtemps, mettons, que des maillots allemands, mais ils en font de la traditionnelle plain. Puis sinon, ils en font à plein d'autres saveurs hyper délicieuses. Fait que vous irez l'essayer si vous voulez de la maillot plus homemade. C'est ça que je sors avec. Elle connaît sa maillot, la bonne femme. je suis impressionné, absolument. Hey, hommage aux patates douces. On va faire des pleurs de patates douces aujourd'hui. Ben, j'ai jamais fait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des pleurs. En fait, j'improvise un peu une recette. J'adore ça. Ça me tentait. Premièrement, j'ai commencé avec des petites patates douces. Hein. Je les ai pris moins longues. Oui, que moi. Oui, ben toi tu faisais des frites. Exact. Fait qu'on a favorisé la longue patate. Moi je fais des petits bateaux. Fait que on y va pour la petite grosse de la patate douce. Des pelures de patate douce. On les crisse direct dans l'eau, comme ça. On les crisse, c'est bien important. On les crisse. Là, c'est bien. Bip! Puis c'est la beauté de faire du web. Hein. Je peux pas sacrer à Marina. Ah non, mais c'est bien correct. Je dis ce que je veux. Surtout pas Marina, elle est trop gentille pour que tu saches. Ça me choque pas. Marina a sac de temps en temps. C'est vrai? Un bon calice. Mais ça doit aller mal! Fait que on va laisser ça mijoter, hein? On veut, on veut être capable d'épiquer au couteau, puis d'évider, mais on veut pas que ça soit trop mou non plus. Non, ça vient mou vite. Ça se tient. Je vais pouvoir l'épiquer, moi. Tu vas pouvoir l'épiquer. Yes. Ça va être ta job. Hey, je t'ai vu mettre du sel dans ton eau, puis là j'ai une question sur l'eau bouillante et le sel, parce qu'on peut pas mettre du sel dans toutes les eaux de cuisson de légumes, maintenant. Okay. Moi, je mets du sel. Non, moi, je mets du sel systématiquement dans tout. Parce qu'il y a certains aliments que, mettons, si tu sales ton eau bouillante, ils perdent, surtout les légumes verts, mettons, vont perdre beaucoup de leurs vitamines et de leurs affaires. Fait que je me demandais. C'est vrai? Ouais. Je suis pas certain que à quel point que ça, c'est vrai. Ben, j'ai lu ça dans l'encyclopédie des aliments. Wow! Ça doit être vrai, c'est un livre. Hein? C'est la première fois que j'entends ça de toute ma vie. Seigneur. Puis les cuisiniers, je veux dire, j'étais allé léger même sur le sel. Pour rien. Moi, je sais qu'il y a un truc pour tes légumes verts. Si tu veux faire sortir la chlorophylle de tes légumes verts, tes asperges, tu mettrais une cuillère à soupe dans ton eau de bicarbonate de soude. Puis ça, je savais que ça tuait la vitamine des légumes.
Mais le sel, c'est la première fois. OK. Oh. Ben à la maison, si jamais vous avez... J'ai aimé ton intérêt. Quelqu'un nous dit qu'il met du sel dans l'eau pour les pâtes et les riz. Oui, moi aussi, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'en mets rarement pour... Le riz, il faut faire attention parce que ça peut le saler pas pire. Oui. Parce que ça boit l'eau, contrairement aux pâtes qui boivent un peu d'eau. Mais les chefs, eux autres, les chefs, ils aiment ça quand c'est salé. Oui, ben c'est parce qu'on a tous fumé à une époque ou à une autre de notre vie. On a bu énormément de scotch à une autre époque de notre vie. Absolument, c'est à la même époque qu'on fumait, qu'on buvait du scotch. Une grosse époque. Ouais. Même des fois, tu as ta cigarette dans la gueule puis tu bois du scotch pendant que tu fumes. Moi, ce que j'appelle dans le milieu, mardi. Un petit mardi. T'es-tu beaucoup sur la route ces temps-ci ou t'es... Non, ben oui puis non, oui puis non. Oui, c'est ça. Je suis en deux chaises là, parce que je fais souvent des remplacements de première partie avec François Bellefeuille puis José. Cool. Qui sont les principaux. Il y a Pierre-Luc Pomerleau qui est excellent, qui fait la première partie de François. Puis Simon Gouache, mon ami Simon Gouache, qui fait la première partie de Louis José. Puis j'ai le plaisir et le bonheur de remplacer quand ces deux. Jeunes hommes sont occupés de leur bar, fait que c'est ça que c'est ma route présentement. Et est-ce que tu prépares un format Je travaille présentement sur un format pour moi. C'est pas une production signée, c'est pas un truc, c'est quelque chose que je suis en train de faire pour moi. Pour le faire, J'ai déjà présenté des heures à Zoufest pour ces trucs-là, mais là je suis en train de travailler quelque chose, un produit qui va me ressembler, qui va être une bonne carte de visite, un petit une heure, ben de fun, qui est un assemblage de nouveaux. Et d'anciens matériels. Puis tu fais ça où si on veut te voir en ce moment? Ça sera pas. Ça sera, c'est pas encore. Tu fais des soirées au bordel? Ouais, j'anime régulièrement au bordel. Je joue aussi au bordel. Okay. C'est comme ma deuxième maison. J'adore cet endroit-là. C'est magnifique. T'as fait l'open mic, toi? Ouais. Ouais, comment ça a été? C'est pas pire. Alexis, comment ça a été? Pas pire. J'ai aimé ton. C'est ça, c'était bien cool. Mais non, mais déjà d'avoir le courage de le faire. Puis de, non, j'ai eu du fun. Ben, en fait. Je pense que comme je me suis réécouté, Alexis l'enregistré, puis je pense que le débit, c'est pas pire, je bouge beaucoup, mais j'étais extrêmement nerveux. C'est normal, faire ça. C'est normal. J'ai fucké comme un de mes gags, je l'ai comme dit à l'envers, mais tu sais, combien tu t'es donné tantôt? 8 sur François Boulian. J'en ai 7.5. C'est bon, ben c'est bon. C'est quand même bon. C'est quand même bon parce que moi, mes premiers shows, je me donne. Puis le 0.5, c'est à cause que j'étais bien habillé. T'sais, ça aurait été 7 sur 10, mais j'avais comme un bon sou. C'est bon, ça. C'est le sou te donne 0.5. J'attends le 0.5 de plus. Mais c'est en préparation, puis éventuellement, sur mes médias sociaux, je vais annoncer où est-ce que je vais le présenter parce que c'est pas décidé encore. Mais tu fais ça parce qu'il y a des humoristes qui font du open mic, là, carrément. Ouais, ouais, ouais. Tu rodes là-bas. Ben, je rode un petit peu partout. Il y a plusieurs soirées d'humour à Montréal. Fait que j'en profite pour aller lâcher mon dévolu dans ces moultes endroits. Puis, c'était beau. Oui, vraiment. Pour ceux que c'est la norme, je l'ai fait peut-être pas. C'était plus un. Non, mais tu. C'est un grip. Est-ce que t'as pogné une espèce de piqûre ou c'est quelque chose qui était. Ben, le soir même, oui, mais le lendemain, si je suis vite, redescendre. Ah, ça va être meurant, oui. Tu peux t'abouquer sur un open mic. Mais, oui, mais je veux comme plus. Tu sais, je trouve que j'ai une bonne base de matériel. Ouais. Je vais partir de ça. Puis je vais essayer de travailler ça. Puis tu sais, une fois que tu perfectionnes ça, mais après, tu sais, bien de oui, tout à fait. Mais tu sais, je pense pas arrêter d'écrire des recettes. Non. Ben, c'est bien correct. On a besoin de gens qui font des recettes. Oui, absolument. Oui. Plus que du Maurice. Ouais. Mais il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup. Le gars veut pas perdre sa place. Je veux pas perdre ma job, guys. Non, mais il y a une petite belle fraternité. Pendant que j'étais là, tu sais. Ouais, ouais, tout à fait. Ben, j'étais gêné, surtout comme, tu sais, moi, j'arrive là, puis c'est des vrais humoristes, là. Ouais. Qui t'en as même sur l'open mic. Des fois qu'ils viennent se booker, tu sais, t'es chargé. Ah, mais Étienne Dallon, il a décidé ce qu'il a. Il a décidé à la dernière minute. Ah, moi, je vais passer avant Bob le chef. Je suis comme tabarnak, là. Je connaissais pas la personne qui passe avant moi, là. C'est toi qui passe avant moi, ça me fait chier, là. On a une belle fraternité, en effet. On est des gens bien proches, puis on s'aide beaucoup, on s'encourage. On se voit tout le temps, tu sais, parce que c'est. Mais cette place-là, ça a créé ça aussi, je trouve. C'est ouais. Cool. Il y a tellement beaucoup de soirées d'humour, on se côtoie régulièrement, tu sais. Ben, c'est cool. Ouais. Pour moi, on aimerait au Québec. Oui. Ben oui, ça, c'est magnifique. Chris, si on se rendait compte de. Mon Dieu, j'ai mis un C qu'un reste. Ça pourrait avoir 15 ans, Alexis, je sais. c'est parce que je me sens familier. Mais si les gens se rendaient compte de tout ce qui se passe au Québec, on pleurerait en ce moment. Absolument. All right. Oui. On va sacrer nos patates en arrière. OK? On va laisser mijoter jusqu'à ce qu'il soit tendre. Toi, tu prends ça drette pas de même, là. Drette! Les poignées, ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. C'est sont un autre type de matériau, d'habitude, pour les poignées. Ils sont faits comme en même affaire que le reste. C'est la couleur. Il faudrait qu'on va en faire là. Qu'on arrive à la maison. Ouais,
Moi, je pensais qu'on les a pas ouvert les premières noces. Mais télévision, oui, mais il faut bien un petit peu de chicane. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, on a ça de fait. Là, on va faire du bacon. Oui. Bacon végétalien. Mon Dieu, je suis tellement excité qu'on passe ça. Moi aussi, j'étais quand même excité. Oui. C'est une recette qui vient du web. Oui. Puis j'ai checké sur à peu près 10 sites internet. Puis toi, tu sais, hein, toi, tu vas comprendre ma misère. Oui, t'as un blog culinaire. Mm-hmm. T'essayes des recettes de d'autres blogs culinaires. Non. Non? Mais souvent, ce que je fais... Ben, genre, on en crée aussi, mais des fois, on s'inspire là, de des recettes. C'est bien rare que quand je cuisine chez nous, je fais pas mes recettes parce que mon but, c'est de me fider en, ouais, en recette. Mais oui, je vais aller chercher surtout sur les autres blogs. Mettons, Pinterest, c'est le meilleur monde. Si jamais dans ta vie, tu as fait des baklava, tu veux avoir une technique, oui, tu vas sur à peu près une dizaine de sites, puis tu regardes la technique, ça doit être ça que tu as fait, justement. Exactement. Voilà. Oui. Tu prends les 10 plus populaires, puis tu t'inspires de ça. T'essaies de gager les quantités, parce que quand, mettons des quantités de farine, des affaires de même, moi, je suis pas une chef pâtissière loin de là. Mais des fois, justement, tu te retrouves, il y a des recettes que, écoute, la crème caramel, ça va tout être la même quantité de lait pour la même quantité de jaune d'œuf. Voilà. Fait juste, si vous avez un blog de cuisine, moi, je vous dis à la maison. Les bases, là, oui. Allez sur Ricardo, copy-paster sa recette, enlevez 5 ml de sucre, puis c'était vous autres. OK? Vous l'enlevez, vous l'enregistrez. C'est comme ça que ça marche. Changez 2 minutes de cuisson, c'était vous autres. OK? Attention au pudding chômeur, par exemple. Il y a une grosse affaire là-dessus au Québec. Mais cette recette-ci aujourd'hui de bacon végétalien, on peut tout la partager sur notre site web parce que les 10 sites que j'ai vus, c'est tout pareil. Ils ont tous, ouais, poaché la même recette. Il y en a même qui ont même pas eu l'audace de changer. Tout est pareil? Tout est exactement pareil. Ah ouais. Pareil, ouais. Même faute d'orthographe dans le même mot. C'est là que tu le vends un peu, que tu as copy-pasté la recette. Légèrement. Moi, je l'écris à main parce que copy-paste, hein, j'ai de la avec ça. C'est la cassée, Alice. Alright. On a besoin de papier de riz pour notre recette. Là, Frank, tu as participé pour vrai. Oh non! Hey, t'es acheté bon en plus. Donne, oui, du fil à retard. Je te donne du fil à retard. Va faire tout le paquet. Non! Yeah. Toi! Jusqu'à là, je suis brûlé. Ok, parfait. Puis pendant ce temps-là, on va se préparer une petite marinade. Ça, c'est vrai, ça. Que je te donne un bol ici. Puis je vais te passer. Chris Frank, je t'ai donné une. Yeah! Hey! Il y avait des tout ce temps, là! Si c'est pas moi le ciseau le plus aiguisé de la boîte. Oh, j'adore! On va commencer avec 30 ml d'huile. On va tout mettre la marinade dans un bol, OK? Ah, mais il y en a de l'huile. Moi, mais elle est vide. Quand j'ai touché tantôt, elle était vide. Fait que je te passe 30 ml d'huile ici. J'ai fini, Robert! Excellent, excellent! 30 ml d'huile, là! Frank, si t'es allé trop vite! Je pensais que c'était pour prendre tellement plus de temps. Ouais, 2 cuillères à soupe. Alors, pour les gens à la maison, l'été s'en vient, et pour ceux qui chercheraient des activités au parc, on a des frisbee smooth ici. tu peux... Aucune chance de blessure, par contre, ça brise en deux. OK, là, Frank, on va essayer quelque chose que j'ai jamais essayé. Couper la feuille de riz. Ouais, ça a l'air d'être le bout. Couper de la feuille de riz? C'est quand même complexe. Je fais ça tout le temps, moi. Sont où nos ciseaux? Je fais tout le temps ça. Ah, tu l'as fait au ciseau? Moi, des fois, j'ai fait au couteau, mais... Un ciseau ici? Tu veux essayer au ciseau. Tu as déjà fait ou... Tu te fasses une shape de bacon, en plus? Ouais, ouais. Avec une petite... Non, ça va lever. J'ai déjà fait un recette, moi, j'ai le premier. Mais j'ai déjà essayé, je l'ai raté. Ça va lever. OK. On essaye avec les ciseaux. Mais qu'est-ce que tu veux, là, comme... Tu fais des lanières. Des strips. Sauf que ce qui est dommage, tu veux comme une tranche de bacon? Mais pour faire des lanières, fait qu'au pire, tu pourrais te faire un carré, pour faire des... C'est qui? Non, je vous en regarde aller. Non, des mais carrés. Le bacon, c'est pas parfait, là. Maintenant, on commence à se couper. Parce qu'on va en avoir des ovales, tu sais. C'est correct, ça, check le coin, ici. Oh, yeah, shit! Yeah, ça y va tout seul. OK, ça se coupe donc bien, bien, tout ça. Tu vas te tasser dans le chef provisoire. Non, 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 je te donne un exemple. Laisse faire la découpe, Bob. Fais les ordres. Ça me tente plus. Fais-nous des tranches de bacon, puis appelle-nous ça. Ah ouais, là, c'est moi, là. J'ai donné une activité, là. De ce grosseur-là? Oui. De ce grosseur-là, de cette largeur-là. Pour les amis à la maison, c'est... cette grosseur. On a la petite B12, la petite levure ici. Ça, c'est comme magique. Ça remplace les jaunes d'œufs pour les végétaliens. Quand mon sang commençait à être addictif. Tu m'as donné une activité, puis j'ai déjà réussi à faire une tranche trop grosse. Mais non! Ça laisse comme, tu sais, du bacon de flan. Il casse, c'est ça qui arrive. Combien tu voulais que j'en mette, Bob? On en met, j'en ai checké, 30 000 litres, même chose que l'huile. 30 000 litres. Ouais, absolument. Puis après ça, on retombe, on va continuer avec les ingrédients. Ouais, et les emballages aujourd'hui, c'est pas ma tante. Ça va. Veux-tu j'écris après pour qu'il y ait au plus vite? Non, ça va.
Mais ça va y être, je pense que ça l'est, puis on va utiliser le côté. 10 millilitres de poudre d'ail. La poudre d'ail, c'est important. On veut utiliser la poudre d'ail et non du sel d'ail. C'est pas la même chose. Ça va être grave. Non, mais non, ça change. La poudre d'ail, c'est pas salé. Oui, fait que si tu mets du sel d'ail puis tu mets du sel, c'est plus que ça soit trop salé. Bonjour à la maison. Je pourrais utiliser mes dents, mais je sais pas. T'es pas encore réussi ça. Mais l'autre côté, je suis pas capable. Tout le monde rit de moi depuis tantôt. Merci. Et voilà. Hein? Qui rit maintenant? Ils font venir Hugo Girard une fois par mois à la maison. Ils ouvrent tous les contenants, toutes les boîtes. Puis on perd, un nombre énorme de bouffe parce que tout est ouvert. Tu vas faire une émission avec lui pour t'ouvrir toutes tes affaires. Absolument. Ça s'appelle Hugo ouvre tes pots. Ça serait ça serait malade. Regarde ça, celle-là, ça a pas l'air d'une tranche de bacon. Mais c'est ça l'affaire. Il y a moyen aussi d'en acheter de forme carrée. Vous j'en ai pas trouvé, oui. Je le sais en plus. Ouais, oui, mais c'est parce qu'il y en a les... Je sais pas pourquoi en fait. Hein. Ils nous offrent la possibilité de le vivre sous forme ronde et carrée. Mais je pense que ronde, ça fait des plus beaux rouleaux de printemps. Ah ouais? Et carré, ça fait des plus beaux tranches de bacon. Combien t'en veux de ça, soit dit en passant? Ouais, une coupe de feuilles. Hein, quand même. Ouais, parce que je pense qu'il faut qu'on les double. Oui, exactement. En plein ça. Maudit. J'ai déjà essayé une fois, mais j'ai raté. On est des food bloggers, nous, François. On connaît ça, ces affaires-là. Puis moi, je fais de l'argent. It's funny because it's true. OK, on n'a pas fini notre marinade, par exemple. Qu'est-ce qu'il manque dans la sauce soya, le sirop d'érable, et l'ingrédient de marque, la fumée liquide. Ah, oh, ça c'est... Mais il faut peut-être de la fumée liquide si tu fais du bacon. De la fumée liquide, on n'en met pas beaucoup. On a ça à la maison. On en met 5 millilitres. Ça, ça fait dur. Hein? C'est comme un point, je sais pas quoi. C'est celui-ci, 5 millilitres. Je travaille jamais en millilitres. Et puis tout est sauce soya. Sauce soya, c'est 45 millilitres de sauce soya. 45? Ok, non, gérez vos affaires. T'as du fun avec tes feuilles de riz, man! Ça, vraiment. L'évangile en papier, la dernière fois que j'ai du fun. Comment t'as-tu servi à la messe pendant un bout? Non, j'ai pas servi à la messe. Ok, non, mais ça devait être religieux un peu, mais comme. J'allais à la messe tous les dimanches, par contre, à une certaine époque de ma vie, oui. Moi aussi, j'étais. Moi, j'ai servi la messe. C'est vrai? Réellement, oui. C'est fascinant, ça. Non, ça l'est vraiment pas. Robert James in the church. J'ai un bon ami là, qui était gay à l'époque, puis lui, il servait à la messe dans le but de se faire attoucher par un gars. Mais voyons donc. Puis il était tellement déçu, il se trouvait. Ça a comme ruiné sa confiance en lui. C'est quoi, je pense c'est beau, moi, le curé me touche pas. Puis je pense pas que c'est tous les curés qui font ça. Tu sais, il y en a pas mal, mais pas toutes. Oh, je suis mal à l'aise. Je suis pas bien. Fait que ça, on va mélanger ça. Il manque sirop d'érable. Ah, oh, je l'ai mis! Sans que tu checkes, absolument! Hey, t'as fait ça comme un ninja! La canne est même pas ouverte! Ok, ça semble beau tout ça! J'ai coupé environ 230, je pense. Mais c'est ça qu'on veut? Hey, tu y vas même? Ah, je vais multifeuille! Ah! Oh! Ça, pour vrai, goûte la marinade, ça goûte le bacon! Tiens, j'ai fini ça. Okay. C'est assez, ça? C'est en masse. Ouais. Yeah, c'est beau. Tu veux que j'en fasse plus? Non. On va couper le reste s'il faut. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ok, on est bien parti. Oui, vraiment. Mais il faut juste que la bonté de cette marinade se transfère. En succès. En succès. Hey, pendant ce temps-là, ça bourre le ski, ça. Mais oui, les patates douces, on va checker ça. Frank, tu étais supposé piquer une patate, hein? Dude, je faisais le bacon faux. Faut bien que tu travailles un peu. Je suis coupé depuis tantôt. M'avez-vous vu être sur le ciseau? Ah, c'est vrai, il fallait que je pique les patates. Oui, ils sont pas vrais, ils sont pas vrais. Amène-moi un couteau. Amène-moi un couteau, on va leur montrer ce qui est le bas de ça. Alright! Ça va, on va mettre un autre tiède dans un bol. Oui. Là, il va se passer beaucoup d'affaires, là. Mais Saint, on est-tu prêt pour ça? On est-tu prêt pour ça? On va avancer, on tasse le compas. Là, tu sais que c'est du sérieux quand tu tasses le compas. On va se ramener une plaque. Oui. On va prendre la même plaque qu'on avait tantôt avec nos frites dessus. On peut réutiliser le papier parchemin? Why not? Okay. À moins que tu ailles comme de la vieille viande dégueulasse, mais là, c'était juste des... C'est végétarien ce qu'on fait. Tellement végé. Puis là, on y va-tu? Tu y allais-tu une fois à la fois, toi? Ben. Ou deux? Ben, tu pourrais mettre deux parce qu'il faut que tu les assembles après. Ouais.
cheese pour encore vrai. Ça va ramollir vite. Ça va ramollir vite? La feuille de riz, ça ramollit très vite. Mais on veut quand même que ce soit mou. Oui, mais elle va continuer de ramollir même quand tu vas l'avoir assemblée. Ah ouais? Tu vas remis sur ta plaque. OK. Non, mais j'avoue, si, je peux pas m'ostiner avec toi là-dessus. Mais quelle. Tu danses, c'est assez malasse, ça, d'après toi? Oui, elle va être tiède, plus tu rajoutes l'autre. Ah ouais? Tu peux les coller directement ensemble, les deux, regarde. Tiens, oui, on va le montrer comme il faut aux gens à la maison. Ben, vous les assemblez une par-dessus l'autre. Dans le fond, c'est comme un peu le principe quand vous faites vos feuilles de riz chez vous. Vous pouvez les doubler pour qu'ils soient un peu plus épaisses. Fait que là, ça va nous faire une tranche de bacon plus épaisse. Puis voilà, on les colle, on les met. On peut même les tremper, coller ensemble. Ben, j'avoue. Puis ça continue de ramollir. Fait que chez vous, quand vous faites des rouleaux de printemps, là, mettez-les pas. Pour ceux que c'est un membre, François, il est chat en ce moment. Est-ce qu'il est à l'arrière? Il est comme. Ah, je lui dis, yeah, je suis comme focus. Non, mais le chat a pris une tournure vraiment fucked up. Soit tu sens pas ça. Il y a des affaires qui se disent là que je suis pas certain. Eh boy, je suis brûlé. Attends, j'essaie de voir les. Tout va bien. Ouais, ça. Le regarde un petit peu plus bas en dessous des faces de poulet, là, il se passe de quoi? Là. Oh my god! Oh, ouais! C'est à cause de ta joke. C'est à joke de ciseaux? C'était-tu ta joke de ciseaux? J'ai fait autre qu'une joke de ciseaux! T'as fait une joke de ciseaux, j'ai quasiment fait une joke de lesbienne! Mais je connais assez sur les lesbiennes, les vraies lesbiennes ne font pas de ciseaux. Ça leur procure aucun plaisir. Oh, c'est vrai! Mais je pensais que t'étais allé déjà assez loin avec l'histoire de ton ami. Ah, oh, non, j'ai déjà oublié que j'ai compté cette histoire-là il y a 3 minutes. Ouais, oh non, là. Fais du bacon végé ici, man. Ben, on vous salue, les lesbiennes de Bécomo, pour nous parler sur Twitch. Bonjour. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? J'essaie d'avoir une carrière, moi, d'où Jésus. Jésus, ça a déjà été fait. Pas de joke de ciseaux de lesbienne, prochaine fois tu vas sur la Côte-Nord, ça va être correct. Oh là là. Ah, on vit une émotion en ce moment. C'est bien, en plus en faisant du bacon à partir de feuilles de riz, que là, j'ai fini de m'accouper. Ce que j'adore, c'est qu'ici, il a l'air d'avoir absolument rien. Ouais, c'est invisible, on voit rien, on dirait qu'on fait de la nourriture imaginaire. Alors, vous voulez du bacon végé? On est en train de faire du tartare de bœuf végétarien. Il est ici, il est coupé, alors il faut juste l'assembler. Oh, on est dans Peter Pan, imagine ta bouffe. Yes, hey, il y a Jean-Benoît Alain qui dit lâche pas Fancy Pan, sa carrière va décoller. Dans le sac de chips, c'est ça qui est écrit après. Tu peux pas être dans le sac de chips, Journal de Montréal. Ben non, c'est ça qui nous offre. C'est chaud, okay, Jean-Benoît. Très belle plaque là. On peut pas être dans le sac de chips. Tu peux pas être dans le sac de chips. GB. Peut-être faire partie du prochain baby boom d'Eco Vedette. Peut-être. Oui. Peut-être que je vais être en photo avec un autre homme musclé. Le serrant par la taille. Avec je peux vous dire que Hugo et moi non plus, on pratique pas du ciseau. Ça fait aucun effet sur nous, pour vrai. Ça serait tout en finesse. Oh my god. Hey, faut piquer patate. Dit-il avec un œil viril, c'ti. Oh mon dieu. Il y aura après tes patates, Bob. Qui vient le joindre dans notre cuisine? J'ai pas vu le nom comme il faut, c'est. Ocean vient de se joindre à nous, yeah! Hein, je suis quand même malgré toutes ces niaiseries là. Tu penses qu'ils sont prêts les pommes de terre? Toi? Ah ben, j'ai passé à travers avec le couteau. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Amène ça à un site là, on va checker ça sur la planche là, le degré de... dureté. Il y en a ici aussi. Ils sont molasses, ils ont... Regarde, c'est celle que j'ai piqué ça. Qui est dans ici. Appare un peu, regarde. Oh shit! Appare sa peau tout seul. Mais ils sont prêts, moi. Ok, c'est prêt, oui. On peut sortir ça. T'as-tu une passoire pour qu'on les coule? Oui, absolument, on va mettre ça là-dedans. Puis c'est important de pas... On veut les sortir un peu avant parce que tu peux pas réellement comme stopper la cuisson en les plongeant dans de l'eau froide. T'es pas supposé faire ça avec des pommes de terre, des patates. Non. Contrairement à... T'es laisse refroidir à l'air. Ouais. C'est pas mal. On peut abandonner ce petit. Content de citer cet après-midi, man! T'as rempli ça! Je vais continuer à cuisiner. Et comme moi, blasé, man! Ouais, malade! Je suis content d'apprendre. Fuck, hein, attends. Écoute. Excuse-moi, depuis tantôt, je lis le chat et ça, j'adore ça. Ils trouvent qu'on n'a pas confiance en toi, les gens. Ouais.
Comment la confiance envers Frank est magique? Ben, je te comprends. Je suis pas fiable. On a Marc-Claude de Rimouski, hein? Rimouski, juste au bord du pont. En face, la rive sud qu'on appelle nous autres par chez nous, c'est vrai? C'est vrai, vous avez ouais, on appelle le Rimouski Matane, la rive sud. Chris, tu peux juste te rendre en bateau, puis ça va comme. C'est vrai? C'est long se rendre. Deux heures et demie. C'est 2h30 de bateau? Ouais. Parce que tu vois pas de l'autre bord, là. Mais t'arrives à Matane après ça, faut que tu roules un peu. Il y a un bateau qui part de Forestville. Ouais. Un catamaran. Fonctionne pas tout le temps. Fonctionne jamais, comme on dit. Parce que quand il y a du vent. Forestville, d'ailleurs, on a Pascal Soucy qui vient de Forestville. On le salue aujourd'hui. Yes. Forestville, c'est quand même loin de Bécamo. Non. Chris, tu n'as une route. Une heure. C'est à côté, hein, si tu savais. Oh oui, oui. Quand on arrive à Forestville, nous sommes en chambre, on est comme on y est. Ça y est, on arrive. Toi, tu viens de Montréal ou. Je viens de Charlemagne. OK. La ville à Céline. Oui, absolument. C'est pour ça que je me connais ça. J'étais prête. Mais d'habitude, les gens le disent rapidement. J'étais là. Je sers à ça. Oui, mais non, mais c'est je coupe le faux bacon, puis j'ai des références culturelles. C'est ça qu'il faut, mon amour. Depuis que Céline a réussi, les trottoirs sont en or à Charlemagne. Et là, si tu savais, comme c'est pas ça qui se passe. Il y a encore un Nichols? Parce que je suis déjà allé au Nichols à Charlemagne et sa sœur chantait les meilleures tunes de sa sœur au Nichols comme le mardi soir. Non. Puis ça, je trouvais ça rough. Ben, le Nichols était à Repentigny, fait que déjà là, on était pas loin. OK. Mais non, il y a plus vraiment de Nichols à part certains. Dans certains centres d'achat, c'est vraiment moins. J'avoue, quand ils ont acheté le Schwartz, ça fait rien mal, tu sais, t'as le Schwartz puis le Nichols. Il y a la pizzeria Céline aussi. On a la pizzeria Céline avant qu'il y ait la pizzeria Madonna, mais là, ils l'ont flippé. C'était à Madonna puis ça a tombé comme pizza Céline. Puis on a le boulevard Céline Dion, mais on n'a plus rien d'autre. Fait que là, avis à ceux qui veulent se partir. Ah, mais la pizzeria Madonna est devenue la pizzeria Céline. Ouais. Ça, c'est quand même. Et marrant, c'est notre seule pizzeria de la ville. Yes! Ouais. C'est un petit village, j'adore ça. C'est magnifique. Oh, man, c'est bon! Alors, comme vous voyez, on est toujours en train de. Rien faire! C'est un poulet qu'on fait présentement, un poulet végétarien qui est juste ici. Eric est trop d'attendre aussi. Mathilde, qu'est-ce qu'on a? Je voudrais remercier Louis Doux qui nous drop 1500 bits, juste pour t'expliquer, 1500 bits. Oui, parce que là on a parlé de lesbiennes, on a parlé de ciseaux. Explique-nous c'est quoi des bits, Mathilde. 1500 bits. Équivalent à 15$ US. Hey! Ah, mon Dieu, merci beaucoup! Et qui nous demande si on va avoir droit éventuellement de voir la vidéo de ta prestation au bordel. Oh. Non, on verra pas souvent. Tu l'as-tu filmé? Ouais, je l'ai filmé. Hey. Mais avant de le mettre en ligne, je veux être bon. Ben oui, c'est ça. J'aimerais ça. Il va la pratique un peu. Oui, oui, exactement. Donc, avant de la mettre en ligne, il va être bon, donc vous la verrez jamais. Arrête, je vais donner le coup de compliqué à couper. Donne-moi les, vas-y. Arrête, là, c'est le bout où est-ce qu'on va voir quelque chose. Non, mais là, c'est le bout de taf parce qu'il faut mariner nos tranches de bacon invisibles. Ils sont où? Sont-tu là? On va aller de Bob Ross un peu. C'est même là. J'ai failli mettre mon chandail de Bob Ross. T'as-tu le bottom pop Bob Ross? Oui, oui. Yeah, c'est sûr. Mm-hmm. Il vaut pas cher, c'est le bottom. J'ai le chase au moins. C'est une édition limitée. Qu'est-ce qu'on a? On va faire un deal. Il y a Funky Cat qui demande, c'est une habituée d'il y a très longtemps des capsules de Bob le Chef. Elle se rappelle de Hero Mayo. Hein? Oui, oh mon Dieu, ça c'est quand même vieux. Oui, puis ça n'existe plus sur Internet. Fait qu'en échange, vu qu'on ne montrera pas ton vidéo au bordel, on va mettre Hero Mayo. Je vais mettre Hero Mayo sur Hero Mayo, c'est notre troisième clip, je pense, qu'on a fait de tous les temps. Puis à l'époque, j'étais plus créatif. Non, mais c'était burlesque. C'est dans le temps que tu fumais et tu me fais du scotch. Yes, exactement. Puis. Non, mais Hero Mayo, je voulais absolument faire. Je trouvais ça tellement intelligent. Tu sais, c'était mayo, c'est une sauce blanche que tu fouettes. Rappelle-toi le mot-clé dans cette phrase, c'était intelligent. Okay. Et donc, j'ai décidé de faire. J'ai remis chez Alexis. Je dis, hey man, filme ça, on fait de la mayo maison. Puis je me suis installé sur le coin de son lit avec un porn mag à côté de moi et un rouleau de papier cul. Puis il y a plein de références. Hero, de là le E-R-O. Ouais. Pas héros comme. Non, pas héros du samedi. Pas les héros du samedi, non. C'est que genre,
Je me crasse en faisant de maillot. Dis-le! Dis-le! Wow! Puis t'as filmé ça? Ouais! Non, c'est moi qui ai filmé! Mathilde a regardé mon écran comme là! Dans ce cas-là! Mathilde a checké un fond dans mon pop! Non, je travaillais cette fois-là, puis j'étais revenue dans la maison pendant que vous filmiez. J'étais là, pourquoi Alexis il emporte la chambre, puis que Bob est assis dans notre lit avec un bol dans les mains? Seigneur! Je m'en rappelle! Un bol, puis un magazine porn. Ah, ben Funky Cat, elle trouve ça cool, ça, on le retrouve. Fait que c'est génial, l'idée, on a hâte de voir! On va partager Héros Maillot. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on boit? Ah oui, on sent de Modelo là-dedans, là, et est rendu ça à table, la caisse ici. Pendant ce temps-là, nous autres, il faut qu'on badgeonne ça. Oui, il faut le badgeonner. Badgeonner l'inexistence. L'inexistence. On va faire apparaître notre... Puis on en met les deux bars, moi, je pense. Oui, ça se peut-tu? J'en mets assez, tu penses? Tu as déjà fait la recette? Ben, je l'ai fait, mais j'avais pas la bonne levure. Dans ce temps-là, c'était comme pas encore très, très connu, la levure nutritionnelle. Fait que t'as mis de la levure sur la chaîne. J'ai mis de la levure normale, puis le résultat était... un peu plus triste. Puis il faut dire pour les comme non mais c'est vrai, tu sais, c'est fascinant. Tu sais, nous autres, ce qu'on appelle la levure chimique. Ouais. Ben en France, c'est de la poudre à pâte. Hein, oui, exact. Il y a toutes sortes de termes pour ça. Mais la levure alimentaire, comme on utilise, ça se retrouve plus dans les magasins santé ou dans les rangées bio que vous avez dans les épiceries. Puis ben ça amène un petit goût, ça goûte un peu comme le fromage ou les noix. Fait que souvent les gens qui sont végétaliens vont se faire des sauces. Ils en mettent dans tout. Ben oui, mais moi aussi cette semaine j'ai eu une rage, tu sais. J'en ai mangé tout récemment. Est-ce que t'es game de badgeonner l'inexistant? Moi, badgeonner? J'adore ça. Veux-tu qu'on s'occupe des patates pendant ce temps? On va s'occuper des patates. Faut-tu gérer de bord? Faut juste gérer comme ça? Oui, un bord, t'as switch, l'autre bord. Ok, je vais enlever mes mains juste pour être sûr. J'apprécie. Marie, ça s'en va au fond. C'est-tu de même, ça marche quand ça va au four? Ah ouais. C'est comme... Fuck les mains! C'est assez imitable. Ok, donc on va se prendre des petites cuillères pour ça. Oui. Hein, des cuillères, là, pour le sucre dans le café. Et voilà. Merci. Yeah. Puis on la vide. On la vide, on essaie de ne pas abîmer la pleure. Évidemment. Hein? Moi, tu sais, c'est correct, là, si on laisse comme un petit rebord, là. Et voilà, on y va tranquillement. C'est sûr que j'en ai de même. Tu veux-tu faire le découpage? Hein? Quoi? C'est comme si c'était de la peinture sur le pinceau. Juste une petite couche là, finement, c'est ça? Oui, exactement. Vas-y, parle-nous en termes culinaires. Je badgeonne. C'est bon, ça. Je la vire de bord. Je pense que je vais voir leur fétiche de chambre à coucher, là. Non. Parle-moi en termes culinaires, François. Non, mais c'est sexu, ce podcast-là. Ben oui, avant su, c'était bien. On se serait préparé avec ça. Ben oui. J'aurais pas mis ces bobettes-là. Peu importe ce que ça veut dire. Oh, mon doux. Elle fait chaud, mes patates, hein? On l'échappe. Oui, oui, quand même. Ben, je t'ai badgeonné ça, mon chat. Tu peux avoir un petit bol d'eau frette on the side quand tu fais des affaires comme ça. Non, mais c'est pas si j'ai vu les confiseurs en France, les gars qui font les bonbons, ils font fondre du sucre, puis ils travaillent le sucre fondu à main nue. Comme ça, ça c'est malade. Ben, parce qu'ils l'étirent, hein, c'est ça, je oui, pense. Mais tu sais, avec un petit bol d'eau froide, ils font ça vraiment à main nue. C'est mais vraiment j'ai quand même les mains pas pires. En teflon, là. Ben ouais, parce que ça lave de l'eau, ça lave de la vaisselle quand je fais des sushis, puis du riz chaud aussi, faut pas que t'aies peur de te brûler. Ces feuilles de riz-là me font penser à moi. Pourquoi? C'est fragile. Là, ça va être le temps de cuisson. Oui. Combien de temps tu t'es fait cuire? Moi, j'ai mis le four à 350. Je l'ai mis un peu moins chaud. Ouais. Dans la recette, ça disait 375. Je trouvais ça un peu intense, moi, 375. Ben oui. Bon, ma dernière pleure a fait dur un peu. Mais non. Mais c'est correct. Faut pas la laisser pour compte, la pauvre, là. On n'arrête pas d'en parler. C'est faut embrace la différence. Là, on va écraser nos patates, mais pas trop. Comme ça que ça soit chunky un peu. Oui. Et la mienne aussi, cette dernière sera pour ta... Ça a bien été, hein. Ça a bien été. Ben, à ce temps-là... Ça ne t'regarde pas ce qui se passe. On a un petit bas bras à l'air. Ça se passe super bien. This is a happy little bacon. Drinking some happy little... Tu sais qu'à chaque fois qu'il disait le mot dare, il fallait que tu prennes une shot. C'est vrai? Ou un plomb au couteau, dépendant d'habiter où. Un bécamo, c'est un plomb au couteau. J'imagine que je fais celle-là aussi. Absolument, oui. C'est la même marinade? C'est la même marinade.
Et c'est le même bacon invisible. Marina Dorsini. Oh. Hey, c'est deux fois qu'on parle d'elle. Wow. Marina, si tu nous écoutes, sache qu'on... Ça se peut qu'elle nous écoute. En vrai, c'est vrai, j'aimerais tellement ça. Elle est quand même fan, Marina. Oh. Elle est venue, Marina, à l'épisode. Je l'adore. Et la voisine sur la rue ici nous en parle encore à ce jour. Ah, oh, ben non, mais on a une voisine. Elle est super clean, la madame d'à côté. Elle a un certain âge. Donc, elle passe une bonne partie de sa vie sur son balcon. Oui, carrément, elle oui. Elle dit déçu après-midi. C'est qui, ça? Je pense qu'ils se font livrer de la pizza au 41-26. on s'est sorti la bière à canne, nous autres? Ouais. Oui, c'est à toi. Je l'ai ouvert, mais j'ai pas bu dedans. Tu peux boire, là. On est rendu. Qu'est-ce qu'on s'est dit après-midi? On peut boire dans la même canne. Ça, c'est intime. Hein? Je pense, oui. Wow! Là, vous attendez après moi, c'est ça que ben je pense? Ben non, on te regarde. Non, en fait, il se passe rien. On regarde le chat comme toi, t'as ouais, c'est ça. Moi, j'ai un petit déficit d'attention. Il y a Marco Bernier qui dit que vous êtes vraiment drôle. Merci. François serait un très bon animateur de TV, c'est certain. Vrai, yes. Fait que si quelqu'un, un producteur avec un chèque, qui voudrait donner ce chèque à quelqu'un avec du talent. On pourrait le voir sur l'éco-vedette, Lucie, c'est génial. Absolument. Avec Bob. C'est qui sait que peut-être vous allez faire la chronique Baby Boom, vous deux, ou Mariage d'hiver entre François et Evelyne. Mais on veut pas se marier, nous. Mais non. Mais là, on est pas. Hey, on va partir à un débat, là, le monde puis le mariage. C'est correct. Ben non. On s'aime assez pour pas se marier. Avec tout ce qui s'est dit après-midi. Mais c'est le plus petit débat. Si vous faites bien le ciseau, pourquoi se marier? C'est exactement ce qu'on se dit à tous les jours. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, mais c'est beaucoup trop de blagues de ciseaux. Parce qu'on n'avait pas eu la chance de les utiliser alors dans la vraie vie. J'avais un cuisinier que ça le fascinait énormément. Puis, il est encore après. On parle là-dessus. Puis, non, mais il y a toutes sortes de monde qui travaille dans des restaurants, tu sais. Puis les cuisiniers, les saveurs, les gens de restaurants, on a une belle ouverture d'esprit habituellement. Oui. Mais mon cuisinier Félix, à toute fois qu'il y avait une femme gay qui commençait à travailler, il se mettait chaud puis il demandait si vraiment elle faisait le ciseau avec sa blonde. C'est sa fascination. Pour c'était vraiment sa fascination, là, oui. Il le fait plus depuis qu'il y a eu toute la vague des mois-ci. Là. Mais il s'en va. Laisse-nous draguer, s'il te plaît, Félix. Mais si tu connaissais Félix, il est inoffensif. C'est le genre de gars que ça passait très très bien. Oh, il voulait connaître le secret du ciseau. Oui. Evelyne, t'as un chum comique. Garde-le. Je sais bien, c'est le meilleur. Touche-moi pas. Il y a Stevie Ward qui nous dit qu'enfin il y a un dimanche de libre. J'espère que t'es content, Stevie, et oui, que t'aimes, t'aimes l'émission d'aujourd'hui. C'est qui le barbu? Mon c'est chum. François Mouliane. C'est. Puis on va en profiter, François. On te trouve où? Pour les gens qui... pour la seule personne dans le chat qui ne sait pas t'es qui. Ben, plusieurs personnes. Qui vit d'une grotte, de toute évidence. Hein, les... Je pense qu'on n'aura pas assez de marinade pour peinturer l'invisible. Oui, okay, on va l'avoir. Mais on te suit où, Frank? Sur Instagram, vous pouvez aller Frank, les médias sociaux. Fancy Pants. Frankie Fancy Pants, François Bouliane, vous allez me trouver probablement. Sur Facebook. La même chose sur Facebook aussi, François Bouliane. Je ne sais plus où je regarde. Je regarde au loin. La caméra n'est pas là. Tu peux faire la même, il est sur Facebook. Je suis en dessous ici. Allô? Je suis sur Facebook. Ta voix elle change, hein, d'habitude dans cette caméra-là. C'est vrai? Ouais. Ta voix est vraiment dormée en regardant. On te voit avec ta belle demoiselle. Mais oui. Justement. Fait que ça, c'est ton compte Instagram. Ouais. Ouais. Beaucoup de chats, beaucoup de blagues. Beaucoup de belles feuilles. Oui, et puis on suit aussi Bruce Wayne Bouliane. Bruce Wayne Bouliane. Le chat avec le meilleur compte Instagram. Oui. Tu sais, t'as fait la marinade. Moi, j'ai hâte de voir ce bacon-là. Hey, mais c'est sûr, ça va être bon. Moi, je dis, il y a combien de temps? Là, j'ai le wing, là, rendu ici. Moi, je dis à 3,50, ouais. 6 minutes au four max. Je sais pas. On va checker. Faut-tu le retourner de bord? Moi, je le tournerai pas de bord. C'était le dernier morceau-là, on me donne la vidéo. Il reflippe, comment ça? Es-tu correct? Ça va aller. Hey, tu l'as eu? T'as tiré à marinade. Fait que vous déménagez le 1er juillet, vous cherchez quelqu'un pour peindre votre salon et votre salle. Avec quelqu'un d'autre, m'en coller. Ben, essayons-le 6 minutes, puis on check comment ça se passe. Yeah, absolument. Parfait. On y va 6 minutes. Ouais. Cécile, es-tu encore dans le chat? J'ai pas vu son nom. Elle a quitté. Ah, elle a quitté. Ben, veux-tu que je mette mon chronomètre? Ah, je suis sûr que c'est qui va prendre la relève? Stevie.
Steve. Steve, Stevie War ou... Non, Steve Hull, si je ne me trompe pas, qu'on a rencontré au lac Mégantic. Oui, absolument, absolument, yes, bon ben... Ben, ça sent bon. Steve Gendron, si je ne me trompe pas. Yes. Allons-y. Funky Cat aussi a dit qu'elle va le faire. Ah, vous êtes fin. Tout le monde va le faire. Tout le monde timé. 6 minutes à partir de maintenant. Monsieur Coco, qui reste dans la veine de l'émission d'aujourd'hui, il dit que notre faux bacon, ça ressemble à des condoms. Oh. Yes. Bon. C'est la thématique du jour. Finalement, on parlait de patates douces, mais non, c'est pas ça. Des lesbiennes, la lutte et puis la bouffe végétale. Voilà, c'est tout santé, ça. Santé, guys. Bon dimanche. C'est tout ça, un dimanche. J'espère que vous ne regrettez pas votre choix. Hey! Je vais te prendre un verre d'eau. Ben oui, je peux-tu, s'il te plaît? Ben, merci. Je ouais. Pas de bière, mais je vais m'hydrater quand même. Ça, c'est important. Attends, on rit. Ça donne toi? On rit quand même pas mal. Oui, j'ai mal au genou pour vrai. J'ai bien du fun. Non, mais je suis content que vous soyez là, merci. Pour vrai. Ben, c'est gentil de l'invitation. Vraiment. Qu'on a demandé d'avoir. Oui, mais il y a beaucoup de monde qui le demande, puis souvent, j'oublie de leur répondre. Fait que, hein, dites-vous que vous êtes spécial. On est trop chanceux. Vous êtes spécial. Super spécial. Franchement. All right. On a une petite farce à patates ici. Oui. OK. Ma voix a comme muée pendant ce temps-là. On va ramener notre rond. Puis là, on va faire notre fromage. Notre, oui. Avant d'allumer le rond, il faut couper des patates. Je vais bien me trouver. Check ça, les belles pleurs de patates. Ça, c'est de la pleure, en effet. Ce joli petit bateau. Ah, c'est magnifique. Ces deux-là. On n'aurait pas pu espérer meilleure pleure que ça, je pense. Mais non. On a tout donné. Et si je pleure dans la pluie? Oh my God. Je suis désolé de ça, j'adore les jeux de mots. Oh my God! Hey, ça faisait longtemps que t'en avais pas fait un. Je l'ai fait un tantôt. Quand? À l'époque. Oh. Fromage de cajou, Funky Cat, oui, exactement, je pense que c'est ça qu'on veut. Oh, on va en mettre dedans. Oui, d'ailleurs, nos cajous, on dit ça. On a comme un bouche bouffe du cheese. Mais ça, j'aime bien fromage. On fait du fromage pendant qu'ils mangent du fromage. C'est comme super. C'est un double discours ici. On est là pour tout le monde, les végés et les non-végés. Oui, et le camembert devient dans ce cas-là le roi mage. Mmh. Oh. C'est fin, ça. C'était quand même... C'était pas pire. C'est beau. C'était pas pire. Hein? C'était-tu dans ton numéro? Non. Oh, que je m'en vais te voler ça, mon chum. On va faire tremper nos noix de cachou, OK? On les fait tremper à peu près 15 minutes. Dans l'eau tiède chaude, hein? Ça va plus vite que dans l'eau froide. Ça va pénétrer nos cachous. Puis ça, c'est pour les ramollir, c'est ça? Mm-hmm. Oui. Oui. Ouf! Voyons, je pose une question, oui, on me juge. Non, je juge pas. J'essaie de parler. Ah, mais là, il y a quelqu'un qui nous a dit. J'essaie de parler parce que là, je faisais comme tremper les noix. Ah, transfert, tremper les noix pour qu'ils ramollissent. On a Ramzulios qui dit tantôt, il va être chômage. Oh! Ça, c'est très bon, ça. Bravo! Ça roule ici, yes. Il est bon ton monde sur ton mais ton ils sont fins. Mais non, on dit souvent, on n'a pas la communauté Ricardo, mais pas aussi grosse, mais elle est beaucoup plus active. C'est vrai, ils sont non, fins. Non, ils sont malades pour vrai. D'ailleurs, tu sais, ça fait comme 15 ans qu'on fait du web. Puis tu sais, sur le web, c'est rare qu'on ait des mauvais commentaires, mais quand on a des mauvais commentaires, la communauté va vraiment à notre défense. Même, ouais. C'est bien ça. De toute façon, sur le web, il y a tout le temps des mauvais commentaires. Mais c'est ouais. Pas... Jamais, il y a tout le temps du monde pas content. Ça, c'est dommage. Funky Cat, elle se fait un grilled cheese au camembert en ce moment. My God, les jeux de mots, nous dit Shilal Blackborn. Yes. Il reste 4 minutes 45, sacrément, Funky Cat. On en demandait pas tant. On a un décompte. 10, 9. Puis Poutinos, il nous dit qu'il neige. Merci de nous garder au courant. Ah, il neige encore. De ce qui se passe dans la cour. En parlant de bière, une question pour Bob. Est-ce que tu as déjà goûté à la Tchouffe? Absolument, qui est une excellente bière. La Tchouffe, si je ne me trompe pas, est vraiment brassée à Joliette. Ah ouais? Si je crois. Hey, je vais le checker. Point, je ne sais pas. À tout fait, quelqu'un me dit qu'il y a une microbrasserie. Ouais. Je pense que c'était Joliette. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un coin de micro, ça, pareil. Oui, exactement. Mathilde, pendant que je cherche, c'est où la tchouf? Ben, c'est juste Funky Cat, elle voulait que je te le dise. Je suis allée chercher sur YouTube. J'aurais pas besoin de mettre la vidéo Héro Maillot. Elle y est déjà. Quoi? Oh. Je l'ai mis en ligne en 2011, apparemment, puis elle a déjà quelques milliers de views. Oh my God! Héro Maillot. Héro Maillot.
Elle n'a pas manqué en sortant d'ici. Il y a une belle poésie en arrière de tout ça. J'ai le dish out. On dirait que c'est une tourne d'RBO. C'était génial. Ok, c'est... Hop, ça a terminé. Là, j'ai comme accidentellement dit que j'avais pas 18 ans, fait que je peux pas accéder à leur site web. Tu vas être obligé de canceller ça. Tout le monde sait, c'est 18 ans, la gang. Il faut boire et être responsable. La vallée des fées. Attends une minute. Là, j'y arrive. J'y c'est bel oeil, Poutineau, c'est dit. Le village. Bon. La chose, c'est bel oeil. Hein? Poutineau, ça dit que c'est bel oeil. Ah, non, t'es de où, Poutineau? Désolé. Pardon, hey, faut pas, moi, je me mêle de ça. Le chat, on n'est pas habitué. Une visite de la brasserie d'Atchouf, c'est l'auberge des lutins. Oh, mais je sais, c'est où? Important, à bientôt, renseignement. Ah, Chris! Ben, tu veux, c'est pas à Joliette, c'est en Europe. Je crois que c'est belge. C'est juste à côté. Belge, mais non. C'est juste ça. Ouais, hein, c'est ça. Ah, c'est belge. Hein? Mais il doit peut-être Merci d'attendre. Merci d'attendre, dire qu'on on pas cherche pas le temps. Juste... Non, mais il y a une blonde d'Achouf qui est 55 secondes. Qui est faite au Québec. Ben, Joliette. Une blonde d'Achouf. Donc, yes. C'est vrai, mais la vraie, la Achouf originale, ça vient de là. Mais il doit l'avez-vous ici, maintenant? Pouvez-vous la consommer au Québec? Oui, on l'a, oui, absolument. Ouais. Pendant ce temps-là, Éric Lafont, un beau commentaire. Prends une bière avec François. On rit à mourir. Ça, c'est fin, ça, Éric. Ouais. Je comprends pas quand tu dis la tournure, François. Qu'est-ce que c'est la tournure de quoi? Peut-être la tournure de France. Ça se peut bien, mais ça fait deux fois qu'il dit ça, fait que je suis navré. En fait, ouais, la blonde d'Achouf était brassée par le cheval blanc, en fait. Fini. C'est fini, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas à Joliette, le cheval blanc, il est sur la rue Ontario, dans le centre-sud. Wow, shit, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, Gary. Sacrément, j'ai eu peur. Kat, c'est le timer. J'ai une chance que quelqu'un s'occupe de... Il y en a plein de monde qui nous l'ont dit, là, merci. Marie-Pierre aussi. Ah, encore un peu. Ben oui, c'est ça, je pensais. Parce que baisser ton four. Hein. Ouais, c'est ça. On y va, mais je dis un autre. 5 minutes. Ah, 10-12 jours facile. Ici, on le brûle. 10-12 jours à 8. Merci. Avant le combat royal ce soir. C'est quoi le gros combat à soir à WrestleMania? C'est. Le main event. Ben oui, on est bien déçus. C'est quoi? C'est Roman Reigns contre Brock Lesnar, justement. Ah, ouais. Ouais, puis probablement que Roman Reigns va gagner, puis il va. On va être déçus. C'est quoi le nom du Québécois qui casse tout là? Kevin Owens. Ouais. Et puis Sami Zayn. Est-ce qu'il lutte ce soir? Ouais. Ouais. Il est vraiment bon. Ouais, puis c'est un bon match en plus parce qu'il lutte. Il est bien épilé. Non, pas lui. Il est bedonnant avec une barbe, il nous ressemble. Okay. Au Québec. C'est un Québécois, clairement. Ben, peut-être plus à ton job. Oui, j'allais dire. Mais il est pas bedonnant à ton job. Il est lean, on l'a dit. Un petit peu ici, tu sais. Ah, quand même. Je peux sortir ça. Ton camembert. Plein de camembert. Puis ces noix-là, ça commence à mollir. Bon, ah oui, hey, c'est vrai, hein, on a d'autres recettes à faire. On a tellement de plaisir. On a tellement de fun. Sommes-nous une émission de cuisine ou pas? Okay. Si vous pouviez tous être là dans cette cuisine-là. Mais oui, mais ils sont tous avec nous. Si vous... Toutes là. On aurait moins de fun parce que c'est quand même petit, mais ça serait le fun quand même. Je vais laisser picher une patate. Oh non. Tu veux que je le fasse? Non. OK. Avec le vieil économe en plus. Il va bien. Tu veux-tu, c'est parce qu'il avait l'air de fasciner tantôt. Ah, il me fascine. Il a l'air d'un rasoir genre électrique, mais pas électrique, mais old school. Tu comprends-tu? La vois-tu, Max? La vois-tu? Oui, essaie de te raser avec ça, par exemple. Ouais, ouais. Et ça économise. Ça, c'est... Beaucoup de temps. Hein, c'était un jeu de mots, ça. Moi, je l'ai perçu, le jeu de mots. T'es gentil, mais c'est ça. Absolument. Des gags, des colonnes. Je peux-tu en prendre celle-là dans mon numéro? Tu y vas. Tu prends tout ce que tu veux, mon gars. Puis moi, j'ai coupé 3 carottes. Fait que 3 carottes pour une patate. Parfait. OK, ça, c'est pour notre fromage. On va faire genre de fromage orange. J'avoue que ça a vraiment pas l'air de fromage. Il va vraiment pas si bien que ça, je trouve, les colonnes. Tu veux-tu là? Ouais, tu veux-tu là? C'est ça, je suis en train de sculpter la patate. Tiens, mon cher. C'est ce qu'on fait, du sculpte. Yes, regarde-moi. Non, mais c'est parce que moi, j'y vois du sens contraire. Ouais, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, j'ai des gros cris de doigts. Avec son bloc de cuisine. Je vois des gros doigts. Moi, je trouve ça magnifique quand je vois des mères faire ça au couteau. Ouais, oui, mais Bob doit faire ça au couteau. Au restaurant, on faisait ça au couteau. Et moi, j'ai bien compris. Mais en échange, par exemple, le chef passe et il regarde tes pleurs. Hein. Il faut pas qu'il y ait trop de pertes. Il faut pas qu'il y ait de gaspillage. Non, c'est du gaspillage, je te le fais dire, hein, Chris. Oh my god. Ah ouais. Encore plus stressant. Carotte. Sel. Tu mets même le coton. Il y a quel coton? Ah non, c'est de même que t'appelles ça? Bon, je dis ça de même, mais t'appelles ça comme ça. Non, mais t'es chassé, j'avais tout enlevé, on les enlève pas.
J'ai mis un compost. On aurait mangé du coton, ça aurait été triste. Un bon fromage. Si tu moins, il sait rien faire, le chef. Je vous entends chuchoter. Marc-Claude Bernier qui dit que vous êtes une très belle découverte pour elle. Oh, merci, Marc. C'est bien fin, ça. Yeah. On est vraiment contents d'être là. J'ai vraiment fait une cicatrice dans la patate. Donc, je vais faire une face. Ben oui, fais une face, si tu veux. Une face de patate? Oui. Ça me prend un couteau. Un petit couteau. C'est-tu un autre de tes passions? Ah, moi, je culte la patate constamment. Hein. J'ai un Etsy, soit dit en passant. Vous allez voir, je vends toutes mes patates sur mon Etsy. Pour chaque figure pop que tu crées. Pour chaque figure pop. Tu l'avais créé en pomme d'Adam. Une belle collection. C'est sûr que je vais me blesser en faisant ça. Oui, tu te blesses tout le temps avec des choses comme ça. Tu te blesses tout le temps avec des choses comme si je faisais tout le temps. Ben oui. Une fois tu cutes des légumes, tout chez moi, c'est la même chose. Tous les coins de table chez nous, ils ont de la mousse parce que je me blesse tout le temps avec ces choses-là. J'ai peur. On dirait une petite citrouille. C'est ça que je vais faire. Oh. T'as vu clair dans mon jeu. Ben là, les yeux en brillant, on peut pas sauter. Mais là, il n'y a pas mille façons de faire une patate. Là. On est vraiment rendu, mon Dieu, Funky Cat, là, t'es... Hey. Elle essaie de voler à job à Cécile, top chrono, là. Parce que là, on 47 secondes, là, vraiment. Fini, là. Qu'elle nous dit après notre 5 minutes, ça commence à devenir plus brun. Là, ça commence à devenir plus brun. Un dernier, deux minutes. Peux-tu tenter le... Je ne tente même pas. Je vais au flair. J'ai le flair pour le bacon invisible. Ça, c'est un vrai. Là, vous allez voir, il va avoir apparu, c'est de la magie. Oui. C'est de la Jésus magie. Va apparaître dans cette plaque que tu peux faire chemin. Je vais-tu réussir à y laisser une dent, tu penses? Des fois, c'est dur. Hein? C'est, en fait, je pense que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui sculpte. On a du sculptage de légumes en direct. Mais là, pour que ça devienne une habitude. Si vous venez de joindre à nous, on est le seul channel Twitch qui fait du sculptage de légumes. Ça n'arrête jamais, c'est 24 heures par jour. Ah ouais, ouais. 7 sur 7. On alterne. C'est tout à moi l'animateur. S'il y a des gens qui veulent nous hoster, vous êtes les bienvenus. C'est une pas pire patate sculptée, ça, mon chum. Éric Lafond, encore la tournure. Quelle tournure? La tournure du papier. C'est peut-être une expression qu'on connaît pas. Ah, la tournure du papier de riz. Non, mais parce qu'il n'arrête pas de nous dire la tournure. Oui, mais tantôt, quand il a twisté son papier de riz, je pense que c'est de ça qu'il parle. Peut-être. Je sais pas. Ça m'a marqué plus qu'un. C'est bacon invisible. Yes! Mais vu que c'est pas de la viande, ça peut pas être vrai. Funky Cat qui nous dit qu'elle a trop peur de brûler le bacon. Écoute, Funky Cat, si le bacon brûle dans le four, c'est vraiment pas de ta faute, ok? On est trois ici, là, ok? Comme il y a... Hey, j'ai réussi, guys! Elle était cœur, hein, ma patate sculptée. Oh, mais là, là! Tu peux-tu la mettre sous la caméra? L'autre côté, on a dit on a une patate, mais ça, je veux mettre pas. Je veux plus prendre ta patate. On va mettre pas de patate. On dirait un petit comme chose. C'est à tout. On va la mettre dans un petit space. Un bébé avec une dent. Seigneur. C'est à tout prix, éplucher cette patate-là. Mais moi, ça va pas faire une autre. Mais là, moi, l'éplucher. On met pas d'autre patate, si tu veux. Ben non, tiens, prends-la. C'est pas grave. On prend un bébé. Elle est immortalisée dans le... On lui coupe la tête. On enlève le poil que tu... Il y a un poil? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait des sourcils d'être allé en l'ordre? C'est-tu moi? Sérieux? C'est vraiment pas la meilleure idée c'est d'avoir... C'est beau, il est bien beau, mais il passe en pas la meilleure idée d'avoir mis un chandail en velours pour faire de la cuisine. Ok, on avait dit deux minutes, là, il y a quelqu'un qui nous a... Ah oui, ça se time-tu, là, cette affaire-là, là? On va checker le Funky Cat, si tu me fais douter de la cuisson. Il est beau! Hé, hey, oui, ça, ouais, c'est beau, ça! Ah ouais, oui, on s'en sort du four! Ouais! Ouais. Ok, j'ai mis à moins de pommes de terre que je voulais. J'ai mis à peu près une petite pomme de terre, puis gars, j'ai réussi à conserver. T'as conservé, on dirait un tiki. Attends, une patate tiki. C'est loin d'être fini, parce que là, j'essaie de faire un coffre pour l'immortaliser. C'est vrai? Oh! Ouais, tu vas faire ça. Check ça. Dans l'eau. Dans l'eau, mais elle va pousser. Non, on va juste changer l'eau en 2-3 jours. Qui va gérer ça? Tu vas lâcher ça. Tu vas laisser ça chez Alexis. Alexis, on va rien de moi. C'est moins pire que la fois qu'on a accroché des citrouilles. OK. OK. La patate est cool. La patate est cool, certain. Hey, man, imagine. Attention, regardez-moi ça, ce beau bacon-là. Quand même. Je peux-tu goûter un très petit morceau? Oui. Finalement, il est pas invisible, hein, le bacon, face au bouillon, on le voit, là! Ouais, mais c'est dégueulasse, non, pas vrai. Et voilà, la patate est immortalisée. Oh. Et je te jure, tu pourrais écouter le live en deux semaines. Préfère-tu celle-là, Alexis? On dirait que ça sent mieux. Ah, elle devrait être même pourrie. Oh, c'est chaud. Je suis bien niaiseuse, je vais aller prendre la main. Ça le fait quand même. T'es-tu correct? T'es-tu en train de brûler?
Non, parce qu'il est presque fini. Je suis en train de saisir l'autre. C'est presque fini. Merci. All right. C'est magnifique. Alors, on a un autre type de bacon végétarien pour mettre sur le web. C'est magnifique. C'est bon, par exemple. Mais pour vrai, la texture, ça ressemble quand les gens trippent sur le bacon croustillant, là, ouais. C'est ça. Mais tu fais pas comme, surtout oh shit, cette tranche-là ici, la gang, c'est magnifique. Si on se ferme les yeux, on va le mettre en arrière, parce que c'est pas fini, hein. On est quasiment fini. Juste là. Non, mais j'ai du fun. Pourquoi tu dis ça? T'as dit que tu penses que j'ai hâte de m'en aller. J'adore ça, j'ai sculpté une patate. T'avais mis du paprika dedans. J'ai fait connaissance avec des personnes de bacon. Parce que là, quelqu'un nous a dit. C'est pas vraiment la couleur. Y aurait-il moyen de donner la couleur du bacon? Je pense que si vous mettiez une touche de paprika, fumé. Ouais, fumé, ça mettrait un petit peu de rouge. Essayez-le à la maison. On aurait dû le faire. J'ai pas pensé. Je l'ai vu en plus là. C'est pas mauvais ça. Mais t'en as mis du paprika, ça t'as oublié. Hein? J'ai pas mis de paprika. Ben il est là. J'ai mis la... Oui, c'est pour ma prochaine recette. Tu fais une autre recette? Ouais, ben. pour le fromage. Je t'ai mangé un bout de bacon invisible. Ah non, tu l'as taponné avec tes mains. C'est fou. J'ai enlevé ton poids de sa tâche. C'est vrai? Mais je t'ai fait mal avec un jus. Ben là, moi, je vais le prendre. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Mmh. Wow, malade ça. En cuisine, on n'a aucun dédain. Non, je sais. C'est même dégueulasse, je te dis. ça va loin. Tu vois, ça me rassure pas. Ah, Funky Cat, elle nous dit d'utiliser de la poudre de betterave. Oh, mon Dieu! Pour la couleur, Seigneur, je ne sais même pas où on trouve ça. Moi non plus. Yannick Grenet dit c'est un chef-d'œuvre. Hein? François, tu mesures combien? Est-ce-t-il me semble que je suis pas habitué de voir quelqu'un de plus grand que Bob? D'où Jésus? D'où Jésus? Ah! C'est moi qui dis d'où Jésus. Merci pour le petit shout-out. Je fais 6 pieds 4. Tu fais-tu 6-3 et des miettes. 6-3 et des miettes, ouais. C'est ça. Et toi? Ils sont si grands. 5 et 7 et demi, je pense. On en trouve ça au Exofruit, qu'elle dit. Ou chez Avril. Ou chez Avril. Génial. Ah, bon. Funky Merci. Cat, assez des shit, oui, ça n'a pas de bon sens. Ouais, même chez Rachel Berry, tabarouette. Yeah, Funky Cat pour elle. Le joueur de Joe. L'employé. Ouais, MVP. Ouais, aujourd'hui, absolument pas le choix, il faut le dire. Génial. Yes. C'est toi qui gagne la patate sculptée. Je t'ai pas dit le héros obscur. Tu sais, Walker, il y avait tout le temps le héros obscur. Le héros obscur. Tu sais pas là-dessus. C'était vraiment, tu sais, c'était comme Chris Nyland. C'était comme le gars qui avait plongé devant une rondelle. Un héros obscur. C'était lui le héros obscur. Ouais. Ouais. T'avais la première étoile, puis t'avais le héros obscur. J'étais été pro héros obscur. J'étais un gars de underdog, pour vrai. Non, mais c'est vrai. Pro héros obscur. Je vais aller tousser par là. Ah, tu peux tousser si tu veux, hein, pour vrai. Je veux pas tousser dans le bacon. Tousse-moi dessus, ouais, on va tout être malade après. Non, je suis en fin de rhume. Ouais. Hey, André Petit qui est avec nous autres. Moi, dans la recette, j'aurais remplacé le papier de riz par du lard. Ah, mais là, André, c'est sûr. Quand même, André. Mais quand on veut faire la version sans viande, c'est un peu dur. Oui, effectivement. Bon, OK, fait que tu manges pas de bacon. Toi, tu manges du bacon. Mm-hmm. Ça route, là, tu manges du bacon. Des fois, en cuisine, route, à la maison, de la viande. Ouais. Mais pas du bacon à la maison. Non, c'est rare. Au resto. C'est là que tu mets la... J'en mange au resto déjeuner, par contre. Ouais. Ben, c'est... Ouais. Quand je vais au Miami. Tu vas-tu au Miami? Ben oui. Moi aussi. La baguette. Ben, OK. On va faire une parenthèse, OK? Parce que moi, je suis dans le centre-sud. Vous autres, vous êtes dans Hochelaga. Ouais. Ouais. Faut que vous essayiez le restaurant Bercy. Dans le centre d'achat Frontenac. Ah ouais? Au Frontenac. Ouais. Il y a un restaurant. Tu connais le centre d'achat? Non. Il y a un restaurant qui s'appelle le restaurant Bercy. Man, tu vas rentrer là. C'est comme rentrer en 1982. Littéralement, même là, quand on regarde dans le parking, il y a encore des Ford Escort pis des vieux chars d'époque. Mais je connais ce centre d'achat-là. En fait, la seule raison pourquoi j'ai déjà habité à côté de là, pis la dernière fois que j'en ai entendu parler, il s'était fait braquer par quelqu'un. Meilleur resto à déjeuner. Ah ouais? J'ai pas de line-up, pas de fla-fla, c'est pas de place. Tu peux manger là-bas, moi. Tu peux manger là-bas, mais le déjeuner du constructeur. 3 œufs, pommes de terre, fèves au lard, crotons, saucisses, bacon, jambon et smoked meat. 5 types de viande dans ton. Il faut chez Miami aussi smoked meat. Ah ouais. Tu peux le demander, ouais. Mais je dis essayez le Bercy. C'est il y a un miroir au plafond puis tout. Le déjeuner déjeuner Moïse comme j'appelle. Ouais. Bring me two of each animals. Oui.
Dire en français aussi pour ceux qui ont même. Amenez-moi deux de tous les animaux. Puis le merci aussi, il y a du stationnement. Je ne sais pas si vous conduisez ou si vous êtes. Ah, ben on reste à l'assiette au métro. On va prendre le métro de à côté. De ouais, puis une marche après avoir mangé un ouais. déjeuner avec ouais, ouais. deux animaux. Mais oui, sérieux, une 12, pas deux. Non, fait que, en tout cas, mais je veux que vous l'essayiez. Puis je veux un rapport écrit aussi. On 500 mots. On va t'envoyer. Promis, ton prochain Twitch, on va venir écrire qu'on est allé l'essayer. On va se connecter. Ça d'ailleurs, vous avez un privilège en venant à l'émission. C'est vrai. Vous savez qu'on tourne un dimanche après-midi. On part avec un meuble qu'on veut dans la place. Vous arrivez à Yanko et partez avec tout ce que vous voulez il y a deux semaines. C'est vrai. Elle prenait des affaires et elle les mettait dans sa sacoche. Ah. C'était dur à suivre. Mon Dieu, Funky Cat qui continue sacrément. Elle veut vraiment garder le titre de MVP. Mais à date, tu l'as. Vas-y, que le chalet barbecue. Puis si on veut du rétro, faut aller. J'ai gâté. Au Deli Snowden. Deli Snowden, je connais pas. Blanche Neige aussi. Je vais jamais dans ce coin-là. C'est loin, moi non plus. Puis pas parce que. Ah, j'y vais seulement pour aller magasiner justement des Funko Pop parce qu'il y a un magasin magnifique là-bas. Le boulevard des jouets. Le boulevard des jouets, ça s'appelle. C'est magnifique. Très belle place. Mais je vais jamais déjeuner là parce que. Faut que ça soit dans une distance vraiment raisonnable de chez nous parce que le matin, je suis généralement en tabarnak avant que j'aille manger. Pour que... vrai? Ouais, ben, le café. Ouais, ça prend le café, ouais. Ok. Je suis pas patient ben le matin, moi. Non, mais je peux pas boire le café. Non? Je suis pas actif. C'est vrai? Puis je l'échappe, là. Je peux même parler. Même à l'émission ici, c'est une interdiction. Il y a du café décaf pour moi ici. Ah. Puis ils me font même à croire qu'ils me font du vrai café. Puis après, ils disent... ça te craint vraiment beaucoup. Mais ils savent pas que je fais de la coke des toilettes aux 10 minutes. Il y a ça. C'est pas vrai. Depuis tantôt, ça coupe vraiment rapidement. C'est ça. Il faut juste quitter le plan. Puis... Alright! Bob explique davantage d'avoir fait le live. Je suis pas certain que je comprends davantage d'avoir fait le live. J'en reviens pas des Funky Pop, nous dit Will Smith. Will Smith qui est en Will Smith, Smith, c'est le meilleur nom, t'as raison. Vrai, oui. Mais ça, c'était clair. moi, non, c'est... Ok, bon, alright. On relie les mêmes choses. Ok, il faut finir notre fromage. On a nos carottes, nos patates, sont avec... on est quasiment rendu à assembler. Nos patates. Là, c'est du queso, fait qu'il va être. C'est du queso. Yeah, exactement. Oui, comme du fromage jaune. Comme un dip, là. Tu sais qu'il manque là-dedans, là. On va préparer notre bol, ok? Je vais aller moucher, moi, gars. Ben, bouche-toi. Je vais moucher. Tu vas moucher en onde, hein? On l'assume, là. Ah, mais ben, loin, là. On a du vrai monde d'ici, là. Parce que tout le monde sait qu'on est adorable quand on se mouche. Ben, quand même. Moi, je me trouve cute quand je me mouche. Je sais pas pour vous autres. Tu te regardes, tu vas moucher. Je me mouche tout le temps dans le dos. Fait que nos cachous. On a nos cachous. Ouais. À part de nos cachous, qu'est-ce qu'on veut mettre là-dedans? on veut mettre du paprika fumé, nos cachous. Il manque juste nos carottes, pas mal de notre patate, puis de la poudre d'ail. Puis du paprika en masse qu'on va mettre là-dedans. Il n'y a pas de levure chimique dans cette recette-là. De levure nutritionnelle? Non, un levure pas chimique. Nutritionnelle? Oui, nutritionnelle. Je sais pas, je pense pas. Ok, non, il n'y en a pas. On pourrait en mettre, par exemple. Oui, ça pourrait être bon. C'est pour quoi le paco? Pour notre mélange à patate douce. Je vais juste pas l'oublier. Non, on l'oubliera pas. T'es en train de me laver les mains, tout le monde? Le papier des toilettes pour que vous le voyez. T'as, mets-moi un petit 10 ml de chacun de ça là-dedans. Parfait. Puis moi, j'ai décidé, hein? On en parlait tantôt, on veut adapter la recette, que ce soit bel et bien nous autres. On va mettre 15 ml de levure alimentaire dans notre les millilitres, là, c'est fromage. Là, moi, je tousse, c'est... je rote, je fais tout. C'est parfait. Ça va bien aujourd'hui. Une production québécoise. Ils ont été très bien lavés. Comment ça marche, les millilitres, ces petites cuillères-là? La plus grosse, c'est quoi, 25? 15. Ouais, la cuillère à soupe ou la cuillère à table, dépendant de... Puis l'autre à côté, c'est 5. Oh, étonnamment, ben, ça, c'est 3 fois ça. C'est quand même fou, hein? Ben, ouais, on dirait pas. On fait des maths, vite, on en parlait tout à l'heure, mais... Fait que, moi, je dirais 5 de ça, 10 de ça. C'est parce que fumé, on en met. Ben oui, on en fumé. Met. Ah, oh, ben, il y en avait une cachée dedans. Oui, une petite cuillère cachée dedans. C'est vrai? Et la poudre d'ail. Bien, ouais, poudre d'ail. On va en mettre 10 aussi. Why not? Hein? Tant qu'il y en a. La levure nutritionnelle, combien qu'on en met? Qu'est-ce qu'on en met? C'est moi qui est capable. Oui, à vous qu'il y a un bar qui n'est pas facile. Okay. Il est réticent. Ça ressemble à de la bouffe à poisson, finalement. Il ne faut pas dire ça, mais oui.
Non, j'ai toutes les vegans, bon, ben là, franchement. Ça, c'est-tu la fameuse levure nutritionnelle que tu mets sur ton popcorn? Oui, c'est ça, j'ai oui. Tout oui. Mangé ah, cette c'est semaine. Tellement bon, ça, c'est du popcorn j'ai en plus. J'ai une recette ouais, de mon popcorn à levure, allez voir. Mais oui, Mathilde. Oui, Mathilde. Ben, je voulais juste expliquer, non, j'acquiesçais, je sais comme oui, moi, j'aime vraiment ça, la levure alimentaire. Mais Power Juice, tantôt, sa question pas claire. Oui. Après multiples oui. échanges, on a compris que tu n'avais pas fini d'expliquer à nos invités du jour. C'est quoi l'avantage de venir au ah, ah, oui, on n'a pas Dieu. De meubles, là. C'est oui, bien, mais c'était pas de meubles. Non, c'est les dimanches. Quand, on a, quand vous avez fini de déjeuner au restaurant Bercy ou n'importe quel autre sous-restaurant dans lequel vous allez peut-être aller, si vous voyez que vous en êtes en ligne, vous venez. Vous ah ouais? C'est quoi, vous cognez à la porte, il y a un invité que vous aimez, quelqu'un que vous connaissez. Tu sais, il y a. Vous faire des surprises. Yeah, carrément, j'adore à tout ça. Moment. Oui, il y en a wow. qui le font en plus. Hey, c'est vraiment d'après. Gentil, mais je reviens plus jamais ici. C'est définitif, Jésus. Oh là là. Ça achève. Il reste 25 ah, minutes. Ah, mais non, c'est mais non, on va revenir, ben oui, c'est malade. Nous, le dimanche, notre journée préférée. Mais pourquoi tu ris? J'aime ça pour vrai. C'est notre journée de congé, fait que ça se peut. Je suis jamais sérieux, c'est ça. Je fais trop de blagues, puis là, je crois pas. T'es un très bon pain sans rire. Je suis un pain sans rire, mais j'adore ça. J'ai vraiment du fun. J'ai crissement rien fait de tout le monde. Mais non, tu as épluché les patates, tu as sculpté une patate. C'est surtout ça qui me fait sentir mal, tu sais. Puis en plus, moi, tantôt, j'ai vu comment t'étais fort. Avec les oignons, t'es-tu capable de nous faire un oignon rouge? Hein? Ah. Si je suis capable. Un petit dé. Un petit dé. Hey, ça c'est bon, ça t'es capable. Parfait, ça me prendrait un couteau par contre, mon chum. Je te laisse avec tes dents. Là, il faut toujours que tu gardes le bout là. Non, c'est oui, ça? C'est ça. Les petites... Là, tu coupes ça ici? Ouais. Donc là, ceux qui savent pas ça à la maison, là, ça c'est un oignon. Un oignon de quel type, François? C'est un oignon rouge. Voilà. On va préparer une petite face pour une petite patate. J'ai hâte de voir le queso. C'est le queso qui va vraiment faire. Moi aussi, j'ai hâte. On aime ça ou on n'aime pas cette recette. C'est excitant. Hey, pour vrai, je n'ai jamais entendu de petits bateaux de pommes de terre avec autant d'âge. Je suis sur le bout de ma chaise. Mais ta chaise que tu n'as pas pu avoir, je te rappelle. Mais non, on ne peut pas ramener une chaise. On peut revenir quand on veut, mais on peut pas partir avec des meubles. C'est chaud derrière ça. On va prendre un peu de notre bacon. Mais okay. Non, mais ce serait parti. On va juste couper. Grossièrement. Grossièrement. Ouais. Grossièrement, ça veut pas dire ouais. De façon grossière. Non. Ben oui, en fait, mais pas. On l'a déjà fait, notre côté grossier, fait que c'est bon. Et Chris, ça va être dur à battre. Excuse-moi, oignon, tu veux-tu t'éplucher ou ben. À tes souhaits, hein. Ah, c'est le chien. Je mélange ça directement avec mes patates. Hey, mais c'est ça, c'est bon. Là, j'aurais dû prendre un plus gros bol. On va faire ça. Veux-tu qu'on switche ça? Ouais, on switche ça. Il y a quelqu'un qui demande, Madame 29, elle demande c'est quoi la différence entre l'oignon rouge et l'oignon blanc. Oh! Le côté sucré de l'oignon rouge, moi, je dirais, mais... Ben, tu sais, il y a comme une loi non écrite qui dit que tout oignon cru qui se retrouve pas dans un hot dog devrait être rouge. Ah! Ouais, et l'oignon blanc... À part d'être cru dans un hot dog, il devrait toujours être cuit. Ah, mais des fois, il est là, des salades dans le grand-mère, l'oignon dégueulasse, blanc. L'oignon blanc cru. Moi aussi. Tu mets pas l'oignon dans tes hot dogs? Ben... Cru? Ouais. No. Moi, je suis moutarde de... C'est trop dur à gérer. Chou. C'est dur à gérer, ouais. Ouais. Je suis une vieille personne, moi. Tu veux-tu de l'aide? Excuse-moi. Oh, on a demandé à François de couper. Qu'est-ce qui se passe, Alexis? Mais... Ben, on a des subs, hein? Il y a quoi qui se passe qui vient de resub pour un 3e mois consécutif. Funky Cat aussi, je viens de voir ça. Hey! Justement, j'ai fait. Attends, je t'apporte le compost. Apporte-moi le compost. Funky Cat, c'est une équipe. On va sacrer. Quoi, Mathilde? Pardon, excuse-nous, Mathilde. Ça prend une face! Ça prend une face! Yes! T'en restes-tu? Oui, absolument. Elle met plein de faces de Bob en plus. C'est... Mon Dieu, j'ai vu, moi, ces émojis-là. Ben, Alexis et Mathilde, ils ont un jeu sexuel avec ces stickers-là. Quoi? Ils en mettent un sur le dossier du lit à chaque fois. Non, non, non. Là, je peux voir que hier, ça a fait effort. Parce que semble-t-il qu'il n'y a plus de face Bob le chef dans le contenant en ce moment. Je vais être obligé d'aller dans la chambre à coucher, chercher ça. Pour vrai, il n'y a plus de face. Qu'est-ce que vous avez fait avec ma face, guys? Ben non, il en reste. Ben oui, ben oui. Il en reste pas gros, mais il en reste. Ben non, parce que Rosalie est partie avec une des... Ah, Rosalie! Rosalie! Rosalie, si t'es là, là,
Pas de classe, pas de classe, pas de tout. Parti avec la face à Bob. Ah, Chris, toi, tu t'es sorti de ta job. Pas du tout, c'est de la sous-traitance. J'aime ça comment tu fais ça. Bravo pour ton oignon. Hein. Ça, c'est un bon, bon employeur. Un petit peu de sel là-dedans? Jusqu'à date, j'aurais fait ça pareil. Ouais, hein? Merci. Tu peux te porter du vin. C'est vraiment juste. Fait qu'on a mis un petit peu la moitié de notre bacon. On a mis un petit peu de sel, du poivre. Evelyne est en train de nous couper un petit oignon rouge en dés. On va le mettre au complet. Sac-moi tout ça. C'est-tu trop? Tu vas pouvoir être géré. Oui, oui, mais ils seront pas cuits. Ils vont être cuits? Ils vont être chauffés au four. Chauffés au four? Ouais. Ça me va. Je dirais pas que tu rates tout le long de WrestleMania. Mais c'est correct. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. WrestleMania. Pas pire, jeu de mots, quand même. Pas pire, quand même bien, oui. Ah, hey, c'est le fly de même, là. C'était du ad-lib, ça, là. Hey, c'est là qu'on voit ta longue carrière d'improvisation à Bécomo. Dans le secteur Mingan. Marquette. Ah, il était meilleur à Mingan. C'est bon si je te fermais le rond. Ah oui, ferme-moi le rond. On se brûlera pas. On a fini avec le rond. C'est vrai? Il reste plus de cuisson. Il reste plus de cuisson. Les carottes, par contre. Ben, ça t'entend pas de cuire. Ça, ça cuit. Ah, c'est assez long. Veux-tu tester si ils sont cuits? Faut-tu que j'ai pique? Vas-y! On va les piquer. Pique-les, on les veut tendre! On les veut vraiment tendre! Ben oui, parce qu'on va faire un petit fromage. C'est pas prêt ça. Là, notre petit mélange ici. Peut-être que Frank peut nous faire ça. Hein. On va vouloir remplir nos petits bateaux comme ça. Bien on veut que ça soit imprécis en plus. Il y a eu ça à la cuisine. Non, mais je t'occupe avec les carottes. T'as eu ça à la cuisine, j'aurais adoré. C'est toi qui m'as écrit pour venir à l'émission. Je voulais juste amener ma blonde quelque part. Tentez pas de rester à la maison. Une petite sortie pas chère. Je savais qu'on pouvait boire de la bière puis voler des meubles. Fait que je En tout cas, qu'on avait dit. Et encore une fois, on sous-traite la job à Evelyne. C'est correct, c'est ça ma vie. Pas à la maison, dans le sens qu'elle fait de la cuisine. Oui, hein. Oui, effectivement. Non, effectivement. Lui a fait de la balayeuse hier. Qu'est-ce qui se passe avec nos carottes? Ah, ça s'en vient. Comme ça on dit, l'expression, les carottes sont cuites. Pas cuites. Ah, sont pas cuites, tout à fait. Yes. En cuisine, les carottes sont cuites. D'ailleurs, ça veut dire, le plongeur, quand il dit ça, ça veut dire que le joint est roulé. Ah. C'est comme... Non, c'est universel. J'adore ça. Dans toutes les cuisines, tu sais, si jamais t'es comme une salle à dîner, pis t'as pas encore ta temps après ta bouffe, t'entends comme le plongeur sortir pis dire « Hey, en passant, les carottes sont cuites, lève-toi et crisse ton cœur. » C'est un conseil, je te dis. Tout le monde va être batté dans 5 minutes, t'sais. Le serveur va te dire qu'il y a le rhume des foins ou quelque chose. À moi, je fais vraiment confiance à un cuisinier qui a fumé un joint un peu. Il me semble que t'es très, très... on point sur les saveurs quand t'as dit, hey, man, ça là, ça va goûter mon gars, wow, j'ai mis du sel, wow! Funky Cat a dit que vous voulez partir avec le divan, c'était ça votre meuble. Ben, le divan, on n'est même pas allé le checker encore, mais peut-être. Il est beau le divan, il est beau, j'ai dormi dedans une couple de fois, en plus, je vous dis. En plus de vouloir partir avec des meubles, on choisit. Pas prête encore, Bob. On va voir. Marie-Claude Bernier, François, a dit qu'elle aussi en cuisine à délègue, pareil comme toi. Ben, elle fait belle. Tu serais un bon chef. C'est ça, oui. Le chef, c'est de. Il faut quand même qu'il y ait les skills. Là. C'est pas évident, un chef, parce que c'est supposé être ça. Tu cuisines plus techniquement. Ouais, ça doit chef. Être plate. Hein? Ouais. Dans l'élaboration de trucs. Là. Tu cries beaucoup. Ouais. T'organises des vacances. Puis les absences de tes employés. Ouais. Ça s'en vient, carotte, là. Ouais, pense. On est presque là. OK. Marc-Claude Bernier qui nous dit François, je suis comme toi, j'aime bien déléguer le travail aux autres, surtout en cuisine. Hein? Mais ce que Frank sait pas, c'est que c'est lui qui fait la vaisselle à la fin de l'émission. Ah. C'est vrai? Ouais. Il y a la vaisselle. C'est pas super, hein? Mais on va te remplir ça comme pas ça.
Hey, Cheval Musclé qui vient de se joindre à nous. Cheval Musclé, un véritable habitué de l'émission, qui vient de se joindre à nous. Hein. Bienvenue à Cheval Musclé. Il arrive juste au bon moment. Cheval Musclé t'a marqué une super belle poutine végétarienne. Puis en plus, je viens de remplir les patates. Là. Oui. Ouais. Il nous reste 15 minutes, Cheval. Mais... on va sacrer ça dans le four, là, cette affaire-là, à 425 degrés. 425. Pendant 10 minutes, Funky Cat, on va cuire nos pleurs. Attends, ressemble-moi ça. Viens t'inciter. Je l'ai pas mis encore. Tu l'as pas mis encore. De sauver, man. Ça, je suis là. Ça, c'est fou. On va mettre un peu de chapeleur sur chacune de nos patates. Tantôt, okay. Tu nous en parlais. Le voici, ton panko. Charlie Chapeleur. T'aimes le panko? Oh my God. Ça sent bien lourd. Je te laisse celle-là. Je te laisse celle-là. Tranquillement, pas vite, ça perd de qualité, tout ça. Ça achève, la gang. Ça achève. Tout le monde a eu ça, notre affaire. C'est prêt! Ça vient de sonner. C'est, le faux est pris. Il est prêt. Puis on va juste mettre un petit peu d'huile là-dessus, OK? Juste pour que ça dorure un petit peu. Parfait. Ça a l'air bon, c'est juste un parfait. Avec plaisir, je vais te mettre ça. Hey, merci beaucoup. Et quel là, bord de la main? Y a-tu un bord optimal pour une... Au milieu. De même? Ouais. Et ça, c'est... Tu sais, tu devrais vraiment faire un mindfuck, là, tu le mets comme ça, genre... Le gars qui s'en sacre carrément. Ça va être complètement débile. Là. Funky Cat a commencé la minuterie qu'à 10. Merci. Oh shit. Okay, je sais qu'on avait un Steve Gendron tantôt. Là. Ouais. Il va nous faire ça sur moi, j'espère. Mais Steve Gendron qui calcule du côté de YouTube, Funky Cat du côté de Twitch. On est gâtés pareil. On va voir qui est prêt en premier. On a du monde partout. C'est génial. Hey, pendant ce temps-là, j'imagine nos carottes sont cuites. Faudrait pas faire le fromage d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça le fromage. Pour les carottes. Les carottes. Il y a du carottes dans le fromage. C'est les carottes qui rendent la couleur. C'est pas vrai? Ouais. C'est quoi les choses? Vous voyez comment on peut émerveiller un garçon aussi facilement. Ça doit être le fun chez vous. On a bien du plaisir. J'ai-tu manqué la croustillance? Non, on a... la croustillance s'en vient. Elle est au four, la croustillance Dirt Dig. Fait que... Dirt Dig. Comment, tu sais, comme bien pour les intimes. Hein? Hey, Will Smith, j'en reviendrai jamais. Hey, c'est tellement bon. On dirait que ça ferait un chandail de tout ça. Will Smith. Will Smith. Avec les compagnies là, qui font comme moi, là. Will Smith, mettez-y sa face avec un pot d'huile. Will Smith serait top sur un t-shirt en plus. Moi, j'ai rencontré le personnage. En fait, il habite en France. Puis il a été un guide sensationnel pendant notre voyage Bob le Chef Live en France l'an passé. Oui. C'est quoi son vrai nom? C'est quoi son vrai nom? C'est On faut pas le dire. C'est Michael quelque chose. On faut pas le dire. Non. Will Smith n'a jamais dévoilé son nom. Pendant un bout, tu disais son vrai nom, puis je me demandais c'était qui dans le chat en plus. Non! C'est comme Michael quelque chose. Mais c'est pas ça! Ah ben là, il fait une face de surprise. Will, c'est pas moi. J'ai dit que ton prénom, c'était Will. Oui. Will Smith qui chante des chansons comme Getting Oily With It. Na 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 na. Les jeux de mots n'arrêtent juste plus. Ah, je suis parti, mon chum. Il dit c'est Robert James aussi. Robert James? Yes. Ça, ça sonne. J'aimerais ça que vous l'appelez tous. On va pas faire un t-shirt Robert James. Ouais. Prochaine fois qu'on arrive ici, j'ai cuisiné. Robert Chef Legit. J'ai cuisiné with Robert James and all I got is that lazy t-shirt. Bon, hey, là, les poignées sont rendues chaudes. Parce que ah, je savais bien que ça faisait ça, Manny. Tout le monde me juge tout le temps dans la cuisine. Ah, j'avais comme peur d'échapper les carottes. Et comme dans l'annonce de produits de la maison. Avez-vous peur de tout coller à côté quand vous vivez? Ça passe pas. Achetez-vous la passoire. Ah non, avez-vous toujours ce problème? Ah, c'est passoire. C'est juste des trous dans le couvercle. Elle sac juste ses patates dans le lavabo. Avez-vous peur de tout échapper? Elle échappe tout. Mais il n'y a aucun de ces gadgets-là qui fonctionne. Probablement pas. Non. Les poils Gotham Steel, tu penses-tu que ça vaut quelque chose? Il y a Gotham dedans. Ben, oui, et ceux en céramique aussi, ouais. Là. Ouais. Qui, ouais. Mais c'est ça, Gotham Steel. C'est comme une autre gamme, ouais. Mais ceux-là, tu peux vraiment prendre des outils pas en plastique. Ah, ok, ouais. Non, mais c'est ça qu'ils disent avec le Gotham Steel. Puis une fois que t'es fait, les vrais cuisiniers ont comme de quoi contre ça, parce qu'il faut travailler avec une spatule en plastique. Puis je te jure, j'entends des cuisiniers, tu sais, on est niaiseux, mais vrai, c'est pour ça qu'on est dans la cuisine. Non, mais on est comme, là, utilise une spatule en plastique, c'est pas même un pro. Fait que prennent des spatules en métal, puis ils scrapent tout. Ouais, ça graphique, c'est ça. Oui, ça, c'est niaiseux. Donc, on mange du plomb. On mange du plomb, ouais, mais ou du plastique, c'est le plus.
Alright, notre paprika fumé. On a ajouté nos cachous. Oui. Notre ça c'est le résultat avant, voilà, ça c'est pour faire le fromage ici. Ça on va tellement ici. Et le résultat, voilà, ça donne ça. C'est l'effet. C'est mind-blowing. Là, c'est... Ouh, ça goûte. Ils disent de mettre un peu d'eau, moi je vais mettre de la bière. Génial. Ouais. Tu sais, la bière, ça va être ça, nos bactéries qui vont faire fermenter. Ah man, j'ai pris une bière que j'ai pris une gorgée. Mais c'est oui. Si grave que ça, ton enfant. J'en mangerai pas de ta prochaine. J'ai bavé. J'ai plus le contrôle de mes orifices. Hey, on blend ça. Oh. J'étais un peu stressé. Pourquoi? C'est la première fois que tu le fais. Oui. Je suis pas convaincu, man. Qu'on va être du fromage. Qu'est-ce que t'en penses? Je te lève, ça a l'air des carottes avec des noix. L'effet, merci, mes pas. On prend un peu de ta bière pour en mettre dedans. C'est ça, vrai? Ouais, ça va être. Ben, il en faut pour se passer les cadres. Ah, ouais, perce-moi. Ah, ouais, ouais. Je n'y ai même pas. Ok. Ah! Hey, mais l'effet fromage et la gang, là, c'est. Attendez! Ça, une brique de petit Québec, là. Wouhouhou! Faut que ce soit liquide. Mon belle vie, là. Sacré. Il y a probablement plus de fromage dedans que dans le Velvita, par exemple, pour vrai. On va acheter un petit. On va aller rendu à l'eau. Je t'avais à mettre du lait. Rendu là, mais du fromage. On a du bon. J'envoie un peu de cheddar là-dedans. On a du bon terreau. All right, je pense qu'on l'a. Ok. Parce que je suis sceptique, c'est pas ça. Absolument, moi-même je suis sceptique. Au goût, c'est pas pire, hein? Les carottes avec des noix. Les carottes avec la bière. C'est pas de paprika. Qui aurait cru? Oh, man, c'est végétalien, man. On va amener nos aromates. Manque un petit peu de. Manque nos aromates. Ça allait sauver. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de végétalien qui nous écoute. Oh, ben, aidez-nous, c'est un essai, là. C'est pas la faute aux végétaliens. Absolument. On va l'avoir en plus. Bien du respect pour leur pratique, mais. J'ai l'impression que c'est assez boum. Non, ben, mais oui, quand c'est assez boum, OK? Je suis pas affaire avec les. Je suis pas bon avec ça, je vais. OK, ce qu'on va faire, check bien ça. On va essayer de pas s'en mettre partout. Non, non. On va le tamiser. Uh-huh. Yeah. Puis on va prendre un autre bol. Comme ceci. Du fromage ginac. Du fromage ginac. C'est une recette pleine d'imagination. On coupe des feuilles de riz, mais ça donne une tôle. On va se laisser du fromage. Oh! On essaie d'ajouter du sel. Pardon. C'est ça qu'il y a dedans. On rit plus, on le laisse se concentrer. Ben oui. On va voir. On va voir que ça donne. Vraiment, ça va-tu pas sauter avec Tammy? C'est ça ma question. Ça va-tu bien, Tammy? Ça va changer de goût parce que. Ça marche pas. T'as juste le juge qui sort. Ben, ça, c'est quand tu veux faire comme un fromage solide, comme un cheddar. Toi, tu veux le mouler. Mets-le au congélateur une coupe d'heure, peut-être qu'il s'en va mettre une petite brique en rond chaud. Ok, non! Je ne comprends pas comment ça, c'est autant de grumeaux. Ben, parce qu'il aurait fallu le passer d'un vrai blender, je pense. Mm. Tu sais, est-ce que tu l'as fait avec un pied mélangeur? Je pense qu'on l'avait fait au robot culinaire. On n'a pas de pied mélangeur. Au blender. T'as pas de pied mélangeur? Non, j'ai juste un Vitamix. Ok, ouais, c'est sûr que le Vitamix, ça fonctionne. Les végétaliens ont tout à fait des affaires. Oui, là, on commence à avoir quelque chose. La gang, je sais que vous pouvez pas y croire, mais si vous voyez ce qui se cache là-dessous, là... François, il est ici, puis il croit pas. J'ai abandonné, moi, ça fait une heure et demie, à peu près. Dans ce temps-là, Frank, est-ce que tu veux nous ciseler un oignon vert, s'il te plaît? Avec plaisir. Oui. C'est ma force. Combien t'en veux de branches de ça? Dis-moi, là. On en veut deux, on en veut deux. Ah, on commence à être lousse à l'émission, là. Mon Dieu. Allô.
Est-ce que vous faites un genre de party WrestleMania ce soir? Ça va être juste nous autres pis Simon Gouache. La grosse gang. J'en ai pris trois, si je suis bad boy. T'en as pris un. Ah, non, j'ai pris un. Ah, ça c'est un, vous considérez. Mais, mais non, mais il y a trois feuilles dessus. Un. Ah oui, mais là. Un. Ils ont pas toutes trois feuilles de même, gang. Mais c'est pas grave, on en veut deux. Français, anglais, avec homo, c'est à Marquette. Les maths, c'est à main gang. T'es à l'école, on parle. Là. Ça c'est deux, ça? Mais oui. C'est six, à mon avis. Mais non, parce que pas cette partie-là. Mais aussi. Non. Parce que les petits pains molles, c'est moins le fun. Ouais, du poil. Ah, oui, oui, hein. Aujourd'hui à l'émission. C'est vraiment plaisant. Marie-Claude Bernier a pleuré de rire. Moi aussi, je pleure de rire. Ah, ben, moi, mec. Merci pour l'invitation. C'est pas les oignons verts. Non, pas encore. À ce rythme-là, on devrait pas pleurer. Le pire, c'est que t'as raison. Ah, ouais, bip, bip, ça fait déjà 10 minutes. Gawain, laisse aller encore une petite minute. Ça va bien, la date va bien. J'aimerais un jour que tu sois plus sur Ricardo. Pour je, trouve ça non, mais je trouve ça relaxant. Je trouve ça détendant. C'est comme. Ça me permet d'en faire le monde avec moi-même. Moi, je fais rien. Tu peux-tu faire quelque chose? Non? Hey. Ah, tu sais quoi? Ouais, mets-toi ici. Ouais. Puis tu vas lui hacher du faux bacon. Parfait. Vraiment comme un petit bacon bits. Ok, mini, mini. Ouais, regarde les coins brûlés aussi. Ben oui. As-tu le droit de buster à ton émission? Oui, ben oui. Ouais, ok, parfait. Non, c'est à 4 heures, on n'a pas fini, l'internet implose. Et, on ne sait jamais. En France, il n'est pas cette heure-là, de toute façon. En France, c'est quelle heure, là? 7 plus heures, 7 heures. Plus 6 heures. Plus 6 heures. Il est quasiment. Il est genre 10 heures du soir. Il est genre hier. Non, il est tantôt. T'as raison. En tout temps, eux autres, ils savent qui a gagné à WrestleMania. C'est vrai. Pas de spoiler, s'il vous plaît. Mais non, ça doit pas être dans un. Là, tu veux-tu ça aussi ou. Ah, toutes les quilles. Ah, ouais. Moi, je suis parti de toute façon. Mais oui, t'es en feu. Bon, là, dis-moi que ça, ça a pas l'air de. Tu veux que je te le dise? Ça a pas l'air. Je suis content, tu le vois. Il est pas payé! Oh, oh pareil! Mon t-shirt il est mort! Oh non! Hey! Oh, il doit un t-shirt! Excusez-moi, mais oui, il m'a dit qu'on allait en faire un de robadé! C'est vrai! J'ai une petite touche d'eau là-dedans, vas-y, ouais, pour tes doigts, pour le fromage! Là, là, hein, on a vraiment créé du fromage! Ah oui, vraiment? Ouais, vraiment! Je pensais que ça devrait être un peu plus jaune! Je suis un peu déçu. Mais on n'aurait pas pu mettre du curcuma. C'est plein de bêta-carotène. J'y avais pas pensé. Il y a ça. Il y a ça. Oh, ben, ok. On y arrive. Check bien ça. On va rajouter un petit peu de curcuma dans tout ça. Ça devrait aider le tout. Je vais tellement le faire. On a-tu du curcuma, Mathilde? C'est sûr que oui. Oui, il est direct devant moi, il est ici, et voilà. Ben là, il va devenir un peu plus jaune. Ouais. Puis on sait, hein, que le fromage brie, ça goûte beaucoup le curcuma. Ben oui. Ça goûte juste ça. C'est tannant tellement que ça goûte juste ça. Oui, Funky Cat, c'est vrai qu'on goûte un peu de la sauce à nachos, c'est ça l'objectif. C'est l'objectif, exactement. Que ça on ressemble. Va y arriver, on va y arriver. Que ça ressemble à de la sauce à nachos, c'est ça notre but. Ah, bon, on a du fun, au moins. J'ai fini de couper les oignons. Ils sont beaux, par contre. Pas pire, hein? C'est magnifique. Mais je suis rodé, là, ça fait 16 que je fais. Vous autres, vous dites 2. Tu mélanges la sauce, on avait un petit peu de chien. Jérémy Gilbert, il te demande, François, t'as combien d'équipes de baseball sur ta casquette? C'est pas une équipe de baseball, c'est Art Gang Montreal, qui oui. sont une compagnie montréalaise qui font des vêtements, en fait, puis c'est leur marque. C'est comme... J'aime ça que tu restes de même. C'est un peu à la New York Yankees, mais c'est MTL qui est écrit. Comme on a vu d'équipe de balle, hein? Ah, c'est vrai? Oui, oui, j'ai été le faux! Ah. François n'y croit pas. Ah
Ah non, je suis... Hey, l'illusion, là... Du bacon invisible. Pour ça, je parle pas, je suis cul. Goûte à ça, man. Ouais? À coup de manche? Un grand coup de manche dans la barbe. C'est bon? Ça goûte des carottes et le curcuma. Ouais? Un peu. Pis la poudre d'ail. Tu ouvres la bande de poudre d'ail, moi, tu trouves-tu? Tu trouves, non? Non, mais en fait. Moi, je... Mais moi, mon gauge à ail est trop fort. Ça me. Belle la misère à gérer ça, moi, fait que. Un vieux, ah ouais. On appelle ça, la levure alimentaire. Ça arrange tout. C'est ce qu'il dit. Ça arrange tout. OK. Mais mon Dieu, c'est vraiment l'anarchie culinaire ici. Tiens, veux-tu me touiller ça? Avec plaisir. Attends, je vais goûter. Goody. Tu vas voir, tu vas être déçu. C'est des blagues. Oh, pas mal, hein, pareil! Elle vient des 100 mots! C'est le cas de lui! M'excuse pas, je t'aime beaucoup! Mais t'avais peut-être pas assez de noix! Pas assez de noix, tu penses? Sûr, sure, parce que c'est ça qui rend ça creamy, les cachous! Okay. Pour vrai, je peux brosser ça tant que tu veux! Pas grand chose. Will Smith, il nous dit rajoute de la bière, ça va tout arriver. Ah, Seigneur. La bière blonde, ça devrait être jaune. Ah, cheval musclé, il nous pose la meilleure question de toute la journée. Mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'on peut. On voulait essayer, hein, c'est important. Hein, la curiosité. On est des gens qui aiment essayer des nouvelles choses. On est. Mais parce que la gang, il y en existe sur Internet qui marche. Oui. Nous, on voulait en faire une version qui ne fonctionne. Moyen. C'est du fromage. Ça fait mou, elle était vraiment triste. Il est un peu triste, mon frère. Ah! J'essaie avant qu'on l'aide, hein? Check bien ça. Oh. On y croit encore! Non! Check bien ça! On va le monter comme une mayonnaise. Oh. Là, on va avoir quelque chose de crémeux. Hey. Sac-moi le pied mélangeur là-dedans. Check bien ça, allez. C'est moi yes, qui le fasse. Ouais, c'est toi qui le fais. Seigneur, c'est bien trop de pression. C'est toi qui t'habiller juste au cas que ça vole. Ouais. Parce que un peu sont très salis en plus. Ouais, mais moi, c'est un t-shirt à 5$. C'est correct. Mais on veut pas quand. Ton t-shirt Mom's Spaghetti. Merci. Ok. Non, je vais mettre dans le bon sens, la petite poche. Cette aventure de faux fromage, ça a fait ma journée. Hein, on va arriver à quelque chose. Qu'est-ce qui va topper ça? Qu'est-ce qui va topper ça aujourd'hui? WrestleMania est mieux d'être bon. Mais oui, mais ça m'étonnerait que Roman Reigns et Brock Lesnar fassent notre voix. Ok, tu blèmes? Attends une minute, je sais plus comment ça marche. J'en ai pas, hein? Je tiens à te le rappeler. Viens-tu brancher? Check bien ça. On va aller voir, pas que ça vole, ok? On va mettre ça. Comme ça, ok? Fait que fais juste pencher le bol, blender, puis je vais mettre de l'huile. Ok, t'es prêt? On y va. Okay. Okay. Fais-le donc, quoi! Ok, je vais le faire! Excuse! Check bien ça! Tu vas tout gâcher encore plus, là, au moins ça sera pas de ma faute. Check bien ça. Ça nous prendra un pied mélangeur. On pourrait faire cette magnifique recette de fromage. Oh my god, je sais même pas où je m'en vais. T'essayais de le monter. J'essaye, je pense que je gaspille de l'huile plus que d'autres choses. Ah, check bien ça, ça va marcher. Si on l'amène à un genre de texture mayonnaise, ok, ça va déjà être mieux, puis ça va le pâlir en plus. Check bien ça. Oh, sainte. Parce que Dieu sait qu'on met beaucoup d'huile de canola dans du fromage. Oui. Oui. Alright. Aussi des carottes. Bon, ok, on y va. Mets-moi de l'huile là-dedans. Je lis à TV. Oh, ah ouais, continue, tu sais comment ça peut aller. On dirait vraiment du fromage, là. Pareil. Oh. Ah! Yeah! Hein? Ah, vous êtes testé à la maison! Moi, j'aime Make Magic, il croit à moi, Make Magic! Ça marche, là! Make Magic, c'est bon pour toi? On va lui donner un petit chat! Parce que du fromage, c'est gras!
C'est ça qui manquait. Du gras, un corps gras. Un corps gras. Ouais. Check ça, il y a Polly. Ben oui, la texture est la plus belle pour moi. Yo, c'est parfait ça. Il est tellement content de moi. Ah, j'ai sauvé la recette pour vrai, littéralement. Man, ça, ça sort. Ok, checker. Ben, là, ça fait nachos. Là, ça fait nachos. Là, pour vrai. Là. Puis, en plus, là, on a ajouté comme au moins 8 affaires qui n'étaient pas d'ingrédients initiales. Fait que là, c'est le même que tu crées des recettes pour c'est ton blog, fille. Cette, okay? Cette recette-là. Même, tu fais ça. Cette recette-là, maintenant, t'appartient. Puis, tu peux la garder pour toujours. Mais pour vrai, c'est vraiment bien, là. Check ça! Mais fais dans un yayo for queso, hey. All up in my nasal, must have been crazo, talking about my queso. Hein? Et voilà! Hey, là, tu trempes des chips là-dedans, là, ça goûte le fromage. Des Doritos. La texture est vraiment belle, par contre. Oui, la texture est malade. Je sais que à l'œil, ça peut pas vraiment paraître, là, mais c'est vraiment super onctueux. Yeah, check ça, là, devant la caméra, la facecam. Ben, généralement, quand tu montres ça, quelque chose, ça donne ça, tu sais. C'est whippy. Ouais. Mais le goût goûte pas. Ah, c'est le fromage à mon goût. Mais... Il aurait fallu prendre du fromage pour ça. Les patates sont belles, en tout cas. Oui. Puis le résultat est magnifique. Oh, hein? C'est très beau. C'est végétalien, en tout cas. On voulait juste rire. Tu sais, on mange avec nos yeux. On mange avec nos yeux d'abord et d'avant tout. Un petit peu de faux bacon. Ça, c'est bien, ça. Oui! OK. C'est comme Noël. Mais ce faux bacon-là, il est magnifique. Des échalotes vertes, là. Moi qui ai coupé ça, hein. Tu peux-tu les mettre, vu que c'est toi qui les as coupés? Vas-y, sprinkle ça. Sprinkle away, man. J'ai pas la technique. J'ai pas les études là-dedans. Je savais pas, on va faire la fausse crème sure, par exemple. Fait qu'on n'a pas fait. Puis c'était quoi l'autre affaire? Je vais le mettre là-dessus. Oh, ça t'sais! Des feuilles de coriandre qu'on a juste lavé. Juste comme ça. On va y goûter quand même. Mais oui. Moi, j'ai l'impression que ça va goûter les carottes, les patates. Formule gagnante quand même, malgré tout. Oui. N'est-ce pas ça, la cuisine végétalienne? Non, mais c'est un essai quand même. Là, oui, faut un bel essai. Faut le dire, c'est un essai, c'est très beau, puis je suis sûr que ça goûte très bon. Remettre, mettons, paprika et compagnie, on aurait la touch qu'il faut. Mais la texture est parfaite. T'es encore en train de défendre le fromage? Abandonne. Non, j'y crois. Alexis, t'es-tu content? Oui, c'est magnifique, c'est très beau. C'est tellement beau. Mangez-les pas, mais c'est mal. C'est vraiment beau. Là, c'est le bout de poche qu'il faut y goûter, par exemple. Mais non. Le pinceau de gosse passe en blanc que c'est bon, mon frère. Non, ça, c'est bon. Tu te trompes pas avec des patates, d'un sens, là, tu sais. C'est vrai. Toi, tout le monde dit ça looking good, là. Ben oui, c'est magnifique. Ben oui. Vous pouvez faire ça, le prendre en photo, puis c'est réglé. Vous avez une patate merveilleuse. On va écouter maintenant. Après ça, vous jetez tout au final. C'est fini. Compost. Ça sent très bon. Compost, absolument. Comme là, moi, je cherche une bière. Si là, tu sers, ça sent vraiment la pelure de pommes de terre. J'espère, c'est ça. Non, mais je parle sûr que tu mets du bacon dedans. Fait que... C'est les potato skins végétaliennes, selon Bob le Chef. Ouais, littéralement, selon Bob le Chef. Selon Bob le Chef. Ça, c'est OG pour vrai comme recette. On y goûte? On y goûte. On y goûte. T'en parles, c'est clair, par exemple. C'est très bon. Ouais, ouais, c'est délicieux. Oh, wow. Même c'est surprenant. Oui! Ma foi! Oh là! C'est vraiment bon. Pas que je doutais, là. Oh mon dieu! Oh oui! Oh mon dieu! Ok, j'ai du fun en crisse. Fait que. Hey, c'est vraiment bon, par exemple. La petite tache de bacon, ça le fait. La poudre d'ail! Ça change tout dans cette recette-là. La poudre d'ail. Tu fais pas de poudre d'ail. Mais le rouge aussi. Oui. Et le bacon est vraiment, vraiment bon. Ouais. Malade! Bravo! Ouais. Mais ça, il s'est. On n'y croyait plus! C'est génial! Même moi, je croyais pas! Je te dirais que j'ai pas aidé Ben dans le processus. Mais c'est comme devenu très silencieux pendant un bon 10 minutes, Bob. J'ai cru comprendre que t'étais inquiet. Oh, je sais pas inquiet, j'ai déjà manqué des recettes. Mais. Sans l'huile, c'est l'huile qui change tout pour vrai. Puis, je trouve, c'est comme. Genre, j'essaie de faire différents fromages à la maison. Puis, il y en a aucun qui met de l'huile dedans. Pourquoi? Je sais pas, parce c'est que t'as vraiment la texture grasse. Puis je trouve que c'est ça qui fait que ça peut tromper
très rapidement, hein. Cligne pas des yeux, parce que tu vas voir c'est quoi. Mais, hein? Si on ne va pas le cuisiner, là. Oui. Les gens seront dupés. Peut-être. J'en ramènerai à François, puis je dirais, hey, j'ai fait du vrai fromage à nachos, puis on verra. Là. Mais c'est bon, pour vrai, c'est bon. Non, c'est très Jean-Benoît bon. Jean-Benoît Alain, c'est... Dis non, on dit ça en blague. Good job! Parce qu'il dit, mais ça ici, crise de manière pervers de vouloir faire un high five ici. Parce que je dis, mais ça ici. Mm. Mais non, c'est gimme five. Gimme five. C'est bon, ça. C'est très bon. C'est pas mauvais, ça. Je suis content, mais ta poutine était bien meilleure. Ta poutine était vraiment bonne. Mais c'était ça notre hommage à la patate douce. Ben oui, on s'est rendu compte que c'est ça le thème, finalement. Mm. Oui, on a donné un thème pendant l'émission. Patate douce et sexualité. Bienvenue. On a échangé beaucoup aujourd'hui. On a des confidences, ouais. Des émotions. Mm-hmm. Des hauts, des bas, des frissons. Ah, hey, ouais. On ne pensait pas y arriver. C'est une montagne russe. Ouais. Une montagne russe d'émotions. J'ai perdu 5 livres, man, pendant cette émission. Je suis brûlé, moi, complètement. Je pense que je vais me coucher. Oui, quand Funky Cat dit que notre thème, c'est la patate douce lesbienne aujourd'hui. Ah, oh, ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Et la vraie question est, si deux patates douces sortent ensemble, font-ils le ciseau? Oh. All right, sur ce, il y a Poutinos, Louis Herman, Funky Cat, Tricky Master, Cheval Musclé, Will Smith, ainsi qu'une panoplie d'autres qui est avec nous autres sur Twitch. Si vous voulez que je dise votre nom, c'est le temps d'écrire n'importe quoi. Jean-Benoît Alain, Mario McFly, Claude Lefebvre, Steve Gendron, Marc-Claude Bernier, Benoît Saint-Jean, Coiffeur à domicile, Jean-Benoît Alain, Monsieur Coco, Funky Cat, Bernie Seth, Ramzulios, Beatbox Frank, MTBH1, mon Dieu, Tarnac, Make Magic, Louis Herman, Mark Choice, Spooky McDuggets, Pat 3167, Duro Machine 88 pour tous vos problèmes de machinerie lourde. Ouais. J'ai Duro Machine, Shine One Poutinos et Bernie Seven. Et oui, et Nightbot qui termine ça en beauté en disant d'acheter une petite shot. Et Funky Cat, bien sûr, MVP. Merci, MVP. Gros merci, oui. Toxic Gimpy et tous ces gens. Seigneur, on n'a pas fini la gang. On va être obligé de rester une heure. Continuez. On va rester là. On va réessayer de faire du fromage pendant ce temps. C'est Sophie. Ben, salut, Sophie. Malade, Sophie. Merci, merci à tout le monde d'avoir écouté l'émission. C'est vous qui faites l'émission, le succès qu'elle est. Merci, ben c'est vous autres aussi. Moi, je suis juste là pour. Ben voyons, c'était magnifique. Merci à toi. Merci. Avant de terminer, Evelyne, on va te visiter à lafraîcheleblog.com. Lafraîcheleblog, le blog juste avec un G. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Lafraîche, ou sur Instagram, Lafraîche, le Insta. Oui, des très, très belles photos de cuisine. Merci. Ça donne le goût de manger. Puis quand la bouffe est végétarienne, c'est des photos. Ça goûte moins les carottes. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Pas besoin de mettre d'huile. Frank Bouliane, on te suit où? On me suit sur Facebook, Instagram, François Bouliane. As-tu un site web pour les dates de show? Non. Est-ce qu'il y a un Bruce? Hein? Puis vous pouvez suivre mon chat. Oui! Ça, c'est mon Instagram. Mais Bruce Wayne Bouliane. Si non, j'ai pas de date de show, mais j'ai mis sur Facebook. Ouais. Sur Facebook. Fait qu'on suit cet homme. Sur Facebook. Merci tout le monde. Très drôle. Merci tout le monde, c'est magnifique. Mathilde, avant de terminer, je sais qu'on va aller faire un raid sur quelqu'un sur Twitch. Qui qu'on raid avec toute notre belle communauté aujourd'hui? Ben, plein de choses à dire. On va aller voir Papa Stéphane, qui habituellement est un de nos viewers. Oui. Monsieur Papa Stéphane est en plein stream avec sa progéniture. Il fait l'école maison et le dimanche, il joue. Sur Twitch avec ses enfants, fait qu'on va aller donner plein de love. Puis à côté de ça, j'ai la tristesse de vous annoncer qu'on sera pas de retour avant un méchant bout. Mon Dieu, dans quand? Le 13 mai, ça va être l'épisode 99, suivi de la centième, notre marathon de 12 heures. Je promets rien. Je promets rien, mais on va peut-être essayer de faire un petit quelque chose pendant la semaine. Entre-temps, je me pointerai ici demain soir après, pas de panique, on cuisine là, puis on se fera une petite session de live pour les gens à la maison. Des recettes avec la viande. Parce que moi, c'est pas ma spécialité. Voilà! Merci à Mike de course qui vient de sub. Cheval musclé, là, le 20 mai. On recédule. On recédule, absolument. Hein? C'est dans un mois, mais ceux qui sont sur YouTube, allez vous abonner à notre chaîne Twitch. Comme ça, hein? Si on fait un petit Twitch, ben, vous ne manquerez pas. Puis là-dessus, je rate. Comme tout le monde sont tristes, ils vont s'ennuyer de vous pendant un mois.
On va faire des lives sur Facebook entre-temps, le premier jury craché. Puis sur Twitch, yes. Hein? Bon, hey, merci. Merci à toi. Vraiment, merci, vous êtes vraiment généreux. C'était magnifique. J'ai pas fun. Man, moi j'ai eu du fun. C'était une journée exceptionnelle. Mais pourquoi tu penses que j'ai pas tout un on dirait que non, mais là, je sais plus quelle face mettre. C'était une journée magnifique. Mais j'utilise des mots comme ça. Un peu comme Joël Robuchon, là. C'était une soirée exceptionnelle. Et à tous et chacun, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée. Bye. À bientôt, gang. Malade.